Ouais poteau, moi je vole mal partout. Je préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatsu. Hey, je veux que ma mère soit. Oui, les deux lieutenants. Y'a un monsieur qui vous attend au commissariat. Avocat, maître où, dites-lui. Peut-être que... Maître où? Essaye de venir sur le parking, c'est un avocat. Va sur le parking, mon grand. Attendez, parce que mon c'est grand. Normal. Ouais oui. Bah quoi, t'es grand, non? Mon grand, monsieur, quand même, tutoyez pas comme ça, on se connaît pas encore. Je vous ai même pas tutoyé, ça peut être... Vous êtes mon grand. C'est pas du tutoie, n'importe quoi. Et vous êtes, monsieur? Je suis monsieur Malcolm. 114, pour vous servir. 114, bah directement pour me servir. Bah oui, si vous avez besoin. Comme je vous ai servi quand vous cherchiez monsieur Bennett. Oh. C'est plus vous qui avez besoin de moi. Bonjour, pardonnez-moi pour le retard. 3 tours de PDP. Oh. Ah, ça doit encore chercher alternatif pour vous. On va rester sur A3. J'en ai marre de faire des tours de PDP. Encore ? Encore, ouais, c'est putain. Bon. Il est bon. Ce... Très bien. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Négatif. Oui, vous avez une. Pourquoi vous bégayez ? Bah, moi je bégaye pas. D'accord. C'est quoi votre question? Pour les cadets, parce qu'on va parler de est-ce qu'il paraît nous en tant qu'officier, on Malcolm. Un cadet référent. Oui. Effectivement, ce sera tous. Alors, vous voyez, quand vous voulez poser une question, il faut poser une question claire, vous voyez, c'est pas une énigme. En gros, vous n'avez pas de rookie référent et vous demandez à avoir un rookie référent, c'est ça? Mais... Bah non, voilà, c'est rien de pas compliqué, 87 va sur le ça. Effectivement, ce sera 12 à son référent. Très bien. D'autres questions? Pour ma part, mon rookie, il a été licencié, moi. Ah bon? Ce sera 10 le tien. La règle était simple, hein. Si votre rookie se fait licencier, vous aussi. Ah, bon bah. C'est qui les rookies? C'est nous? Je pensais que ça vous affecterait beaucoup plus. Je pense que c'était 55. Ah non, c'est un cas exceptionnel. Effectivement, vous ne serez pas licencié du coup. Vastano! C'est la deuxième fois, 55 qu'il a plus. Oui, dites-moi. C'est Vastano. Oui, après, pas de soucis. S'il n'y a pas assez d'officiers pour le nombre de cadets, est-ce qu'on peut prendre un ou deux cadets en MCD? Ouais, je suis pas le cop, ça vaut quoi, t'as bête d'orbi? En MCD, à proprement parler. Vas-y, viens, il y a le truc. Oui, chez Ibus. Oui, attends, je range mon téléphone. Viens, il faut le truc là, on est tous en ligne. Oui, chez Ibus, pardon, chez Ibus, j'arrive. Tu vois, je t'ai trompé, ça. Pardon, chef. 90% des effectifs étaient en MCD. Oui. On peut pas se permettre d'enlever des agents. Oui, pardon, chez Ibus. Ça va arriver, la mise en pied. Sergent, c'est pas pensable. Oui. C'est aujourd'hui le test physique? Très bien, aujourd'hui c'est test éliminatoire, je vais en virer des cadets là. Eh bien, basta. Oui. Éclat numérique, bien vu ça, MMS. Pour une fois que t'es pertinent. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Oui, je sais, capitaine, mais vous inquiétez pas, je n'oublierai jamais. Oui, ah bah ça oui, parce que si vous ratez, vous savez où vous finissez. Juste à partir de vendredi, j'oublierai du coup, mais je serai plus là. Juste avant le dispatch, tous les rookies, vous venez avec moi, s'il vous plaît. Oui, je vous passerai 57. Du coup, on a pas les rookies, non? Ah, je me disais bien. Les nouveaux que vous allez avoir, les rookies qui vont arriver, expliquez-leur comment on fait des demandes de backup pour certains, ils ne savent pas encore. Même si j'ai expliqué aux ceux qui étaient déjà là. Il nous a pas très bien briefé sur ça. Bah, je vous explique. Oui, parce que c'est compliqué d'expliquer les termes. Venez, on va dans la deuxième phase, venez. Et les rookies, vous suivez? Sergent Sheamus? Oui, j'écoute. Je vous préviens, je suis fatigué. Très rapidement, 5 petites secondes. Oui, faites-en ce que vous voulez de cette information. Faites une belle ligne en salut là. Radio 322, la MCD. Il est énervé le sergent. Ouais, vous savez tous faire de demandes de backup, c'est bon? Logan, ouais. Oui, il est énervé. Qu'est-ce que t'as fait, Logan? J'ai vraiment rien fait. Pourquoi tu le regardais mal? T'es con quoi? Bah, sinon, vous allez tous bien là, les collègues? Merde. Bah, et toi? C'était fini, Logan. Bah, oui, c'est bon. Oh putain. Bonsoir, collègue. Bonsoir. S'il vous plaît. C'est lui, il va mal regarder. Hein? Fuck off. Hey madame Vastano. Oui. Vous allez bien? Mais ça c'est dur de faire l'accent, l'accent québécois. Vous rayonnez comme le soleil. Vastano. Merci beaucoup. Tu parles vraiment comme ça, Lancelot? Commissariat, dites-moi. S'il vous plaît, je dois vous parler, ça la seule. Pas de soucis. Alors on m'écoute. Les petits puceaux.
La Raska, ça te concerne pas. Impossible que ce soit toi. Ok. Je vais être clair tout de suite. Repos déjà. Qui a écrit sur mon vestiaire? Seamus, t'es qu'un gros rasselard, connard. Quoi? Je sais que c'est un des rookies. Oh honteux, hein. Alors, qui a fait ça? Moi, je suis quelqu'un de cool. J'ai pas le viré. Mais qui porte ces burnes? Qui c'est qui a écrit ça sur mon vestiaire? Portez vos couilles. Poupée! Des pompes! Je sais pas. Ah ouais. Allez, des pompes! Wesh, là il a un bail, j'ai pas le nom. 1, 2, 3, 4. Allez, allez, quelqu'un qui se dénonce, on se dénonce, on porte ses plumes. On accuse quelqu'un d'autre s'il faut. Allez, s'il vous plaît. Attends, on dit le nom. C'est moi, c'est moi. Sergent. Les... Alexander, c'est toi? Jean, c'est moi, crash. Pardon, chef. Quand ils font des pompes. Alexander, t'es sérieux? C'est bon. Je suis désolé, chef. Vous pouvez vous relever. Alexander. Pas que c'est lui. C'était un de mes préférés. Pardon. Non, attends, Alexander, c'est vraiment toi? Oui. Alexander, est-ce que c'est vraiment toi? Non, c'est pas moi. Ok, c'est moi alors aussi. Quoi? Ah, ok, d'accord. Okay. Bon bah d'accord. Dénoncez-vous tous. Non, mais sale bâtard. Mais c'est lui, il l'a dit en premier, moi je voulais le soutenir. Silence. Ah, non. Putain, je voulais le soutenir. Sachez une chose, ce n'est pas un acte de super-héros de se dénoncer, c'est un acte de salope. Négatif, mais alors de balancer son collègue qui a agi contre le sergent instructeur, ça c'est un bon acte. Négatif, je pense qu'on est tous une équipe, monsieur. C'est vous qui l'avez dit le premier jour. Vous êtes tous une équipe et vous allez tous en baver. Ce soir à 22h30, on va partir pour le stage. Il y aura des virés. Ceux qui ont excusez-moi, il était bloqué dans les vestiaires. Seront virés du Los Police Department et pourront peut-être revenir aux prochaines sessions de recrutement. Est-ce que c'est capté? C'est capté. Oui, chef. J'ai entendu plein d'échos. Oui. Voilà. Oui. Tu viens en patrouille avec moi et 15. Oh. Quoi? Oh. Bah oh, trop bien. Ton comportement est inacceptable, j'ai besoin de voir sur le terrain. Très bien, vous pouvez disposer avec vos officiers pour patrouiller. Allez, je vais le retrouver, je veux que ça se dénonce au stade de ce soir. 22h30 les routiers, 22h30. Allez, on bouge. Douze, t'es où? Ma poulette. Oui. Lève la main. Lève la main. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a des choses. C'est moi. Pour vous aider, madame? J'attends votre tuteur. Qui? Oui, c'est moi, je peux vous aider? Non, vous venez pas. Oui, venez. Venez, vous inquiétez pas. Vous jouez à quoi, 113? Oui, venez, madame. Non, vous n'êtes pas responsable. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? 113! On va filmer la formation des cadets. Oui. Je suis journaliste. Mais écoutez pas, madame. Super. Je vous dis que c'est un rookie. Je suis le délégué des cadets. Si je peux vous aider, vous me dites. Il n'y a pas de délégué. En ligne, vas-y. Donc vous êtes le plus sage, c'est ça? C'est ça, je suis le délégué. Soyez naïve, voilà. Venez, je sais pas, c'est comment, comment vous appelez, madame? Okay. Pas de problème. Plus fort en code ou en conduite? Ravine. Ravindra. Ah, Ravindra, il faut que je note votre numéro. Oui, 48, ma chérie. Oui, Ravindra. Et moi, vous voulez pas noter mon numéro? D'accord, eh ben, je suis le délégué des cabs, des délégués. Mon numéro c'est 2451, si vous avez besoin voilà, d'interviewer des... Vous êtes le délégué des délégués. On va interviewer. Ouais, dépêche-toi, super. Ça marche. Ben au revoir, madame Raven. Le capitaine est à l'intérieur du coup, oui. Le journaliste. Et 22h30, venez au commissariat, vous allez venir filmer. Ça marche, merci monsieur. Écoute, tu as eu un comportement inacceptable ces derniers jours. Moi ? J'ai entendu beaucoup ton prénom. Je sais très bien que Malcolm c'est un petit agneau que tu manipules. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Hier, la lettre d'excuse que je t'ai fait faire. Oui. Les remarques. Oui. La drague sans cesse. Oui. Sur ça, je te le dis, tu as un comportement de connard. Moi, je doute fortement de toi à l'heure actuelle. Non. Vous devez pas. Tu vas montrer tout ton potentiel. Vous devez vraiment pas. Faire des petits contrôles de routine. D'accord. La moindre erreur. Mais monsieur Seamus, vous savez que là. En gros, vous pensez que je suis un mauvais agent, je vais pas trouver avec vous, vous allez être choqué, vous allez vous dire, ouais, en fait, je me suis trompé sur toute la ligne. Justement, prouvez-le nous. Bah oui, c'est que je ce soir. 113. La moindre erreur, tu prends une mise à pied. Bah, mais 72 113. Vous allez être choqué. Ah, non, d'accord, ok. D'accord. Bah, choque-moi. Mais je vais te choquer. Je vais te choquer, Seamus. Tu veux que je conduise? Déjà, passe devant. Non, j'ai pas le permis, mais je sais conduire. Non, passe devant passager. Vas-y. Ah, d'accord. Toi qui t'occupes des colleries. C'est quoi ton matricule, toi, madame? 15. C'est en gauche, Seamus. Ouais. D'accord. C'est moi qui fais l'école radio? Oui, non mais attends, mais moi je vais pas faire d'école radio, je suis un cadet. Non mais je t'explique. Et il se passe quoi là? Vas-y. On est en course poursuite. Ok, non, donc du plus, coup, c'est quoi les codes? Okay, on est en course poursuite avec un véhicule. Non mais, chut, mais tais-toi. Ça, écoute-moi. C'est les petites erreurs. Vers le pont.
Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Dis que t'as perdu le véhicule. On a perdu le véhicule. Voilà. 10-4. Là, on est en tango, ça tu le sais? Là, on est en tango. Mais non, mais putain! Attends, je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire? Mais ne répète pas ça en radio, je t'explique à toi. D'accord. Pour que tu puisses bien le faire. Oui. Ok? Donc là, c'est une tango puisqu'on est 3. Une tango puisqu'on est 3. Tu donneras le matricule le plus haut dans la radio. C'est quoi son matricule à chez Imus? Chez Imus, c'est 37 si je dis pas de bêtises. C'est toi 37? Ouais, c'est 37. Okay, mais moi 37. C'est chez Imus, tout le monde m'appelle chez Imus. Tango 37. Voilà. Non, tango chez Imus. Et là, vu qu'on était en course poursuite, tu dis. Bon, là, il veut que tu dises chez Imus. Du coup, tu dis tango chez Imus. 10-56 d'un véhicule et tu décris le véhicule. Non mais j'arriverai jamais moi. C'est pas grave, j'ai confiance en toi. Arrête j'arriverai de jamais. Non 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 mais j'arriverai nous jamais. Savons que tu as confiance je suis la en toi, première à faire des erreurs alors que j'étais SLO. T'inquiète. T'es une SLO. C'est une SLOP. Super. Vraiment là tu viens de me traiter ça. C'est quoi? Ah ouais. Pardon. La prochaine. La prochaine. Tu approches de la ligne rouge. Tu approches de la ligne rouge, Riz. Mais Shaimeus, j'ai vu ton sourire jusqu'à tes oreilles, pourquoi tu me grondes? Non, je ne souris pas, absolument pas. Je ne rigole pas. Silence. Et t'arrêtes de faire tes blagues. D'accord, pardon. Tu es chiant, Riz, tu es chiant. Je suis désolé. Les blagues, c'est avec les autres collègues c'est pour, c'est pour la course poursuite. Et ensuite, aussi, tu peux t'aider de dire combien de fois le véhicule est occupé. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ou pas? On est 3 dans la voiture. Voilà. Donc on est occupé. 3 fois. Voilà. Ok. C'est bon. Et en fait, moi, c'est les numéros que je vais j'oublie tout le temps les numéros. Ouais, mais en vrai, il y en a pas beaucoup. Vraiment. Ok, alors là, tu vas voir, on est dans un quartier dit à risque. Ça veut dire que on va procéder à un contrôle de routine simple. Tu vas me montrer comment tu procèdes à un contrôle de routine. Ok. Irréprochable, s'il te plaît, d'accord? Ok. Irréprochable. Oh putain, il y a un vol de véhicule juste à côté. Tango 64-10-19 s'appelle 47. Non, c'est... Je l'approche de la ligne rouge, Riz. Mais j'ai juste ri. J'ai vu, y'a un mec à trébucher sur le bord de la route. Ça m'a fait rire. J'ai rigolé pour l'accent. Ça te fait rigoler, forcément, ça. Bah oui, un mec qui trébuche, ça me fait rire. Mais t'es un débile, t'es un débile mental. J'ai le droit de rire, oh, c'est... Non, c'est... Tu rigoles pas du mal des gens. Vous avez quel âge 22. Je contrôle. Ah. Je contrôle deux, là. Pourquoi vous voulez les contrôler? Contrôle de routine, simple contrôle de routine. D'accord. Allez, tu gères. Bonjour messieurs. Bonjour. Sur le côté tout de suite. Sur le mur. Pourquoi? Contre le mur. Je ne dégaine pas ton taser tout de suite s'il te plaît. D'accord. Les agents, si vous voulez faire du travail, là on a un collègue qui s'est fait attraper ta par gueule, deux, ta gueule, ta gueule, c'est moi qui pose des questions. Ah ouais, silence. Ah ouais. Quoi? Alors bonsoir messieurs, nous allons procéder à un contrôle de routine. Bonsoir messieurs, nous allons procéder à un contrôle de routine. Vous pouvez retourner s'il vous plaît messieurs. Pouvez vous retourner s'il vous plaît messieurs. Retourne-toi, j'ai dit. Calme, oui, pardon. Calme. Tu gardes ton calme. Oui, pardon. Et tu présentes papier d'identité. Je pourrais avoir vos papiers d'identité, s'il vous plaît. Ouais, ça marche. Voilà, tu vois, il fallait juste le pichonner 2 secondes, c'est ce que je disais. Mike Larson. Non, mais il a pas l'air si méchant. Mazon Frost. Ouais, vous habitez par ici? Non, dans le quartier, près. Bah, justement, du poste de police. Près du poste de police, d'accord, et vous faisiez quoi? Bah, écoutez, on se baladait. Et il y a une alarme de véhicule qui a sonné pas loin, vous auriez pas vu un truc? Non, du tout. Non, du tout. Justement, on cherchait nos potes qui se sont fait attraper. Et il fait beau là, non? Il fait beau, non? Bah ouais, pourquoi? Pourquoi t'es capuché? T'as un truc à cacher? Bon, non. Bah, pourquoi tu te capuches? Il pleut pas? Écoute, le droit, non? Si, mais c'est bizarre quoi, c'est tout. C'est comme si je mettais un short en hiver, ça a pas de sens. Bah écoute, y'en a, ils le font. Ouais, mais c'est con. Bah non. T'as vu, tu dois avoir chaud. Allez, Roger! Retire-moi cette capuche, là. Ah, je t'avoue. Galère. Retire-moi cette capuche, dépêche-toi. J'ai envie. Dépêche-toi. C'est pour mieux voir votre visage. Il garde monsieur. Sa capuche s'il veut. Ah ouais? Oui. Après, en fait, le souci, c'est. Visage. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr, moi je vais te recommander, au nom de la loi, de retirer cette capuche pour pouvoir être à l'aise et éviter une insolation. Mais je pense que la chaleur et toi, ça fait 2 et ça fait 1. Ah. Alors? On va laisser passer. Voilà. Ça marche. Quand tu souhaites une bonne journée, on continue. Et tu me ranges ce taser. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on va continuer là. Eh ben, bonne journée à vous. Bonne journée. Et du coup, est-ce que je peux en placer une? Ouais. Allez-y, on vous écoute. Il y a un séminole gris qui a attrapé. Il y a 2 femmes dedans qui ont attrapé un de gars. Aïe! Où ça?
Là, je... ça s'est passé là, là où il y a le vélo. Deux femmes, ils ont attrapé un de vos gars. Arrivé sur place. On est un peu plus loin derrière. La chance. Voilà. Alors là, allez, tu remontes dans la caisse. Tu remontes dans la caisse, Rocky. Au revoir, messieurs. Allez, tu remontes dans la caisse. Au revoir. On va essayer de faire de notre mieux. Vous avez le prénom de votre... Allez, tu remontes dans la voiture. Tu remontes dans la voiture. Du con. Du con. C'est vrai, j'aimerais bien me faire attraper par deux meufs. Quoi? Ils sont là, ils sont désespérés, ils te parlent d'un cas, tu leur dis la chance. Oui, la chance. Du con. RAS appelle 51. Tu avances vers la ligne rouge. Tu avances vers la ligne rouge. Non mais t'as vu, le contrôle là, il était carré, j'ai pas fait de... C'était... Ouais. Moi je fais mieux. Ça va, c'était un peu propre. C'est bien. En fait, faut me voir en inter. En inter, je suis bon. Moi, je suis un mec du terrain. Qu'est-ce que t'appelles une inter? Ben, un braquage, bim bam. Ah, tu penses... Tu sais bien négocier et tout? Non, j'ai jamais négocié, mais okay. S'il faut mettre des coups de taser, je suis là. Oui, d'accord. Ouais, toi, tu irais très bien au SWAT, quoi. Tu aimerais bien rejoindre le SWAT? Non. Tu aimerais rejoindre le quoi, toi? Rien. Juste patrol, ça te va? Ouais, je... Patrol. Genre neutre. Toi, tu as l'information. T'as des divisions après par la suite. Toi, t'es quoi, toi, madame? SLO? Moi, j'étais SWAT et maintenant je suis... Non, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est le grade, ça. C'est pas les divisions. Genre là par exemple à côté de toi t'as un sergent. Et moi je suis un sergent. Oh putain non. Ok. T'as vu le réflexe, j'ai attrapé le volant direct. Ah par contre là oui, c'est gavé. Potentiel. T'as vu? Potentiel. T'as vu? Potentiel. Ok, plus allez. 10. Plus 10 pour le rookie. Potentiel. Merci. Tu recules d'un mini pas vers la ligne rouge. Attends mais c'est où SLO? C'est où SLO? SLO c'est au-dessus d'officier 3, mais je crois qu'ils l'ont enlevé, maintenant il y a sergent. En gros moi, en tant que SLO on est passé officier 2, après il y a officier 3, gauche, et gauche, après, à gauche. Sergent. Si, à gauche. Il y a un braquage de supérette. Ah oui, bien joué, bien joué. Et non mais c'est... Conduire, donc là tu l'annonces. C'est pas elle la meuf aiguille. Attends, mais on sait pas si ça a déjà été pris peut-être. Parce que ça date, ouais je crois que ça a déjà été pris. Ah il date, ok. Ouais il date, ouais. Ta gueule. Ah mais le trio frère. J'ai une mystère, il était content de sa blague, hein? Ouais. Grosse. Ah, t'as compris la blague? Oui, non. Mais c'est pas elle, la meuf aigrie, bordel. C'est pas Laura, ça. Bon, Riz, j'ai besoin de savoir parce que, voilà. J'aimerais que tu me répondes honnêtement. Ouais. Là, je l'ai convoqué et j'aimerais que tu me répondes avec la plus grosse honnêteté. Quoi? Je vais être franc avec toi. Tu vois, Vastano? Oui. C'est Mago, elle. T'as fait des attouchements? Non. Ou quelque chose comme non, ça? Non, non, pourquoi? D'accord, ok, je verrai ça avec elle dans le bureau. Attends, il s'est passé quoi avec Vastano? Je soupçonne Vastano de forcer... De forcer Riz à sortir avec. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Bonsoir, on vous allez bien du véhicule, s'il vous plaît. On va faire un petit contrôle, vous pouvez vous mettre sur le côté, s'il vous plaît? Oui, allez. Mais c'est pas pressé, tu vois. Regarde comment je fais, tu prends des... Et il a rien fait, lui. Si, on l'est à fond. J'ai une urgence, là, messieurs. J'avais... Aïe. C'est quoi l'urgence? Il y a un pot d'échappement qui fuit. Je suis... Ma voiture, wesh! Alors, les wesh! Je suis garagiste! Tu es garagiste? Je travaille, je suis garagiste. Enchanté, et moi je suis flic. Oui, je sais, parce que oui, je viens souvent vous dépanner. Bonsoir, alors moi je viens juste vous faire un petit rappel sur la vitesse, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, je comprends, oui. Ah, trop stylé! Prochaine fois, on sera obligé de procéder à une amende et à un gros contrôle. Je pense que c'est pas qu'est-ce que vous voulez. Non, c'est sûr. Hein. Allez! Je vous laisse continuer votre route. Ah, merci, monsieur. Super. Allez, tu mets. Est-ce qu'il y a la bagnole, hein? Tu m'imites là, vraiment? Ouais, j'adore, ouais, parce que j'aime bien ton accent. Bonne journée, monsieur. Bon, après, je vais avec 95, là, on doit préparer l'exercice de soir. Tu es prêt ce soir, Riz? C'est quoi l'exercice? Ah, je l'ai baptisé R6. Coup de feu! Ouh. Position. Il a raison, coup de feu au niveau du... Position. Attends, mais c'est normal que je vois les cas sur le GPS? Oui, c'est normal, c'est le nouveau truc. Mais c'est broken! Attends, ils sont où les coups de feu? Je suis fuck ou je les... à gauche, nord-est. Mais tu vois que les voitures. Nord-est et au niveau de l'Ocean Highway. Ah, mais on est trop loin. Mais attends, mais c'est pas broken un peu? Bah en fait tu vois que les voitures, tu vois. C'est que les voitures, c'est pas un bip sur notre uniforme. Tu vois pas le flic, donc ça va. Boîte de drogue, on met la pression s'il vous plaît. Je viens de le supprimer. C'est juste un peu plus. Vente de drogue, elle est où? Ça va mieux avec ton ex, Seamus? Elle est là.
Putain, je l'ai mise. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qui s'est amusé avec ton ex? Parle pas de mon ex avec 15, s'il te plaît. Pourquoi? Tango, c'est parce que 15 et moi, on va pas tarder à être en couple. Arrête. C'est... Bien. Ouais. T'as pas remarqué, là, les cheveux rouges, j'ai les cheveux rouges. Ouais. Rookie? Ouais. Je viens de faire l'appel à ta place, hein. Quel appel? Bah, le call radio, comme quoi qu'on allait sur la bande de drogue. Ah ouais, moi, les call radio, vraiment, c'est pas pour moi. Ah, vas-y, je m'en occupe. Donc, du coup, je vais derrière. Chérie, tu es magnifique. Bah, si tu veux, vas-y. Pourquoi c'est celui qui est devant qui fait les call radio? C'est celui qui place. Passager. À droite. On le contrôle. Bonjour, messieurs, dames. Y'a pas de bonjour, y'a pas de bonjour, arrête-toi. Comment ça? On remonte dans le véhicule. Comment ça? Je remonte? Ah non, il est mal garé. Désolé. Mais je fais des choses. Je vais faire descendre du véhicule. Ok. On se garde pas comme ça sur le trottoir, bordel de merde. Mais justement, j'allais repartir, mais vous étiez au milieu, c'est pour ça. Oui, je fais attention. Nous, on a vu la bonne chose. Okay. Allez, montre-moi comment tu procèdes, Rookie. Comment je procède? Je pourrais avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît? Oui, pas de soucis. Tu vois cette dégaine? Attendez. Il a demandé juste la carte d'identité? Denzel Ward, ouais, pour l'instant, ouais. C'est quoi cette dégaine là? Faites quoi là? Bah, comment tu veux? Bah, répondez. Bah, je sortais du karting, j'ai fait une tenue flex. Sortir du karting, vous avez fait une tenue flex, c'est votre voiture ça? Oui. Vous êtes garé, pourquoi vous êtes garé ici? Bah, parce que je trouvais pas l'entrée. Je peux voir les papiers? Les papiers? Non, je les ai pas. Ah, vous avez pas les papiers? Oh, okay. Non. Donc, mal. Attends. Mal garé et en plus t'as pas les papiers? Oui. Et tu crois que c'est normal? Non, j'ai pas. Pardon. Vas-y, bah, on va vérifier si le véhicule il est volé, d'accord? D'accord. D'accord, super, on vérifie ça? Je vais vérifier. Comment je vérifie? C'est bon, je sais, parle pas avec moi. C'est bon? Ouais, le speedy. Quel pro. Ah mais monsieur aussi. Oui. À un moment donné, il va falloir commencer à respecter la loi. En gros, s'il y a rien, ça veut dire qu'il est volé? Attends, Rocky, j'ai pas entendu. Ouais. Tu as demandé le papier du véhicule ou pas? Ouais, j'ai demandé, il m'a dit qu'il l'a pas. Okay. Il est volé. Mais comment ça, mais... Le véhicule est volé. Les mains en l'air. Oula, attends. Les mains en l'air, j'ai dit. Ok. MCD pour la patrouille, vous avez supprimé l'appel de vente de drogue. Okay. Tourne-toi. Oui. Je vais procéder à une palpation, d'accord? Ok, chef. Oui. Chef, je peux? Ça faisait juste un moment qu'il était là. Oui, tu peux palper. Très bien. Fais pas de geste brusque, hein. Il a de la weed sur lui. 322. Oh, il a de la weed et une hachette. On peut savoir pourquoi t'as une hachette? Je peux vous expliquer la hachette. Vas-y, explique-moi. C'est mon outil de travail. Attends, je l'ai pris. Tiens, je l'ai remis. C'est mon outil de travail. Coup de feu, y'a un coup de feu. Du coup, Tango, Shane, on a trouvé quelqu'un avec des stupéfiants sur lui. Vous faites avec cette drogue là, monsieur? On est sur les coups de feu, y'a rien du tout, hein. Vous êtes suicidaire. Vous êtes suicidaire, ou... C'est votre outil de travail? Oui. J'entends pas de coups de feu, moi. Et 99 coups de feu. Reste là, bouge pas. Non, mais je bouge pas. Tu crois que j'étais pas à l'œil? Non, je bougerai pas, je vous jure. Il a essayé de s'enfuir. Il a essayé de s'enfuir, je l'ai tassé. Ok, ça, vous avez bien fait s'il a essayé de s'enfuir. C'est bien ça, Rookie, c'est bien. Mais j'ai rien fait. Bonsoir. Je vais dans l'air. C'est pas si. Ok, très bien. Vous l'avez, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je le maîtrise. Je lui colle les menottes. Ouais. Mais j'ai rien fait. Ouais. Et on va essayer de savoir où est-ce qu'il a eu toute cette putain de drogue, hein. Vas-y, c'est bon. Lève-toi. Debout. Mais j'ai rien fait. Toi, tu veux courir, toi, alors? Tu veux courir, toi, hein? Tiens, tout le monde. Je tasse beaucoup trop rapidement pour toi. Tango 99, bouge pas, monte dans la bagnole. Allez, on embarque le cheval, là, allez. Comment ça, un cheval? Oh, c'est une expérience. Allez, grimpe. Oui, je grimpe. Démenote-le avant qu'il monte, s'il te plaît. Non. C'est bon, je suis grimpé. Il va avoir des problèmes. Il aura pas de problème. Juste lâcher un nom. Il aura des problèmes, Rocky. Comment tu t'appelles déjà? Lidzel. Lidzel. Tu l'as acheté où, ta beuh? Je l'ai acheté à un gars. Il m'a dit, prends. Moi, j'ai pris. C'était qui, le gars? Ouais, c'était à droite, là, dans un quartier. T'es parti la vendre? Bah non, je savais pas quoi en faire, mais... T'es pas parti la vendre? Non. On a reçu au moins 3 appels, comme quoi il y avait des ventes de... Des ventes de stup là au niveau du karting. Bah non, moi, en plus t'as une voiture volée. En plus t'as de la beuh. En plus t'as une hachette. Et en plus tu tentes de partir en courant.
Allez, j'ai même pas essayé de partir. Miranda, s'il te plaît. Mais c'est pas vrai. Dis-lui c'est droit Miranda s'il te plaît. Je les connais pas chef. Oh, c'est la tête qui tourne. Okay, bah, tu répètes après moi d'accord. Vas-y. Alors son prénom c'est Linzel. Comment? Linzel Ward. Linzel Ward. Linzel Ward. Okay. Très bien, monsieur Linzel Ward, nous sommes aujourd'hui le 13 septembre 2022. Monsieur Linzel Ward, nous sommes aujourd'hui le 13 septembre 2022. Vous êtes placé en état d'arrestation. Placé en état d'arrestation. Pour l'effet suivant. Pour l'effet suivant. Là, tu dis les faits. Là, tu dis les faits. Non, mais possession de drogue. Non, mais possession de drogue. Je crois que c'est pas bien ce que vous faites. Alors, on va recommencer. Monsieur Linzel. Monsieur Linzel. Oui. Ward. Vous êtes aujourd'hui le 13. Vous êtes aujourd'hui le 13. On va y arriver, on va y arriver. Monsieur Linzel Ward, vous êtes Monsieur aujourd'hui Linzel le 13 septembre 2022 passé en état d'arrestation. Vous êtes aujourd'hui le 13 septembre 2022 passé en état d'arrestation pour l'effet suivant. Possession de drogue, vol de voiture et tentative de fuite. J'ai pas couru. Tout ce que vous direz, que vous direz pourra et sera retenu contre vous dans une cour de justice. Vous avez droit à un avocat et si vous n'avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Ah mais ça perd. Voilà, un avocat vous sera commis d'office. Et ben voilà, un avocat sera commis d'office. Bah le 15 du lycée 3, s'il te plaît. Tu t'es maintenant, Rocky, s'il te plaît. Ah. Bonsoir, 15. Oui, bonsoir, 15. Ça a dit 15, non? Ouais, c'est bon. Et on se connaît. Avez-vous compris vos droits? Oui. Super, on avance. Allez, vous suivez le monsieur. Je vous suis. Avance. Oh, avance, mais Rocky. Qu'est-ce que t'as fait là? Quoi? Il a été agressif. Il refuse de coopérer. Il refuse de coopérer. Avance. Tu me démenottes. Tu me démenottes et on le ramène délicatement. Allez. Comment je le démenotte? Je sais même pas comment on fait. Super, t'avais un grand pas en arrière. J'ai pas de clé de menottes. Tu viens de refaire un pas. T'as pas les clés de menottes? Mais non, j'ai pas de clé de menottes moi. Ok, bouge pas. Il m'a mis tête dans la chou. Oh putain. Pardon. Ah. Allez. Là dedans. Arrête, tu avances vers la ligne rouge. Je ne trouve pas, non mais vraiment je trouve pas les clés de la menotte. Ça fait 10 fois que je te dis je vais le valiser dans ma gueule. Ah putain mais fou. Il tape pas fort, il tape pas fort. Il me prend, mais si je tape fort, il me prend pour un con. Bouge pas, mais j'ai rien fait. Pour un con, tu te calmes. Mais ça fait 2 fois, il m'a tapé. Je comprends pas pourquoi il a pas ça par contre. Allez, on le ramène en cellule. Allez, tu viens. Ah ouais, merci. Lenzel. Ça maintenant tu peux. Zezel. Avance. Aïe. Allez Zezel. Non. Ah ça commence à faire. La 113 non. Il va pas avancer. La 113. Non non, il avance. J'arrête. 113. J'arrête mais je te jure. Il me provoque. Dans mon bureau 113. Dans mon bureau 113. Vous avez pas provoqué. Maintenant devant le bureau et tu sautes, tapes ta chewing gum. Merde, comment on fait pour faire le signe là comme ça là? Tu viens avec moi, je t'appuie sur moi, d'accord? Allez, Zazen. Ouais, tu m'étonnes chez toi, ça, la police elle doit pas agir comme ça, ça doit être un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Comme on dit chez vous, le tagine c'est avec des carottes, sinon c'est pas bon. Non, chez moi c'est ici. Allez, venez avec nous en cellule, c'est lourd. Hop, je vous sors par le bras. C'est quoi ça? Mais attends, non. Allez, venez là. Hop, viens là. Dépêche-toi là. Aïe, attends. Ah, viens là. Aïe, c'est quoi en c'est cellule. C'est lui, l'enfoiré, t'as fait mon cousin. Pardon, désolé, non, j'ai pas fait exprès, pardon. Sergent, j'ai pas fait exprès, pardon. Blake, aide-moi. Sergent, c'est pas grave, il a menacé de nous trancher la gorge. Allez, relève-toi, là. Allez, toi, ton bureau, là. Non, ils ont pas eu le temps de faire tout ça encore. Viens, c'est ici, mon bureau, viens. T'as changé de bureau? Ouais. Riz, rappelle-moi ton nom de famille. Chrono. Vas-y, Chronos. Riz Chrono. Chronos. Riz Chronos. Chronos, d'accord. Avec un K. Très bien, repos. Tu peux m'expliquer tes réactions abusives? Mes réactions abusives? Ça te dérange que 15 soit là, c'est ça? Tu t'es retourné. Mais j'ai rien fait. Non, ça me dérange pas. D'accord, ok. Pourquoi tu tapes et tu désobéis? Parce là, que je viens de le voir de mes propres yeux. Non, c'est pas ça. Il refusait de coopérer, en fait. En gros, c'était un vicieux. Vous voyez, quand j'étais tout seul avec lui, il me disait, espèce de petit fils de pute, voilà. Quand je vais être là, quand on va se retrouver toi et moi, je vais te baiser ta mère et tout. Et en gros, il faisait l'hypocrite devant vous. Écoute, il faut que t'apprennes à prendre sur toi dans le Los Santos Police Department. Ça, c'est des trucs qui arrivent, voilà. Ils ont pas été éduqués comme nous. Il est pas à l'aise chez lui. Donc il est venu ici, et il n'est pas à l'aise aussi ici. C'est tout, c'est comme ça. Maintenant,
Moi, Riz, ce que j'ai vu, c'est que tu manques. J'écris. C'est que Riz manque. Vous faites un rapport ? Oui, oui, je fais un rapport. Mais oui. Non, faites pas un rapport. Attends. Je fais un rapport à l'état-major. Riz manque beaucoup de respect à ses supérieurs. Chef, faites pas de rapport, s'il vous plaît. Il a tapé à plusieurs reprises. Il m'a menacé. Il m'a menacé. Non, pas injustement. Injustement. Chef, chef, faites pas ça. Faites pas ça, chef. S'il vous plaît. Non, bizarrement là, c'est s'il vous plaît. Ah oui. Mais je vous ai dit, il m'a menacé. Il m'a menacé. Moi, j'ai. C'est vrai que j'aurais pas dû. C'est vrai que j'aurais pas dû le frapper. Mais moi, il m'a menacé. Ça m'a. Ça m'a énervé. Oui. Tu as laissé passer tes émotions. Il a dit. Il a dit. Vous. Vous les blancs, vous êtes faibles. Quoi ? Bah oui, c'est pour quoi, ça. Il a dit quoi sur mon nom ? Bah oui. Il a dit quoi ? Il a dit ça, il a dit ouais. Développe, développe. Il a dit les blancs, vous êtes faibles. J'ai dit. Quoi ? Quoi ? Moi je m'en fous, je suis pas 100% blanc, mais c'est... moi j'ai pensé à vous, Seamus, je me suis dit. Tu déconnes. Si, si, il a même dit Black Power au bout d'un moment, je me suis dit waouh. Ah ! Ouais, vraiment ! Il a voulu prendre votre défense. Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure manière à faire. Tu as voulu prendre ma défense. Donc, je fasse le rapport. Merci, merci chef. Ouais, va se calmer, Boubacar. Il a vu. Mais ferme-la. Chef, moi, c'était pour vous. Tu as voulu prendre ma défense, super. Là, tu gagnes. Je peux dire que t'es un poil de schneck, que le rapport là, je l'envoie directement au capitaine et que le capitaine. Il te renvoie. Merci beaucoup, d'accord, chef. Déjà, je vais convoquer Bastano en privé, seul à seul. Ouais. On va parler de ton cas. Mon cas ? Il a fait quoi, mon cas ? Ton cas. Parce que toi, tu es un élément perturbateur avec Malcolm. Je vous ai dans le collimateur. Je vous ai dans mon putain de collimateur. Mais j'ai rien fait. J'ai rien fait, chef. J'ai rien fait. Non, tu n'as pas rien fait. Vous êtes perturbateur. Malcolm et toi. Malcolm, je sais qu'il a des problèmes psychologiques, mais toi, tu es un petit agneau qui a besoin d'être bien guidé. Tu vois ? Oui, je vois. Et Vastano en a les capacités, mais tu l'empêches d'exploiter ses capacités parce que tu es un élément perturbateur. Donc, je vais convoquer à 20h20 Vastano. Si tu souhaites venir à cette convocation... Demain ? Eh ben, sache que tu ne peux pas. Non, là, tout à l'heure. À 20h20 ? Sache que tu ne peux pas. Ouais, à 22h20, 22h20. D'accord, d'accord. Là, 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 sache que la mise à pied, elle est là, là, là. Mais non, 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 mais non, mais chef, la mise à pied, c'est le mayonnaise. C'est parce que j'ai pas encore une situation qui m'a permis de briller, c'est tout. Oui, oui, d'accord, je veux bien comprendre ça, je veux bien comprendre ça. Écoute, là, sur les exercices, je le reconnais, t'excelles. Sur les exercices qu'on réalise, merci, t'es un chef, des meilleurs. Merci, chef. Physiquement, merci, ainsi que psychologiquement, t'arrives à avoir l'intelligence. Merci, chef. Voilà. Vous vous rappelez quand hier j'ai gagné au truc des tasers, là ? Vous vous rappelez ? Oui, oui, mais ça, c'était de la couille en barre par rapport à ce qui va être fait ce soir. D'accord. Par rapport à ce qui va être fait ce soir, là, ça va être ton occasion de rentrer sur le terrain. Ok. Je comprends ? Je comprends. Ça va être situation plus que réelle. Plus que réelle, ok. Je vais pas te mettre dans la merde, là. Oui. Parce que comme tu me dis, tu as voulu prendre la défense de l'Amérique. Oui. Et défendre nos valeurs. Oui. Le rapport, je le garde au chaud. Oui. Sache-le. Je le garde au chaud. C'est gentil, chez moi. Maintenant, 15, je te demanderai de disposer, je vais lui parler de quelque chose en d'accord. privé. Ça marche. 15, je te demanderai de disposer, je dois lui parler d'un truc en privé. Absolument. Sache que là, je vais te donner une occasion ce soir de briller. Oui. Tu la prends et tu la manges. D'accord. Cette occasion. Range ton taser, je vais pas t'agresser. Non, mais c'est un tic, j'aime bien sortir mon taser et le ranger. Ouais, ouais, mais ton tic, ça me donne. Ton tic, ça me donne envie de t'encasquer contre le mur, te faire bouffer les livres, là. D'accord, j'arrête. Bien, en face de moi. Oui. Vous voulez m'embrasser ? Non. Hier, qu'est-ce que tu m'as dit ? T'as voulu me chanter, toi ? J'ai voulu chanter ? T'as voulu me chanter. Te faire chanter ? Ouais. Non. Si. Tu sais très bien pour Patrouille A4. Ah oui, oui, oui. Alors sache une chose. Au sujet de 95, c'est que 95, c'est mon assistant instructeur. Il me dit tout. D'accord ? Oui. Essaye même pas à un seul moment de me chanter parce que sinon je t'en casse contre le radiateur, je le mets à 100% et je te fais des brûlures au visage. Non, c'est pas ce que j'ai voulu faire comprendre, chef. Ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que là je suis policier. Donc moi je vous protège. À partir du moment où je suis plus policier, j'aurai plus rien à perdre. Oui. Donc, moi, je sais que tu... attendez, laissez-moi finir. Si je suis plus policier, si je perds ma place de policier, qu'est-ce qui va m'empêcher de faire un thread Twitter sur vous ?
C'est quoi ça, un thread Twitter? Genre, je dénonce des trucs. Ah oui, tu as quoi dénoncer sur moi, hein? J'ai rien. Ah, rien. Non, rien. Parce que je suis irréprochable dans mon métier. Non, mais rien. Et toi, tu n'es pas réprochable. Oui, non, mais bien sûr, pour l'instant, rien. C'est pas ça que je veux faire comprendre. Je suis pas prêt à vous menacer. Ce que je veux vous dire, c'est que tant que je suis flic, bah, j'ai aucune raison de le faire. Ouais. Ouais. Mais putain, mais t'es un manipulateur de merde, toi. Mais pourquoi j'ai fait écoute, quoi je veux pas te virer là pour le moment. Là, je t'ai dit, t'as défendu le pays. Je te donne une occasion mais de non, mais voir avant de te. Je veux pas. Makato, Makato. D'accord. Hey, là, c'est moi qui t'ai. Pardon, chef. À 24, on est à 300 mètres, mais on vous laisse le gérer. Je vais te demander encore une fois. D'accord. S'il vous plaît, c'est quoi la radio de la NCP? D'arrêter d'essayer d'être 322. Le petit manipulateur. Oui, voilà, je sais pas c'est quoi. T'es de quelle origine? Je suis de quelle origine? Ça vous regarde pas, je suis américain. Non, un peu d'Afrique du Nord au-dessus, non? Non, je suis américain. D'accord, ok, très bien. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ressortir. Je vais convoquer Mavastano. Et je vais parler de ton cas. D'accord. Sache que toi, j'étais dans le collimateur et que t'es le pire. Je dis bien le pire. J'ai pas peur de le dire que tu es le pire gookie que j'ai vu de génération en génération. ouais, t'es le pire. D'accord. Alors, qui est très bon sur le terrain, mais t'es aussi très con à des moments. Et moi, tu vois, c'est carré. Je t'encadre. Je suis là pour t'encadrer. Et t'encastrer contre le mur si tu me fais chier. Merci, chef. Je peux disposer? Je vais pouvoir disposer, ouais. Merci. Deux secondes. Là, je te demande de retourner t'occuper de l'arrestation qu'on vient de faire. Oui. Et d'être calme. Okay. Plus de tapage, tout ça. C'est bon. D'accord. C'est bon, chef. Parce que la prochaine fois, c'est moi qui mets une patate et je peux te dire que en une patate, je te mets KO. Merci, moi, chef. Moi, je m'y mets. Allez, vas-y. Super. Oui. Connard. Il est parti, le mec qu'on a arrêté? Non, il est en bas. Il est en bas et il y a Poupette qui est arrivé et qui a demandé « Ouais, pourquoi vous l'avez tasé gratuitement ?» et tout. Non, non. Tu lui as dit quoi? J'ai dit que tu avais défendu ton sergent. Qu'est-ce d'accord. Que... Bon, je vous laisse. J'ai dit que t'as défendu ton sergent. Mais merci. Ça va, Alexander? On a 99 sur le premier braquage de Superette, ça part en 10-50. Allez, loser. Une berline grise occupée une fois, direction Facebook Arena. Ok, nickel. J'ai besoin de renfort ou pas à 99. Nous laisse, Alexander. Ça marche. Négatif. Tu vas bien, Riz? Ouais, c'est moi qui l'ai arrêté. Non, pas lui. Non. Pourquoi il a peur de toi comme ça là? Bah, parce qu'il est agressif. Il est agressif? Ouais. C'est un menteur. Celui m'a tapé. Il avait de la beuh et une machette et il vendait de la drogue. Avec une voiture volée. Je vendais même pas de drogue. Il vendait de la drogue. Non, c'est faux. Bah, je sais pas, moi, tu me dis que tu vendais pas de la drogue et mon agent me dit que tu vends de la drogue. Mais c'est pas vrai, moi. Bah, je suis pas sûr à 100% qu'il vendait de la drogue, mais c'est probable qu'il vendait de la drogue. Mon véhicule était juste mal carré, ils ont dit. Oh, ton véhicule est mal carré, gna gna gna. Véhicule volé. C'est un véhicule volé? Tu l'as volé où? Moi, j'ai pris dans le quartier. C'est vraiment de se barrer de l'hôpital là? Tu t'en occupes, c'est bon? Oui, c'est bon. T'inquiète super. Et il a essayé de partir aussi en courant, du coup, je lui ai mis un coup de taser. C'est pas vrai, tu es un menteur. Non, vraiment. T'es un gros moteur, toi. On a entendu des coups de feu, on s'est retourné et quand je me suis retourné, il était en train de partir en courant. Du coup, j'ai sorti mon taser et je l'ai tasé. D'accord, ok. Super. Attends. T'es un moteur, c'est comme pas ça, possible. Contre le mur. Non, il faut que je vois votre visage. Comme ça? Non, mais comme ça, genre. Quelqu'un peut me prendre en patrouille, s'il vous plaît, par pitié? Avec l'individu en. Du coup, vous avez besoin de mon nom et mon prénom, ça. Si jamais quelqu'un, je suis sur le parking, d'accord? Il faut le dispatcher au 113. Ah, c'est vrai, je m'en occupe. Très bien, Adam Capitaine, toujours en 10-56 sur le véhicule de la Superette. Tango 34, 10-19, appel 10. 10-20, Capitaine. Sergent Chemise pour Capitaine. Grande. Et le monsieur le maire pour vous au commissariat. Oui, non, c'est bon. Pitié. On va passer devant l'Arcadia, du coup. Désolé, je fais les calls radio et je conduis en même temps. Hein. Pitié, quelqu'un peut me prendre en patrouille avec lui? Oui, je m'en occupe à 113. Non, mais j'ai pas le droit de partir tout seul. Non, c'est bon, il peut partir avec quelqu'un. Tu peux le redispatcher tout seul. C'est vous le dispatcher? Oui, c'est 87. 113, juste, est-ce que t'as pris la machette ou pas? La machette? Non, je l'ai remis dans ses poches. Jure parce qu'il a plu. Je le jure. Ok. Attends. S'il vous plaît, messieurs, si vous. Ouais, non, je l'ai pas. Appelez sur vos TPH, s'il vous plaît. Vu que le capitaine fait des calls radio. Allez, on repasse à l'ouest de l'Arcadius. Américains sont toujours derrière. Allô? Allô, c'est 92 là. Oui. Est-ce que t'as pris la hachette? Non, je l'ai pas pris, je l'avais reposé. Tu l'as pas pris? Non, je l'ai pas pris. Oui, Tango William. Ok, vas-y, ça marche. Ça marche. Vas-y, merci. Il repart direction. S'il vous plaît, pour jouer le dispatch.
coupe en or. Allez-y. Merci à vous. Attention. Attention. Toujours en or, direction pacifique. Regarde-moi autrement. Regarde-moi autrement. Regarde-moi autrement. Vraiment, regarde-moi autrement. Mais j'ai fait quoi encore, bordel? J'en veux plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, c'est ni que je suis parano là, que j'ai l'impression que tout le monde me regarde mal des fois. Bah oui. Sergent, c'est bon, je suis là. Oh, Bassano. Ah. C'est parti. 39. Dispatch chez moi, le 113 et les autres rookies. Le 15, dans mon bureau, Bassano. A fouillé le monsieur qui avait des... Bah oui, mais moi j'étais bien avec Bassano. Du coup, on va tomber dans l'obligation. Tu peux pas trouver avec Poupette? Poupette, elle a la MCDM, ça. Je peux pas trouver avec elle? Mais le gars... tu n'as pas trouvé pour l'instant. De 15, j'ai eu la réponse directement au PDP. Patrouille avec qui? Il est 24. En direction nord, direction Banywood. On va passer à l'est de la banque. Moi je prends n'importe qui, hein, j'en ai rien à foutre. Moi je veux bien, moi je veux bien. Je veux quelqu'un de compétent par contre. Ouais, moi, vas-y, moi, nous deux, c'est bon, c'est parti. Pour les calls, mais super, reviens. Patrouille ou pas? C'est bon, on vient de se faire mettre sur la touche là, le gars. Moi j'ai envie de partir en patrouille. Tu conduis? Comment, chef? Ou tu conduis? Conduis, c'est. D'accord, super. Patrouille avec elle, c'est jamais. 99, du coup, c'est bon. Ouais, bah les deux on va décider de venir de même. Redirection Vinewood. Dispatcher. Dites-vous. Ah, papa Blavrogaï. Du coup, moi je m'appelle William Neyman, enchanté. Enchanté. 69. C'est comment? Non, 99. Aïe. Pardon. Ah, mon dieu. Pardon. Couillon. Moi c'est 113. Je m'appelle Riz. Enchanté 113 comment? Riz ouais. Comment? Riz Chronos. Moi c'est Markov. D'accord, Alexander. Enchanté, Riz. Alexander, enchanté. Markov. Vous avez quel âge, messieurs? Vous me paraissez jeune, vous, non? 22 ans. 22 ans. 22 ans aussi. En direction sud, on va passer à l'est de l'église. Après. Super. Oula. Oula. Pardon. J'ai pas le permis, hein. C'est pas grave. Arrêtez-vous. Vous allez bien? Croyez où, mais vous croyez où ici? Comment ça une hache? On vient pour vraiment, voir vraiment, si tout se passe bien. Arrêtez de rentrer comme ça, vous allez écraser une grand-mère, on va foutre notre tête. Pardon. Mais comment ça? Pardon, c'est pas ce que... Je visitais ce quartier, t'étais même pas né, couillon. Et ferme ta... À qui tu parles, toi, souviens maman ou ouvert? On sait pas qui tu parles. On va baisser d'un ton. Ensuite de ça, rangez vos trucs là, vous allez attirer tout le monde de la gare. Parce que si on est chez nous, on est aux États-Unis. Y'a pas ce qu'on est sortir, nous. Bah, pussy man, va. Qu'est-ce qu'il y a de vous tout votre truc, boy? Tu te prends pour toi ou quoi? Monsieur, c'est bon, viens juste voir si tout se passe bien. On est venu gentiment, messieurs. Mais boy, t'as failli écraser la moitié de la raquette. Non, vous êtes des mordus de voiture, vous? Non, vous avez pas aimé notre entrée? Mais non, si, tu l'aurais fait au milieu de la rue. T'as niqué la rue. Non, on va être honnête, messieurs. On va être honnête. Notre entrée était superbe, non? Arrête-toi, espèce de bé. Oh! Mais t'es marieur là. Tu vas encore ramener les renforts, on va être dans la merde après. Ouais, eh ouais, mon grand. Bah, de toute façon, je t'avais dit quoi? J'ai pas encore trouvé dans le quartier là. J'ai trouvé le quartier des. Arrêtez. Je vois plus ta gueule que. J'ai déverrouillé le quartier des Bloods là pour l'instant. Tu crois que je suis un PNJ ou quoi? Sérieux ou quoi? Non, mais c'est vrai, là pour l'instant, j'ai déverrouillé le quartier des Bloods et le quartier des Brésiliens. Et vous? C'est bon, alors pour toi là, t'as dit que t'avais trouvé d'autres personnes, c'est bon. Bah, là, c'est ma routine, c'est à dire que je passe par vous, après Bloods, après bof, chez les Brésiliens. Ça me dérange pas, tu fasses ta routine, mais par pitié. Putain, vous êtes tout le temps chez vous, c'est un truc de fou. Oh! Faut sortir un peu, qu'est-ce que vous branlez? Comment ça, tout le temps chez nous? Tout le temps, ça stique le chibre ou quoi? Oh, faut sortir! Si j'ai envie de mastiquer le chibre, tu vas me dire quoi? Allez, vendre de la beuh là, je sais pas, fais des trucs. Quand je suis venu ici, il a voulu se faire branler par un de mes collègues, non? Non, arrête de dire des conneries. Ah non, ça c'est honnête. Ah non, ça c'est honnête, c'est totalement honnête. Je l'appelle, Oh, bref. Non, mais les gars, faut aller vendre de la beuh là, faites des trucs. Je puisse vous arrêter. Vendre de la beuh, j'ai tout le temps chez vous. Et toi, retire ton masque, toi. Retire ton masque. T'as pas envie que je t'arrête? T'as envie que je t'arrête pour le masque, franchement? Rien que pour le masque, t'as envie que je t'arrête là devant tout le monde, tous tes copains? Mais non, mais t'es habillé de la même façon, tu te changes même pas, toi. On t'a pris, toi, tout à l'heure. Retire ton masque, retire. Toi, me parle pas. Retire ton masque, retire. C'est bon, tiens. Voilà, super. Ah, voilà. C'est bon. Bien vilain. Ah là, pépère. Eh, vas-y, voilà, les mecs, je repasse en 20 minutes. Dans 20 minutes, ouais, bah. Ça ira, bien sûr. Ça ira, ouais. C'est l'âge, c'est good. Et arrête de rouler comme ça, bordel. On va mettre des airs, tu vas voir, on va crever tes pieds, casser la bouche. Je vais rien faire. Les jeunes de nos jours, c'est complètement mal poli. Putain. Eh, descend. Au nom de Dieu, descend. Foutre. Putain. Bien joué, Sarah, bien joué. Merci, mon grand. Ta gueule.
Putain, attends, je vous aime bien, vous les rookies. Rookie de... vous êtes de Los Santos, vous? Oui. Non. Vous avez toujours vécu ici? Moi, oui. Moi, je suis de Russie. Vous êtes de Russie? Oui. Okay. T'es quoi, t'es genre un réfugié politique là, quelque chose? Quoi? Tu faisais quoi en Russie, dis-moi? Bah, t'es sûr que t'as 22 ans, toi? Je crois que t'es vieux quand même. Non, 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 j'ai 22 ans. Au moins 46, hein. Ah non, faut pas abuser. Madame 33 sur le dernier appel. Là, c'est les Bloods qui habitent ici. Ah bon, ça va, merci, Rookie. Il est bien le secteur. Non, mais sérieux, pourquoi t'es venu de Russie jusqu'à ici, toi? Il y avait des problèmes avec ma famille. T'es genre un réfugié politique? Non. Quel problème avec ta famille? Il y avait beaucoup d'immigrés. Oui, ça c'est très culotté, ça, tu le sais, ça. Non, mais j'ai changé de pays où je serai à ma place, quoi. Et à ta place aux États-Unis? Ouais. Je sais pas si t'es au courant, mais en gros, là, c'est un peu la guerre, un peu en, la guerre froide entre les États-Unis et la Russie. Je sais pas si... Ouais, mais moi, je suis russe. Je suis russe, quoi. Vas-y, parle russe. Lioub, lioub, t'es bien. Quoi? Ça veut dire je t'aime. Par contre, tu vas éviter de nous parler comme ça, ok? Ça veut dire je t'aime. Hein, bloop bloop tebia. Lioub lioub tebia. Bloop bloop tebia. Lioub lioub tebia. C'est pas du turc, c'est pas du kabyle, ça? Non, du russe. T'es sûr? Loubia. Non. Lébia. Bloop bloop loubia. Lioub lioub tebia. Lioub lioub. Lioub lioub. Lioub lioub. Lioub lioub. Mais ça c'est du riz, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais non, c'est du russe. C'est vraiment du russe? Tu me prends pour un con, Rookie? Non, je vais être totalement honnête, tu vois, je t'ai pris à... On t'a pris, tu la vois, gueule, avec mais attends, nous. Mais c'est ma langue, vous vous moquez de moi? Y'a pas un russe dans le chat, tu vas nous parler autrement, ok, Rookie? Pardon, chef. Comment on dit bonjour, comment ça va? Une seconde. Bah réponds juste à côté que t'es russe. Je crois qu'il est à poil celui-là. Bonsoir chef. Ça va? Tranquille hein. T'as pas de t-shirt? T'es pas mal foutu toi. Il va falloir cacher tout ça. Je sors de la plage, monsieur l'agent là. Collègue, on a dit ce qu'on a à faire, viens, on y va. Enfin, j'étais à la plage. Tu sors de la plage en pantalon cargo avec des Air Force One? Tu nous prends pour des cons toi hein. Non mais il fait chaud, madame. Voilà. On passe quoi ici? Ouais. Rien, on passe. Je me rappelle toi, on t'a raqueté. Ah d'accord. Ça va, tu vas bien? Tu te rappelles de moi? Avec Seamus, le mec avec la crête rouge. T'as volé ton téléphone? Non, c'est pas moi. Mais si, c'est toi? Putain, réponds pas ça. Non, c'est pas moi. Mais si, c'est toi? Non, rien, on passe voir si tout se passe moi, bien. Moi, j'ai mon téléphone, je vois vraiment pas ça. Ça va ou quoi? Je te rappelle de moi? Non, pas du tout. Mais si, putain, on vous a kidnappé, toi et ta collègue, avec mon collègue Seamus, là, à la crête rouge. Oui. Ça va? On est très bien. Comment tu t'appelles? Ah, c'est vrai. Nexa. Alors, ok, on va devoir y aller. On va où? Enchanté. Seamus. Oh, Nexa, il va falloir que je te voie pour une enquête. Hein? Ouais, t'es impliqué dans un truc. Pas. Parle pas avec lui. T'as rien fait de mal, mais faudra que je t'auditionne. Entre guillemets. Je suis impliqué de quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais. Faut que tu prennes son numéro. Attends. Tu veux mon numéro, c'est ça? Ouais, ouais. Tiens, je te donne mon numéro. Vas-y, donne-moi son numéro. C'est pour des procédures. 40 92, y'a pas de procédure, j'ai rien fait, les gars. Nexa? Nexa. C'est quelle origine ça, Nexa? À ton avis? Je sais pas. Pas bête. On est où ici? On c'est quel quartier ici? J'en sais rien moi, c'est les Vagos. Clairement pas. Tiens, regarde, je t'envoie une photo de moi. T'aimes bien? Je regarde. Mais vas-y, Nexa, la bouche grande ouverte. Ouais, on se tient au courant. Vas-y, Nexa. Ciao, ma belle. Adam 33-19. Eh bien, il y en avait de la bonne ici. Rookie Riz. Oui. Oui, Riz. Vous avez une touche. Avec qui? Je l'ai vu. Les deux. Les deux. Non. Ah, t'es trop fort. Mexique. Deux gonzesses. Deux nénettes pour le prix d'une, hein. Plan 3, direct. Perds pas le temps, Riz. Perds pas le temps. Quoi, t'as une meuf, toi? Vous avez des meufs, vous, un peu, ou pas? Non, moi, je tape dans tout, moi. Ah ouais? Ouais. Ouais, le skatos là. Oui, bonsoir. Les fashion, ils se mettent sur le trottoir. Oui, désolé. Allez sur le trottoir, monsieur. Ouais. Mais après, en vrai, on a le droit quand même. Hein. On a le droit de monter dans la rue.
Non, là, je suis totalement libre. Mais ce keuf, il me fait penser à un keuf que j'ai déjà entendu. Femme, homme, je sais pas si c'est lui ou pas. Je sais pas si c'est le mec ou si c'est un mec qui imite le mec que j'entends. Oui, mais c'est pas lui. Oh, le russe. Ouais. Il fait pareil, genre, en gros, il fait pareil. En Amérique. Petite semaine, là. Aux États-Unis. Petite semaine. Ah oui, vous avez régularisé vos papiers, etc. Ouais. C'est Nikos ? T'es en règle. T'es à l'école de police en Russie avant de venir en Amérique. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Hein, vous non, c'est pas Nikos, ça. Bien l'américain, l'anglais. Oui. Vous savez, souvent, ceux qui parlent très bien anglais, c'est soit des profs, soit des membres des services spéciaux. Hein. Of course. Madame 33-19-PDP. Ah, vous êtes professeur ? Yeah ! Allez, Rocky, on se réunit, s'il vous plaît. Aïe. Merde ! Vous êtes fous, quoi ? Tu l'as pas vu ? Je l'ai pas vu ! Ah bah, il va bien, je crois. Ça va, collègue ? Tu vas bien, collègue ? Putain, j'ai cru c'était moi, carrément. Ça va, tu vas bien ? Ouais, non, t'inquiète, ça va. Tu faisais quoi ? J'ai perdu ma voiture. On vient de te rentrer dedans. Vous allez bien, je crois que ça va vraiment bien, quoi. Mieux que toi, oui. Ça va. Bon. Ah, mais c'est... Swabida Silva, ouais, tu vas bien. C'est toi. Oui. Pourquoi on revoit au Comico, là ? Parce que là, votre sergent, là, Sheamus, il a demandé tous les rookies. Ah oui, on va faire le truc de fou là. On va aller sur le terrain. Oui, non, on va aller faire un test. Incroyable. C'est pas Vastano, c'est Vastano. Ah, c'est Vastano. Vous l'avez vu, le Jenny Tune? Attends, t'es où? Ça va, madame? Bye, bitch. Bye, bitch. Venez, madame, venez la journaliste. Pardon ? Non, vous. J'ai dit ça va. Oui. Ça va, tout va bien, tout se passe comme vous le voulez ? Oui, ça va. Je vais venir faire le petit reportage pour les cadets, tout ça, là. J'ai... Je vais venir avec vous. J'ai pas reçu votre message. Parce que j'ai pas retenu votre numéro. Ah bah super. Excusez-moi, redonnez-le-moi. Vous connaissez pas par cœur non plus ? 24-51, non. Si vous avez besoin de... Monsieur Rise, c'est mon prénom, Rise. Rise, pardon, mais putain, pourquoi je dis Rise à chaque fois? Rise and shine. Pardon, je voulais faire un jeu. Rise, avec deux E. Okay. Je dis Rise à chaque fois, wesh. Rizzy. Il me hante. Okay. Vous allez bien? Oui, ça va. J'ai écrit mon prénom. Comme dans Malcolm. Regardez Malcolm. Allez, tous les rookies, on se réunit, c'est le moment, s'il vous plaît. Vous allez bien? Ça va, vous? Comment? Non, j'ai pas dit vous allez bien, mais ça va pas la tête. Ah. J'ai dit vous aimez bien? Ah, vous aimez bien? Ah, pardon. Malcolm? Ouais, la série Malcolm? Ouais. Ouais. Enfin, je préfère Ma Famille d'abord. Hein? Non, wow. Mais on parle bien de sitcom, non? Ouais. Ah, ok. Préférez Ma Famille d'abord à Malcolm. Effectivement, oui, c'est bizarre. Bah oui. Enfin, c'est... 113, vous êtes attendu par le sergent. Attends, ouais. Comment? J'ai oui, j'y vais de suite, chef. Bah, allez-y. J'y vais. Je regarde, là, j'attends. Oui. Malcolm, c'est mieux, hein. Voilà, Vastano, oui, il fallait vous réveiller un peu. Ça va, commandant plus, Ça va, et vous? Oui, ça va, c'est plus. J'attends toujours 113, hein. Oui, j'y vais. Toujours pas garde à vous là-bas. J'y vais, madame. Allez. Oui. Maintenant, ils sont pas congestionnés. Ah, il mince. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 24, 41. Si tous les rookies sont là. Ouais, on fait un call, s'il te plaît. 99 pour central, est-ce que tous les rookies sont au poste de police, s'il vous plaît? Ne répondez pas radio. 34 off radio. Bah merde, putain. Qui m'appelle? Olivier. Pas compris. Adam 08, 1041 du secteur. Non, sir. Parce qu'il y a tout le monde là. Vous êtes là demain, les rookies? Est-ce que vous êtes là demain? Pas forcément, mais sûrement. 10-4? Oui. Ouais, vous êtes tous là demain? Ouais. Peut-être. Ah, attends, il y a Olivier qui vient. Ouais, excusez-moi, est-ce que vous avez le numéro d'un procureur éventuellement? Attends, t'es rookie, non? Moi, oui, je suis rookie. Il y a le test rookie à faire.
Non, il n'y a pas encore le numéro de procureur. Non, ok, non, parce que c'est juste en bas là. Le détenu est en train de dire que je lui ai touché le rectum et tout le bordel. Et mon référent m'a dit de sortir de la salle alors que devant l'avocat il dit c'est en Inde. Ce genre de propos. Enfin, c'est en bas de l'Inde. Donc j'aimerais bien porter plainte quand même. Donc avec un procureur ou un juge directement. Pourquoi on a pris un photo là? J'ai l'impression que mon référent n'en a strictement rien à foutre que j'ai ce genre d'accusation envers ma personne. Ok, d'accord, vous réglerez ça après le test. Je vous explique la base de ce test. Il y aura malheureusement des rookies qui seront virés après ce test. Si vous ne faites pas l'affaire. Ils seront virés et tant pis, vous repasserez les tests de recrutement. Vous avez été recruté, mais je vous ai dit, vous pouvez à tout moment partir. Dégager. Vous comprenez? Oui. 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 C'est bien à ce moment-là où on va voir si vous avez de la gueule. Ok. Ok. Reçu. Si vous avez pas de gueule, vous avez pas de potentiel. Ah bah ça tombe bien, 95 est présent. Bonjour tout le monde. Bonjour 95. Pour ceux qui ne connaissent pas. Ça va bien? Oui, ça va super et toi 95? Et vous, hein. Ça va bien les jeunes? Oui, ça va super et toi 95? Ça va bien et vous, hein. Okay. Ça va, c'est bien, des bons élèves. Merci 95. De rien, de rien. Alors 95, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon assistant instructeur. Ok. Voilà, donc le téléphone déjà, Riz le téléphone. Pardon, je textote avec une fille. Ouais, je m'en branle. On sait avec qui tu textotes et on s'en branle. Malcolm, il est pas là, ça. Eh non, je textote pas avec celle que tu penses que je textote. Malcolm, il arrive plus tard à 23h. Il arrive plus tard à 23h. Ouais. Porto. Porto. Non. Oh là là. J'ai pas fait exprès. Calmez-vous les gars, si vous arrivez. Porto. Sérieux, agresse. Un rookie aux cheveux longs, 10 putains de pompes. À une main. Je n'agresserai plus mes collègues. Voilà. C'est pardon. Oui madame, venez. C'est bien. Pardonnez. Oui à la pied. Ok. Du coup c'est quoi le topo? Allez repos. Là on allait partir justement derrière, en test. On va partir. Test de négociation, mise en situation à la réalité. Ouais. Ok ça marche. On va voir si vous êtes des mouilles ou si vous êtes des flics sur cette situation. Vous allez être divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 par 4. Ce sera du 4 contre 4. Ce sera pas le but de se tirer dessus. Le but ce sera. Je vous expliquerai là-bas. Allez, on divise en combien? 4 4 en 2. Ce sera du 4 contre 4. Calcul, je me souviens. Bah... Non, ils sont 8, 95. Ouais. Oui, bah, c'est en 2, divisé en 2. Bah oui, oui, mais en 2 et 4, 4. Faire des duos mais dans des groupes de 4, c'est ce que veut dire chez... Ah ok. Mais non, ce sera du 4 contre 4, vous êtes 8, ah, voilà, ce sera des équipes de 4. Bah, du coup, divisé par 2. Allez, on monte dans le bus. Allez. Qu'est-ce que... Bon... Gros problème de mathématiques. Normalement, il y a de la place pour tous monter dans le premier bus. Faire du fond, les maths. Je vais au fond. Les journalistes, prenez votre véhicule au pire des cas s'il n'y a pas de place. Ah mince, on l'a. Je l'ai vu. Et bah, ne l'appelez pas du coup. Bah, prenez le bus derrière alors. Vas-y, on va prendre le bus derrière. Là, il n'y a plus de place. Attendez. Bah, prenez le bus derrière s'il n'y a plus de place. Bon, je vais vous poser des petites questions pendant le trajet. On a 5 heures de route. 5 heures de route? Bah, oui. Ah, 5 heures de route. Eh, 5 heures de route, et si t'es pas content, tu vas y aller à pied, gamin. T'as compris? Ok, d'accord. Donc tu fermes ta gueule et 5 heures de route. Ok, ça va. Ça va, 95, ça m'a dormi? Ouais, j'ai bien dormi, ouais. Vous avez le peps? Ah, j'ai le peps, comme on dit. Du coup, je suis sur me sans t'écoute. Ferme ta ouais. gueule! Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre mon rôle d'instructeur vraiment au sérieux! Donc, si un jour j'entends un moufeté, je vais me le faire! C'est compris, les rookies? Compris. Est-ce que c'est compris? C'est reçu. 10-4! Voilà, on vous entend pas là! 10-4! Vas-y, je suis mou sans t'écoute. Bien. Dans un premier temps, Alexander, comment on dit négatif en radio? 10-19. Quoi? Non. C'est une tête de bite, Alexander. 10-41. Négatif, c'est 10-5. Ah merde. Une tête de bite. Dis-leur, t'es une tête de bite. Pardon, j'suis une bite. Non, t'es une tête de bite. J'suis une tête de bite. Salopard. Non, j'suis un salopard. Pourquoi tu m'insultes, là? Mais tu vas pas faire long feu, gamin. Pardon, calmez-vous, les rookies, calmez-vous. À quoi on reconnaît un individu dangereux? Ta démarche. Il va le faire. Non, ne le fais pas, ne le fais pas, il a l'air. Comment il est habillé? Il y a que Alexander qui participe. Ce qu'il a dans les mains. À quoi tu penses, Seamus, s'il te plaît? Ne me dis pas que tu penses à ce que je pense.
Dites tout ce qui vous passe par la tête. Ouais, dis. T'as des gays. Non, Sheamus. Il a des armes. Il mange du couscous. Oh, ça veut dire quoi, ça? Oh, c'est bas. C'est raciste. Ok, Riz, quel est le modèle que l'on vient de dépasser tout de suite? J'en sais rien, je... Voilà, faut être attentif, Riz. Je textote. Allez. On n'a pas enlevé les téléphones pour une formation? Allez, on pose tous les téléphones dans le bac, à l'avant. Allez, okay. On passe les téléphones. On va faire comme une sortie pique-nique en primaire. On passe les téléphones. D'accord. Il y a un 4 qui prend les téléphones. D'accord, tiens. Voilà. Bien, du coup, à quoi on reconnaît un individu dangereux? J'attends les réponses, hein. Pas que à la démarche. Son attitude. Ah, son accoutrement. Est-ce que son visage il est camouflé? Négatif. Bien, seulement le visage camouflé, si. Développe, Riz, développe ta façon de penser. Ben, est-ce que son visage il est camouflé? Est-ce qu'il porte un masque? Oui, ça peut être considéré, oui. Suivant, allez, développe. Casquette! Développe, Alexander, développe! S'il a une casquette, c'est que c'est une racaille! Si elle a l'envers? Seulement... À la couleur de ses habits. Vous savez, les racailles, ça se trouve pas que à travers une casquette. Ouais. Les racailles, ça se trouve dans les... Dans les ailes, ça se trouve dans les zeps, ça se trouve dans tout ça, les racailles. Hein? Mais lui, on dirait trop un personnage d'animé, lui. Les zeps. Les zup. Les zones d'éducation prioritaire. Ah. Ok. Qui était dans une zep quand il était petit? Au collège. Soyez honnête. De toute façon, on a vos dossiers, on sait tout, hein. Apparemment, personne, hein. Personne, j'ai l'impression. Bah ouais. Personne, du coup? Non, personne. Qui c'est qui nous chante la chanson d'hier? Moi. Allez, Alexander. On est des tubes, on n'est pas des pros. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Du calcium. Mais c'est pas ça les paroles. Alexander, t'es complètement con. Mais c'est pas ça les paroles. Ça. Vas-y, Riz. On est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a négatif, la chanson d'hier. Des fruits. Du fromage frais. Ah, et je suis à poil sur mon scooter. La. Et je fais tapiner Alexander. La. Et Sheamus il baisse des tracteurs. La. Et j'aime pas trop le chou-fleur. Ouais. Et Vastano, je lui donne pas l'heure. La. J'ai plus envie de chanter. T'as recal, Vastano? Non, elle m'a pas recal, Vastano. Bah pourquoi d'un coup tu dis je lui donne pas l'heure? Mais non, mais c'est parce que ça a rimé. J'avais pas qu'on mette comme vous. Bon, allez, sinon on va un petit peu se confier là. Racontez-moi vos histoires d'amour. C'est quoi vos styles de gonzesse, quoi? Avec des gros nippers. C'est quoi ton style de gonzos? Ah, et moi, c'est les desservices comme Jenny June. Hein? Tu peux recommencer, s'il te plaît? Moi, c'est les 10 sur 10 comme Jenny June 15. J'ai toujours pas compris. Hein. Jenny June. Alex, moi, je suis Jenny Burke. Elle a dit, moi, c'est les 10 sur 10 comme Jenny June 15. J'ai pas compris. Jenny June. Bah, vous voyez pas notre collègue 15, là? Il a les cheveux rouges. Ah merde, putain, j'ai marqué sur le collègue. Elle est en couple, elle. Je crois que c'est un acteur ou un truc. Bah, elle est trop fraîche. Ah. D'accord, ok, là, tu parles de ma gonzesse. Donc, la rascasse, tu vas pomper. Ah, je suis musclé. Ah ouais. J'aime pas pomper, monsieur. T'as une meuf, Sheamus? Comment? T'as une meuf? Ouais. Elle est au 15. Genre, elle est au courant de... Elle est avec Blake. Enfin, on n'a pas encore officialisé, quoi. Ah, d'accord, ok. Je t'invite au mariage 95. Vas-y. Mais carrément, si tu veux. Ouais, faut finir. De quoi? Non, je vais pas dire. Non, mais voilà, quoi, c'est ça, pour trouver l'amour, quoi. Non mais vas-y, maintenant que t'as parlé, tu dois parler. Bah ouais. Non, je peux pas le dire. Pour notre bien tout, je peux pas le dire. Pourquoi? Bah dis-le. Parce que je peux pas le dire. Fatigué. Et moi j'aimerais me confier. Oui, dis-le nous, Alexander. J'ai fait un rêve et franchement, de toute ma vie, j'ai jamais fait un rêve comme ça. Arrête. Vas-y, développe. Ouais, genre vas-y, ça m'a fait tellement mal au cœur quand je me suis réveillé. J'étais dans une soirée. C'est trop long, frère. Non, mais voilà, faut que je me confie. Ouais, mais on s'en bat les couilles, c'est trop long. Ah bon, bah d'accord, désolé. Non, mais c'est beaucoup trop long, c'est bon. Non, vas-y, raconte, s'il te plaît, raconte. Bah non, c'est bon. Raconte, Alexandre, raconte.
Allez, Alexander, s'il te plaît, raconte. Raconte, mais pas trop long. Raconte, Alexander, raconte. Vas-y, Alexander, on t'écoute. Vas-y, Alexander, on t'écoute, on t'écoute. Alexander, raconte, s'il te plaît. Vas-y. Allez, Alexander, va. Oh, bébou, Alexander. Tu veux un câlin, Alexander? Non. Raconte, Alexander, là. Fais pas ta pute, là. Allez, y'a quelqu'un d'autre qui se confie, mais pas trop long. Votre première fois, elle s'est passée comment, les puceaux? Ah, apparemment. Si c'est un puceau, c'est qu'ils l'ont jamais fait, là. Bah oui. Oh, la rascasse, toujours avec ses commentaires, là. Elle se calme, là, elle se calme. Mais c'est quoi, la rascasse? C'est un poisson. C'est quoi? J'ai toujours pas compris. C'est un poisson. Ouais. Bah génial. Vas-y Alexander, on écoute ton histoire. Alexander, ah, raconte, fils de pute, c'est bon. D'accord. Vous voulez vraiment l'entendre? Ouais, fils de pute. Ouais, bon, ouais. Bon, du coup, j'étais dans un supermarché. Genre, dans mon rêve, je regardais Instagram. Et genre, j'ai vu une pote à moi en train de sucer un mec. 6 stories différentes. Ta gueule, c'est bon. Non, mais attends, Non, mais arrête, t'abuses, frère. Mais faut savoir. On est en formation rookie, pourquoi tu nous parles d'une meuf qui suce des mecs? Attends, mais vas-y, va au bout. J'ai eu mal au cœur. Ah ouais? T'avais mal au cœur ou j'avais le barreau, fils de. Non, j'avais pas le barreau. On a pas le même cœur. J'avais un point sur le ventre. Alors, c'est comme si j'avais joué à la play dans mon rêve toute la nuit. Quand je me réveille, j'avais pas de play. T'es dégoûté. Voilà, pile ça. Oh là là, t'as un carajou. Promets, silence. Oh, le réflexe de bâtard. C'est dur, t'as vraiment été vif. Qui c'est qui fait la porte? Je suis mort. Voilà Là, franchement, c'est magnifique. Ah, mais regarde de l'eau à gauche, les mecs. Un lac. Et de la montagne et des arbres. Tu te calmes là-haut, derrière. Putain, je m'y ferai jamais. C'est beau, laisse-moi apprécier la nature, Seamus de merde. Oh, comment tu parles? Seamus tout court, pardon. Je me suis emporté. Non, j'ai pas trop compris. J'ai dit. C'est quoi? Vas-y, d'accord. Allez, toi, t'as gagné ton test. Tu vas voir. Alors toi, t'as gagné, mon pote. Je sais pas c'est quoi le test, mais t'as gagné, tu vas voir. C'est sorti tout seul, vraiment. En fait, je. Je suis devenu vulgaire depuis que je suis un policier. C'est pas mal. Toi, t'es éclipsé. Allez, tout de suite. Ah. Tu vas comprendre qu'est-ce que c'est un truc. Waouh! Qui c'est qui me contredit? C'est vrai. Qui c'est qui me contredit? Lors de cet exercice, oui, il y aura une équipe. Je te rappelle plus tard. On est bientôt arrivé. Appelez vos proches pour leur dire au revoir ces tests-là. Je l'ai appelé. Attends, on va mourir, là. On peut récupérer nos téléphones? Tu l'appelais comment ça? Yes. Ouais, tenez vos téléphones, appelez vos proches et dites-leur, vous les reverrez plus. Merci. Bah, je veux pas mourir, moi. Voilà. La rascasse, tu te calmes! Oui, Malcolm, je suis parti en expédition avec les keufs. Si, Malcolm, il et apparemment, je vais peut-être mourir. Ah, je suis étonné. Donc, si jamais je meurs, quand tu dormais, des fois, je te regardais. J'aimais bien ce que je voyais. Hein? Alors, je te fais des gros bisous. Tu peux aller au Marc? Waouh! Incroyable! T'as dit qu'on allait mourir! Tu l'as fait chauffer un peu? Du coup, voilà. Ça fait bizarre, hein? Allez, ouais, c'est bizarre si maintenant c'est de la marche à pied, mes animaux. Merci. Du coup, il a dit qu'on allait peut-être mourir, alors je t'appelle et je te dis au revoir. Allez, mes petits chevaux, allez, ça descend, mes petits chevaux. Allez, on descend, tous sur pas de course! Alexander, tu te calmes, tu viens ici! Tu te calmes, monsieur, excité! Le téléphone, on raccroche, c'est bon, c'est fini! Allez, en rang, deux par deux. Attendez. C'est moi, je vais me mettre en rang, deux par deux. Attends, je me mets en rang. Oui. 2, 4. Eh bien. Eh, la rascasse, t'arrêtes de me regarder comme ça tout de suite. Mais je vous trouve beau, monsieur. Non, t'arrêtes de me regarder comme ça. Ok. Allez, un beau rang, deux par deux, là, sinon je vous jure que je vous en casse le cul, là. Reste capté. Allez, ça marche. Ça c'est vraiment, on sait jamais, peut-être qu'on va croiser une petite bête. Vous avez tous pris votre petit pique-nique? Oui. Non. Ouais. Affirmatif. Non. Très bien. Allez, on avance. Allez, au pas. La rascasse, t'as pris quoi pour ton pique-nique? Merde. Pourquoi on peut pas faire slash suivre comme sur WoW là? D'accord. Olivier, t'as pris quoi pour ton pique-nique?
J'ai pris du Clocking Bell. Allez, 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 on court, allez les jeunes. Allez les jeunes, on court. Allez, allez, avance. Oui. Allez, on court, on s'en a la foutre de ton fessier. Arrête. Allez, on court. Allez. Riz, regarde devant toi, Riz. J'aime beaucoup le Sri Lanka. Ça va? Le téléphone, elle a pris un coup de tailleur, je crois. Ça va? C'est bon, ça y est. Va là-bas, je dois filmer là. Mais attends, tu vas bien? Ça va. Tu t'es pris un coup de taser? Non, ça va grâce à la Trinité. Va. Ah, occupé, là. Putain, les plans, ils sont foutus à cause de lui. Pardon, c'est où? C'est où? Mais c'est là-bas. Ah, aïe. Oh, je filme. Tout droit, putain, les gars. Ils vont me passer quoi en échange? Ah mais putain. Je filme. Ah oh, mais il se fout de ma gueule, l'instructeur au téléphone. Non, mais il se fout de ma gueule, l'instructeur au téléphone. Ferme-la et va tout droit. Je vais encore te retourner. C'est 50 pompes. Monsieur le sergent. Oui. Faut aller où, vous savez? Non, s'il te plaît, tu peux me porter, je mange. Qui peut me porter, par pitié? Portez-moi, je mange. Il faut que je mange, sérieux, j'en ai marre, j'arrive pas à manger. Oh, merci. Putain, fais attention à ma GoPro là, putain ton gros cul. On a pas perdu le lieutenant, c'est le lieutenant qui nous a perdu. Donc pas de course, tu vas te droit. Il a glissé, il est tombé de la falaise. T'inquiète, il va s'en sortir, c'est un mec costaud. Heureusement je suis sportif hein. Ah, merci putain. Vraiment, merci. Ouais, bon appétit hein. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait à CSC, j'ai pas fait gaffe, putain, j'en ai marre de rien suivre. On est perdu là, c'est pas possible. Monsieur Bita... Oui, bah oui, monsieur Bitaleri, c'était capitaine du poste de Dieu. Eh ben c'est quand l'ana des biscottos, la nana. Ouais. C'est... Ouais. Il est quand même un peu lourd, hein. Pas l'inverse, normalement. Bah non, les femmes tiennent les couilles des hommes, voyons. Qui vous a dit d'aller là-bas, putain? Oh, putain. Qui vous a dit d'aller là-bas, marche arrière? Eh, vous l'avez trouvé où, ce PMX? J'ai été sûr. On est reparti de l'autre côté. Allez, on repart de l'autre côté. De merde. Ça va? Qu'est-ce que tu fais, Ravine? Mais est-ce qu'il mange? Quoi? Tu veux pas que je le pende? C'est bon. Eh ben, t'as des sacrés cuissiers. Ça me fait les fesses. Ah ouais, sacrés cuisses. Ah oui, sacrés cuisses. Messieurs, allez devant. Non, c'est ça y est. Allez devant, messieurs. Non, bah... Ok. Et pose-le, je vais le porter. Vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. C'est ton vrai rire ? Oui, pourquoi ? D'accord. Mais pourquoi vous me posez la question ? Non, comme ça. Il est bien, d'accord. Il est bien. Mangez pas la bouche pleine, s'il vous plaît. Enfin, mangez. Blah, parlez pas la bouche pleine. D'accord, pardon. Il est où, 113? Il y a du vélo, il y a du vélo. Attends, mais pourquoi il le porte? Attends, mais il est là. Je mange. Non, j'en peux plus. Je sais pas. C'est un traite. Prenez le vélo. Oh, je sais pas, mais on a pas de vélo, monsieur. Prenez le vélo, allez, hop. Ça te dérange de me porter sur le vélo? Oulala! Aïe! Eh ben, j'ai pris un vélo dans la tête. Il se passe quelque chose de grand, ça. Bien vu, Tim. Qui peut me porter sur le vélo, s'il vous plaît? Je monte sur le guidon. Non, mais vous êtes sérieux? À la 20, 19 sur le dernier appel de potes. Aïe, mais on me touche les fesses! Aïe! Arrêtez de foncer bêtement, sinon on va tous mourir. Il peut vraiment pas? Je te porte, tu veux. Si vraiment t'es. Attends, moi j'ai pas non, mais c'est bon, c'est ce que je mange quoi, t'es pratique. Allez, j'ai un discours à vous faire avant. Tu manges quoi? Un burger. C'est trop compliqué, allez, tu me dis. Allez, ça monte. Bon appétit. Allez, on monte. Allez. Hein? Je vous suis. Allez,
Allez, par là, là, venez, venez, venez. Regarde le spectacle. J'ai un discours à vous faire. Allez, tous. Ouais, ouais. Vous descendez chacun de vos vélos et vous m'écoutez. Oh merde, le vélo. Mon vélo, il est pour Quentin. Ah là là. C'est beau notre état de San Andreas, hein. Ok, tous en face de moi, assis, par terre. Ah, en face de moi est 95. Les journalistes, vous avez le droit de filmer. Oui. Des journalistes ? Ouais, ouais. Oui, oui, c'est... Vous doutez bien qu'un policier serait pas bien comme moi, quoi. Et vous doutez bien qu'un journaliste, il a une caméra. Bien envoyé, là. La GoPro sur ma tête. C'est une GoPro. Ah, c'est une GoPro. 95, bien envoyé. C'est bon. Ouais, ouais, vas-y, mange pas la bouche pleine, toi. Voilà. Bon up. Bah si, mange la bouche pleine. Parle pas, parle pas la bouche pleine, voilà. Ouais. Silence. C'est quoi ça? Silence. Aujourd'hui, vous allez passer un test décisif pour le reste de votre carrière. Mais c'est quoi la musique? Vous êtes fait pour être un civil. Pas une musique, je pense. C'est normal, c'est pour le discours. Pour l'ambiance. Ah, genre, ça fait stylé. Ah ok, vas-y. Écoutez! Mais arrêtez de toucher! Touche à quoi? Oh, orange et tout! Oh, bon, magnifique! Chut, écoutez-le! Ok. Bon. Aujourd'hui, ce test est décisif pour le reste de votre carrière, cher Wookie. Vous allez aujourd'hui, ce soir, faire le choix d'être soit un civil, soit un EMS, ou être un agent de l'État. Être un homme. Un vrai. Être burné. Avoir des burnes. Je vais vous le dire, moi j'ai été comme vous, j'étais à votre place. Et j'ai vite compris qu'aucun ciel n'est trop haut, qu'aucune chatte est trop étroite. Je suis un agent de la Los Santos Police Department, comme moi, et 95 ici présent, et matricule. Vous êtes tous capables. C'est qu'une question d'honneur et de burnes. J'ai fait deux fois le tour du monde. Et je peux vous dire que la plus belle beauté, c'est notre cœur et la volonté que notre cœur a. Vous allez peut-être devenir des agents du Los Santos Police Department et devoir risquer vos vies ce soir. Aïe! 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 On veut vous entendre! Aïe! Non, on n'a pas dit de descendre, j'en ai dit on veut t'entendre. Aïe! 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 Voilà. Ouïouïouï! Attention, il y a une tomate qui est tombée. Bon. On va se faire gazer quand même. Ouais, c'est terminé. Maintenant, oh, écoutez, putain, on va descendre à vélo. Je vais chialer, ça merde. Au rail là-bas, là. On descend à vélo au rail. Allez, on descend au rail. Allez. Délicatesse. On me dépasse pas. On ne me dépasse pas. On pense bien à toujours un peu reculer. On descend vraiment comme ça là ? Oh, restez. Oh, pardon ! Non ! Rassiez-vous ! Il est archi beau le plan. Il est archi beau. Comment je descends tout doucement, moi. Regardez comment je descends tout doucement. Ok, stop. Aïe ! Mais. Arrêtez, le plan il était archi bon. Allez. Je l'avais pas vu, par contre. Mais faut pas rester là, monsieur. Oh, punaise. Attends, je mange. Ouais, attends, je le sens pas, moi, la descente. Hein. Eddie, avance parce que c'est tout rose là. Excuse-moi. Attends, je remonte un peu. Voilà. Là. Ah, là c'est beau. Attends, je peux faire mieux, attends. Là, il y a le soleil, non? C'est bien, là? Ouais. Attends, je filme le soleil avec le vélo. Voilà, c'est là. Bon. Impeccable. Tu peux me porter avant du vélo, s'il te plaît? Vas-y. Attends, merde. C'est bon. Ah merde. Vas-y, j'arrête, passe-moi, je suis avec toi, okay. Je vais envoyer une caméra, je vais le faire. On avait rendez-vous où? Oulala. On doit aller où? Je sais pas.
Merde. Putain. Pire des cas, tu meurs. On a tout le monde. On a tout le monde ou pas? Que là, c'est du père. Bon, le petit coquin là. Redis ce que tu as dit sur moi. Pardon? Bon, termine de bouffer, termine de bouffer. Après, je te parlerai. Et tu manges quoi? Un hamburger, il a dit tel. Un hamburger. Allez, allez, enculé-le. Allez, ah, monsieur, allez. Monsieur, il y a une dame en bas. Quoi, la peur du rabais? Non, c'est la. C'est la nana, elle est tombée là! C'est ma collègue journaliste! Ah! Ah, mais non, Rise! Je vais bien! Okay. Ah! Je vais bien! Elle est où? Elle est où? Va la sauver, Rise! Va la sauver! Elle est où? Elle est où? Je vois pas! Là-bas, regarde sur le caillou là! Elle est sous le caillou là-bas, faut la sauver! Elle sait pas nager, je crois! Ah non, vous la sauvez! À droite, à droite! Vas-y, plonge! Sur le caillou? À droite, regarde, à droite là, sur la plage! Ouais, elle sur la plage abandonnée là-bas! Allez, la saute, vole! Aïe, aïe, aïe! Elle est où? Amen! Elle est où, bordel de merde? Attends, frérot. Raven, là! Ça prend les gens ils pour des cons. Vous les voyez? Raven. Je suis pas sûr. Ah. Ouais, c'est bizarre ça quand même. Ils sont allés faire des bisous quoi. Comment ça se passe là? Mais non, je la cherche, je la trouve pas! Ouais. Raven. Oh, piment sec là! Raven. Aïe! Mais pourquoi même on aime les lunettes? Ah merde! C'est bon! Oui. Suivant, allez, suivant. Je fais la queue, Riz, comme tout le monde, Riz. T'as un putain d'héros, Riz. Merci suivant. À vos règles. Voilà, suivant. Merci. Suivant. Nous aussi, instructeur. Non, nous, on va les observer. Est-ce que quelqu'un allez. Vient vers moi pour montrer plus en détail l'arme, s'il vous plaît? Non, quoi, les modos soient. Avec plaisir, avec plaisir. Ok. Du 900, vous avez passé les boules, mais pas l'arme. Voilà. Ah, tiens. Restez stable, s'il vous plaît, monsieur. Vous avez perdu. Merci à vous. Il y a des sur les rails. Il est tombé sur le rail. Attends, pardon, il dit. Excuse-moi, il est encore inconscient, il va se réveiller. Sur plan. Allez-y. Attends, chef, tu m'as donné quoi? Un paintball. Non! Non, je peux en avoir un. Je l'ai pas. Ok, alright, c'est bon. Où vous êtes parti? Alright. It's fine. Ok. Monsieur, c'est bon, tu l'as. Attends, oui. Je t'ai même pas donné les mules. Impeccable. Pourquoi il y a un collègue au sol là? Merci. Bah, il a fini 5 ans, je crois. Hey, wake up, bitch. Baisse ça si tu veux pas time que ça to be alive. 1,90. J'ai dit ça, j'aurais dit pas juste pareil. Oui, c'est parti, moi, de paintball. Si le docteur pouvait le soigner plus loin, il va être recalé pour le test. En fait, il faut que je le transfère à l'hôpital, mais vous avez explosé, vous avez poussé mon hélico dans la salle. Merci beaucoup. Qui a fait ça? Ah non, mais c'est pas censé se passer ça, monsieur. Qui a fait ça, bordel? De quoi? Ça passait quoi? C'est vraiment pas sérieux. Apparemment, il y a un mec qui l'a tapé dans l'hélico en vélo et il a fait tomber l'hélicoptère dans la rivière. C'est un jouet son hélicoptère, c'est vraiment un jouet. Bizarre. Ah, je pense que c'est moi sans faire exprès, je suis désolé. Ah ouais, ça doit être toi, ouais, je pense. C'est marrant, hein. Ah, c'est marrant. Stop des bars. Ah, c'est marrant de retrouver un pauvre spécialiste de la médecine qui est à pied. Super, les journalistes de la ville, super. Ravinda, c'est moi. Je tiens à préciser, on n'a pas d'assurance, hein. Chut, fais pas de conneries. Et puis on fait comme Spider-Man. Oh. Mais vous ressemblez? Ouais, mais celui de droite, là, mais c'est les gris. Hein? Et celui de gauche, c'est les marrons. Ah oui.
Ah, les gris. Ah, j'ai, ah, ouais, j'ai compris autre chose. Ah, moi j'ai compris le gris, moi aussi. Oui, moi aussi j'ai compris le gris. Bon, on le soigne le mec au sol ou on le regarde C'est bon. Bah, voilà. Il faut croire que Jenon n'est pas assez intéressant. Et vous pouvez appeler du renfort EMS au pire des cas, s'il vous plaît. Okay, et pour l'hélico, on va. Vous inquiétez pas. Bon, mes petits agneaux, tout le monde est prêt? Affirmatif. Hein. Écoutez, tu me. Saint-Tresse, ouais. Torse nu. Olivier, torse nu. Larascas, torse nu. Super Saiyan, torse nu. Je dois pas voir ça. Ok. Ah ouais, là ils vont se prendre des balles de paintball torse nu dans le... Ah ouais, bonhomme. J'ai envie de carrer. 1, 2, 3... Toi tu peux encore ou pas? Mais je touche des gens je crois sans rien faire. Monsieur, là on est à 66. J'ai pas de paintball J'ai pas de soirée de... Je demande depuis tout à l'heure s'il y en a, tout le monde qui en a. Non moi j'en ai pas eu. Ah merci. Voilà. Ok, vous êtes l'équipe des torse nus. Ok. Et l'autre, vous êtes l'équipe des pas torse nus. Je vous explique, les torse nus, vous avez un otage à protéger. Ah merde. Ok. Je vous donne l'otage. C'est une petite... Vous protégez l'otage. C'est qui l'otage? J'ai eu un humain facti. Oui, quoi? Mais c'est un... C'est incroyable. Mais ça peut être moi l'otage, hein. Ouais, au pire des cas, on prend un vrai otage. Bah ouais. Ah ouais. C'est l'otage absolument protégé. Ok. Ok. Je garde. Et l'équipe des torse nus, vous considérez l'otage à protéger comme une bombe. Ah ouais, ok. R&D. Let's faut go. Désamorcer du coup. On fait de la domination. Faut quoi. Désamorcer. C'est de la domination. Oh, j'ai rien écouté. On est un peu trop. J'ai rien écouté. Formation là. Faut faire quoi en gros? En gros, les torse nus. Vous considérez 95 comme un otage, oui, à protéger. D'accord. Et ceux qui ne sont pas torse nus, vous considérez 95 comme une bombe à désamorcer. Vous avez compris d'où est-ce que ça doit en venir? Oui. Non, mais pas le tuer, le désamorcer. Ça désamorcer. En gros, le récupérer et le désamorcer. Sauf que il le protège parce qu'il le considère comme un otage à protéger. J'ai posé une question et j'ai pas écouté la réponse. Oui. Okay. Bah, je vais chercher l'agent. Compris. Donc on doit les tuer quoi, ouais. Pas de négociation. Non, si, il y a des négociations à faire parce que vous voulez le récupérer, mais eux ils ont l'otage. Mais eux ils ont la bombe et ils peuvent l'activer. C'est une bombe ou un otage? Et okay. Eux ils veulent pas vous le donner parce que pour eux c'est un otage à protéger, vous avez compris? Ah, bah ok. Ça veut dire que. Non, ça veut dire qu'il va falloir être plus malin et être malin, c'est tout. Il va falloir être malin et. J'en ai marre, il faut qu'ils arrêtent de toucher la météo, frère, je vais péter un câble. Ok, reçu. Et vu que l'autre il me considère comme une merde apparemment, ça fait. Vous allez sauter du pont et vous cacher, ça vous donnera le temps d'aller vous protéger. Ah mais c'est trop. Ah oui, c'était une recherche de description vraiment. Non, non, vous sautez dans l'eau. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait 400 fois dans ma vie. Ah ouais. Là, par là, passez là, par là, passez par là, là. Et c'est... Attendez, mais c'est vous attendez quoi, le premier. J'ai rien écouté. Allez, Saint-Tresse, tu sautes. Attends, okay, on saute. Tu sautes, ouais. Non, on saute tous. Dans l'eau. Même ceux avec les maillots. Est-ce que je peux sauter moi aussi comme ça? Vas-y, ça fait... Je vais bien. Freeze time. Comment? Time free. Putain. Ah. Putain, attendez, désolé parce que je parle en même temps. Mais c'est là-bas. Contre vraiment le parc graphique, c'est dingue. Et en plus, je crois que. Attendez, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est bon. Non, j'aurais dû... En fait, j'ai dit bêtises. Ok, impeccable. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Vous inquiétez pas. À l'aide! Tout va bien, vous inquiétez pas. C'est qui ça, les collègues? Je crois qu'il y en a un, le bœuf. Je viens de voir les policiers, en fait ils sont en exercice. Ils sont où mes amis là? Bah je sais pas. On est plus que nous là. Je crois que les autres ils ont canné. Putain, je pense qu'ils sont tombés, attends je vais les chercher.
T'as envie de se mettre sur une radio. À champouiner, faut faire tout le temps. Et je sais pas où ils sont. Ouais. Ah, ils sont, j'en ai vu un là-bas, je crois. Ok, parfait. Vas-y, va le récupérer. Allez. C'est bon, ils peuvent nager, nager. Non, Riz. Comment tu t'es retrouvé là? Elle est là, la question qu'on te pose, monsieur le shérif. J'ai pas compris. Comment vous êtes retrouvé là? Elle est là, la vraie question, monsieur le shérif. Bah, en fait, je suis venu vous parler en haut et j'ai trébuché. Mais attends, c'est nos ennemis, eux, non? Ouais. Attendez. Attends, ça a pas commencé. Ça a pas commencé? Bah non, on a perdu les autres du camp. Oui. Je crois qu'ils sont en face là. Il y a une épreuve de négociation. Là-bas. Donc. Ok. Du coup, moi, je suis l'otage. Mais il s'est un peu. 95, s'il te plaît, explique-moi, j'irai d'écouter. Quoi? Explique-moi, s'il te plaît, j'irai d'écouter. En gros, vous êtes les terroristes. Eux, c'est les antiterroristes. Moi, je suis l'otage. Voilà. Ok. Et nous, on doit t'escorter. En fait, c'est la recherche et destruction. Mais c'est les antiterroristes, normalement, qui doivent récupérer l'otage. Oui, bah. Ouais, ah oui, ils doivent récupérer l'otage, d'accord. Mais du coup, ce qu'on va faire, on va négocier avec vous. Exactement. Okay. Mais il est où l'instructeur pour qu'il note ce qui se passe, le deuxième instructeur? Il est en face, il est en face. Allez, l'exercice va pas tarder à commencer. Ah bah, ok. Je vous Mais attends, on s'est pas encore placé, on est pas encore en place. Oui. Attendez. Est-ce que vous m'entendez comme si c'était une radio? Ouais. Mais on devrait pas se mettre dans une radio? Demande enculé, demande. Pour au cas où on se perd, au cas où on se perd de vue ou quoi? Non, mais si d'abord on se perd de vue, parce que là tu. Une fois là, du bouche à bouche, elle s'est noyée. J'ai pas. Mais je suis pas MS moi. Il nous manque quelqu'un de l'équipe là. Je vais faire. Bouche à bouche. Bah non, on est quatre. Elle a pris l'eau. Attendez, non, non, pas lui. Il nous en manque. Voilà. Une de retour. Ah merci. Bon. Merci. Vous allez vous placer ou vous restez là? On attend notre la radio collègue. De torse nu, c'est la radio 13. La radio de pas torse nu, c'est la radio 14. Mais non, mais une radio collective pour que tu me donnes les directives. D'accord, ok. Tu te calmes, c'est prêt. Pardon. Tu te calmes. Pardon. Radio 26 pour tout le monde. D'accord. Ok, radio 26 pour tout le monde. Et là, vous m'entendez comme si je parlais dans une radio, mais d'accord. Oui, oui. Oui. Arrêtez de viser, ça a pas commencé les cons, putain. Y'avait pas un autre endroit pour faire une négociation? Bah écoute, au pire des cas, on jette à l'eau. Qu'est-ce que. C'est vraiment le pire endroit pour l'exercice. Ouais. Oh, tu remets en doute les capacités de la chaîne. L'équipe de torse nu partait vers la cascade. Trouvez une planque. Vous attendez là, l'équipe de torse nu. Vers là-bas? Bah, c'est la cascade. Faites attention, vous allez vous noyer. Hein, si vous ouais, nagez vers la gauche, nagez vers la gauche. Ouais. Nagez vers la gauche à fond. Hein. Ça fait trois fois que je tombe dans la cascade, je refais pas une troisième. Je refais une quatrième. Nagez vers la gauche. Et il nous manque toujours un élément, hein. Oui. Il est important de vous cacher. Il nous manque quelqu'un, chef. Toujours quelqu'un, chef. Hein. C'est normal, il y a un blessé. Ah oui, il manque l'otage. Non, pas l'otage. Mais non, il manque le porc épique. Quelqu'un de chez nous. Mais oui, celui qui a la coupe porc épique, là, il ressemble à Eris. Ah bah il est là. Non, c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Moi, je suis ton instructeur. Oui, non, mais otage, je veux dire. Vas-y, venez. Venez, suivez-moi. Où l'otage porc épique? Bah, on l'a perdu. Bah ouais, je sais pas où c'est qu'il est. Mais ça se trouve, il est en haut, il a même pas sauté. Hein, non, on peut pas monter, Non, mais il est pas con. Bah, ici, il a pas sauté, il est vraiment bête. Les gars, faut se planquer, réfléchissez à un endroit où vous pouvez vous planquer. Faut qu'on prenne la hauteur, les mecs. Alors, attends, l'otage, c'est qui du coup? C'est vous? C'est moi. Suivez-moi. Ah là là, je suis l'otage! Oui, non, mais du coup, on faut qu'on vous cache en fait, tout simplement. Ah là là, je suis l'otage! Il reste 50 secondes pour vous cacher. Encore. Venez, suivez-moi. Oui. Oh là là, mais faites pas de mal. Attention, le saut ici il est un peu technique, d'accord? Prenez votre temps. Ah. Allez, courage. Vous veniez jusqu'à ici. Ok, impeccable. T'as même pas fait ouch, toi. Par là? Non, mais passez par là. Non, passez par là. Bande de cons, par ici. Non. Oh putain. Allez, pitié. Je vous en supplie, venez. Mais ça va aller là, 113.
armée, je sais pas quoi, blabla. Mais attends, c'est lui, mais attends, c'est lui. Il faut un paintball pour Malcolm. Allez, 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 on se dépêche. Ici, tu sautes là. Voilà, pareil, tu fais pareil. Voilà, bien joué. Ah bah. Oh. Ok, mets-toi ici à genoux. Mets-toi ici à genoux, l'otage. On doit faire quoi? Tu te mets. R&D, R&D. C'est moi l'otage, c'est moi l'otage. C'est lui, l'otage. Ici, l'otage, ici. Tranquille, ça va? Là, là, sur le bord. Ici, là, 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 mets-toi bien sur le bord. Mets-toi bien sur le bord. Ok, c'est quoi le plan? Elle a parlé de désamorçage, je sais pas quoi. Ne faites pas de mal, s'il vous plaît. Mais franchement, si on fait une strat, est-ce que on ouvre pas ça. Les gars, écoutez. On est des criminels. Ferme ta gueule. On est des criminels. Ça veut dire, on les bait, on fait genre, on négocie. Dès que je dis le mot écrevisse, on leur tire tous dessus, on a gagné. Ok. Mais juste, on peut pas faire un truc en mode lui, on peut pas le masquer et mettre une autre personne à sa place. Et nous, on est tous masqués entre guillemets, comme ça, c'est pas le vrai otage. Bah, vous les voyez ou pas? Déjà, regardez, on a l'avantage. Vous avez vu comme le saut il est dur à faire? Ouais. Bon, on les shoot d'ici, ouais. Comme ça, c'est. Okay, risque, qu'est-ce qu'on doit faire? Je sais pas, c'est quoi la range? Attends, c'est pas de mal, s'il vous plaît, les gars. Ah, ça va loin quand même. Ça va loin. Hein. Là, on peut les shoot de là, hein. C'est fini. Hein. C'est quoi, nous on est des preneurs de tâches? Ouais, c'est ça, Valorant. Ah ok, carrément. Ah oui, faut négocier. Ouais, mais les on... Gars, non, non, non. Les gars, il y a des négociations et tout, en fait. Ok, hein, on négocie pas. Okay. Allez, vous négociez. C'est pas tirer pour tirer, là, les gars. Il y a un exercice, putain. Non, mais... Non. Ils m'ont pas vu. Oui. Oh là, il aurait pu prendre l'otage. Aïe. Les gars, je suis tombé, mais je suis là. Je pense qu'on peut lui casser un angle. Okay. Oh là là, ils sont remontés. Tout sauf l'angle, vraiment. Les gars, je me cache. Les gars, taisez-vous. Ils arrivent, cachez-vous dans les buissons et on les encercle. Il y en a un qui négocie. Toi, tu négocies. Il est là. Vas-y. Des négociations avant toute chose, s'il vous plaît. C'est un test. Vous êtes un agent ne veut pas laisser personne me dire. Je suis le négociateur en chantier. C'est moi. Ok, sourire. Voilà. Ah là, c'est bien, voilà. Négociateur, c'est bien. Ils sont en haut là. La devise des agents est souvent pour que l'autre. Cache-toi bien. Va dans le buisson. Non, je reste avec toi. Non, va dans le buisson, bordel. Non, Riz, reste avec toi. Mais tu me grilles. Non, Riz, reste avec toi. T'as reçu mon vocal? Oui, mais c'est un bug à la fin, donc on est dormir, je sais pas quoi. Okay. Tu disais quoi? Rien. Ok, reste dans le buisson, moi je vais me montrer, d'accord? Recule! Tu recules, j'ai dit! Jean-Riz, je suis votre officier, c'est... Ah, je suis votre supérieur! C'est moi, il est... Inofir! Neutralisé, c'est bon ça. Quoi? Tu recules! Lève les mains! Mets tes mains en l'air! On va tuer l'otage! Non, vous n'allez pas faire ça. On en veut un qui négocie, on veut un négociateur, pas plus! C'est moi, je suis le négociateur. Tu viens les mains en l'air, négocie avec nous! Viens les mains en l'air, négocie avec nous! Non, vous allez d'abord baisser votre. Ok, je vais tuer l'otage! On tue l'otage! Capté, j'ai... Ils veulent pas négocier. Non, tu pars pour de vrai. Mais non. Mais ça va, c'est du paintball, il est pas mort. Mais tu pars pour de vrai, bordel. Mais tu m'as dit. Tu négocies ou tu négocies pas? Je négocie. Donc tu viens avec tes mains en l'air. Parfait. Les collègues. Oh, il est là, t'es où? Tu fais quoi là? Je suis en. Nous on baisse pas nos armes, nous. Si vous ne baissez pas votre arme, mes collègues vont être stressés et ça va partir en cacahuète ici. Ne braquez pas. Mais on est polo pour être des enfants de cœur. Au moins celui qui discute pas. Avec moi, baissez votre arme. Ah, le négociateur là, négocie bordel. Ouais, je suis le négociateur, j'ai vu. Bonsoir. Ok. Aïe. Aïe non. Je mors.
S'il a pas un crosshair, ce fils de pute de Watchy. On fume l'otage, on fume l'otage. Si ce fils de pute de Watchy n'a pas un crosshair. Ma bite. Il first time GTRP là, il m'a mis ça là. Ah oui, ça y est, tu m'as eu. Tu m'as eu, fils de pute, toi et ton crosshair là, putain de ta mère. Aïe, excuse-moi. À genoux. On peut savoir ce que vous fabriquez? On fait des entraînements de policiers. Qu'est-ce qu'ils font dans le plan, eux? Madame, s'il vous plaît. Je filme, je filme. Pourquoi je me suis barré à votre avis? Parce qu'il y a pas de surveillance. Attends, mais pause. Pas de surveillance, ce qui veut dire quoi, s'il vous plaît? Attends, je suis en train de parler. Ce qui veut dire quoi? Il faut, messieurs les rookies, que vous soyez prêts à toute éventualité sur le terrain. Non, mais attends, il est vous vraiment imaginez que vous m'avez comment prendre quelqu'un en otage là? Mais non, mais ça peut être ça, mais ça peut être, ça peut être de la protection, de la protection. C'est de la protection, ça peut être dans l'autre sens. En fait, on était tous vers les négociations. Parce que le problème, c'est que vous étiez tous sur les négociations. Pourquoi vous l'avez pas? Imagine, il y a quelqu'un qui est pris en otage à un endroit. Toi, t'es tellement focus sur les négociations que les mecs, ils te contournent et ils te rafalent. Ah bah, t'auras rien vu. Heureusement qu'on était sur une radio collective. On s'est fait éteindre. Écoutez-le, hein, il a de l'expérience. Mais oui, mais pourquoi t'as fait 10 ans que tu fais ce métier, putain. On s'est fait éteindre, on s'est fait éteindre. On va tous sur le bunker, tous sur le bunker. On a une chance. Oh, putain, tous sur le bunker, on va débriefer de ce qui s'est passé putain, là. Putain, vous êtes des pauvres merdes en fait. Vous dans la tête des preneurs d'otages, les gars. Des merdes. Tous sur le bunker. J'étais trop bien, sa grand-mère. Un bon backstab là, frérot. Allez, tous sur le bunker en face de moi, s'il vous plaît. Tous sur le bunker en face de moi. Jamais tu me tires dessus, couillon. Aïe, pardon, mais je te disais, tu voulais pas te rendre, moi je sais pas, j'étais dans le truc. C'est qui ça? C'est des citoyens qui font leur petite vie, vous inquiétez pas. Ah ouais, bah ils font pas leur vie ici. Et vous êtes plein de ta grille, plein de ta mal joué. Si jamais c'était passé, vous auriez dit putain, Thomas t'es un génie. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites, arrêtez. Qu'est-ce qu'il y a? Si eux ils étaient restés en place, j'en aurais attrapé un. On aurait eu un otage en plus. On aurait été trop bien, arrêtez. De la chiasse. D'accord. On a vu des gens. Et pourquoi c'était de la chiasse? Quelqu'un a une remarque à me dire ou pas? Oui, moi j'en ai. Levez la main et je vous donne la parole. Je vous écoute. Qui? Je vous écoute le roux d'abord. Ok. C'était un exercice de négociation et du côté en face il n'y avait pas eu de négociation. C'est-à-dire que la négociation était fermée, à partir de là on ne peut pas négocier. Mais elle a duré 15 secondes votre non, négociation? Non mais attendez, je vais répondre à sa question. Et si tu tombes sur des preneurs d'otages qui veulent rien savoir? Bah dans ce cas-là il n'y aura pas de négociation. Et donc tu vas tirer directement, mais n'importe quoi. Donc t'es un mauvais flic. Non mais si ils négocient pas, ils vont tuer l'otage. Non Malcolm. Est-ce qu'on a dit une seule fois qu'on avait tué l'otage? C'est pas comme ça que ça marche. Oui, tu dis que j'envoie là dans le beurre là, vraiment. Malcolm, on s'est tué l'otage. Malcolm, dis-nous. Là, ce qu'il vient de dire, c'est de la grosse merde. Ça prouve que c'est un flic de merde et qu'il doit être viré de la LSP. Il est prêt à mettre des agents en péril parce qu'il n'arrive pas à faire des négociations, vous comprenez? Vous arrivez à comprendre ça ou pas? Oh là là, c'est n'importe quoi, hein. Je suis d'accord avec Malcolm. Rhabillez-vous tous. Non mais du coup, tu voulais dire quoi, Malcolm, à la base? Tu voulais dire quoi? Bah, c'était ça. Ah, juste écrit dès le début? Oui. Ah ok, ça va. Très constructif. La rascasse, t'en as pensé quoi, toi? Ben, il y a beaucoup aussi de surveillance autour de l'otage, mais aussi au niveau du placement, on était nul à chier. D'accord, qui c'est qui a décidé de votre placement? On n'a pas vraiment décidé. Personne, chef. J'ai observé quelque chose de très intéressant, chérie. Bien sûr, j'ai tiré sur l'otage, il a dit. L'otage, il s'est évadé. Bande de espèce de con. C'est comment on appelle ça? L'otage, il s'est évadé. Il y a l'otage. Je le bute? Non. Qu'est-ce qui coule? Faites exprès. Une épingle. Comment on appelle ça, Riz, ce que tu as fait? Ce que j'ai fait quoi? De tenter de contourner les adversaires. Backstab. Non. Ah. Dans le jargon, tu sais comment on appelle c'est ça? C'est clairement ça, backstab, clairement. Comment? On appelle ça la technique de la levrette incarnée. Il vient de l'inventer, vraiment, il vient de l'inventer. Ça s'appelle backstab, ça s'appelle backstab. Tu as fait une TLI. Tu viens de l'inventer. TLI, et je te félicite. On applaudit, s'il vous plaît. Merci. Bravo, Riz. Merci. Bravo, allez. La jalousie, c'est pas ici, là. Applaudissements. Merci. Bravo pour la TLI, bravo. Bravo pour la levrette. Super. C'est bon. Silence. C'est bon, merci. Maintenant, on va rentrer en footing. Malheureusement, Jayden, tu es... Non, mais il y a les bus juste là-bas, là.
Jayden, tu n'as pas fait l'affaire. Tu passeras dans mon bureau après. C'est lequel, Jayden? Celui qui est par terre. Ah, en même temps, il a pas lâché un mot. Ah, capté, je le porte. Non, non, Charis, tu vas le porter. Il s'est viré là? Ça y est, il est mort? Ouais, là, il s'est fait virer en direct là. Et pourquoi il parle pas? Dans mon bureau, rien n'est sûr, rien n'est sûr. Allez, Jayden, tu m'entends? Pourquoi il parle pas? Allez, allez, t'es viré? Mais non! Mais si. Jargon, si, si, depuis le début, tu parles pas, t'es viré. Une porte. Ah. Oh, Ravine! Oui. Allez, ma grande! Oui, j'arrive, j'arrive. Tu veux que je te porte? Non, c'est bon. Si tu me portes, je risque d'avoir de mauvais plans. Vous êtes pas des. Ah putain, merde, ils sont partis où? Tout devant. Là, ça... tu l'es bon? Ouais. Ça va, t'as fait un bon reportage là, Ravine? Ah ouais, de fou. Eh, j'ai kiffé. Pourquoi tu deviens pas une condé avec nous? Non, non. Quoi? Bah parce que je peux pas. Pourquoi? Bah... ma maladie peut m'en empêcher. Quelle maladie? Ma maladie. Quelle maladie? Je vais pas te raconter toute ma vie. Bah vas-y, t'as commencé, fallait pas dire mon maladie sinon. Oui mais au moins voilà, tu non, sais soit... que non, mais non, mais quoi, une maladie, c'est Fort Boyard, je dois deviner après. Soit tu me dis, soit tu me dis pas. Une maladie, point. Non, pas une maladie, point. Sinon, fallait pas me dire une maladie. Oui, mais j'ai honte de la dire. Non, y'a pas de honte, y'a pas de honte, t'inquiète, je peux me dire. Non, j'ai honte. Attends, viens. Attends, attends, reste là, Jayden de merde. Viens, viens. Oui, oui. Viens, Ravine. Vas-y, dis-moi. Non, mais tu vas le dire à tout le monde. Je te jure, je le dis à personne. Tu vas le dire à tout le monde. Je le jure, je te jure, je le dis à personne. Oh putain. Vas-y, dis. Oh, mais t'inquiète. Non, c'est une maladie mentale. C'est-à-dire? Je dois avoir un psychiatre et tout. Genre quoi? Bah... voilà, j'ai un problème... je fais pas exprès, hein, mais voilà. Ça commence par un M. Essaye de deviner. C'est pas... y a pas de... c'est pas soignable. T'es maman? On peut pas... T'es maman? Non, mais non, non. N'importe quoi. C'est pas soignable et y a pas de... maternité. D'antidote pour ça, y a rien. Non. T'es misogyne? Non. Vous attend. Le mot, T'es une marabout? Non. Le mot, il chauffe à misogyne? Mi. Mi. T'es myope? Oh, t'es myope! Mais non, mais ça, tu vas avoir un seul mot. Non, mais non. T'es Mireille... Mimi Mathieu? Non. Mifoman? Non, pardon. C'est pas Mifoman, c'est Nymphoman, non. Non. T'es Myriam? Non. T'es une misandre! T'es une misandre! Non! On doit y aller! On doit y aller! On doit y aller! Myrtille? Ça commence par un mi. Myrtille. C'est un mot qui est tout le temps utilisé, mais il est mal utilisé. Oh, t'es une mythomane! Ouais! Ah ouais? Mais là, tu m'as menti là depuis qu'on se voit ou pas? Non, 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 là ça va. Ça va, je retiens quand même. Mais c'est. Attends. Viens, faut qu'on y aille. Mais attends, mais c'est genre. Genre compulsif? Bah, c'est pas ma faute quoi, c'est une maladie mentale quoi. Zéro, regarde. Tout à l'heure, ils ont dit qui était où? On sait pas. Travail d'équipe, zéro. Collectif, zéro. Allez, je conduis. Non, je conduis. Ils parlaient pas entre eux. Il y avait pas de communication. Non, pousse-toi, va derrière. C'est de la merde. Va derrière, va derrière. Excusez-moi, 95. Pourquoi on leur fait pas envie? Ça va un peu trop vite entre nous, Ravine. Ouais, je vais au fond, je vous laisse papoter. Plan avec le bus et tout, je suis trop contente. T'es mythomane. Mais ta gueule. Non mais il est au fond, il est au fond. Il s'est mis au fond exprès pour nous laisser parler. Ok mais parle un peu plus fort, je t'entends pas, je te jure, je t'entends pas. Je te jure, je t'entends pas, vraiment. Oui, attends. Ah tu m'entends pas là? Ouais, là attends, c'est bon. Là c'est bon. Mais c'est un traitement pour ça? Non, ça n'existe pas de traitement de ça. La seule solution, c'est de travailler avec le psychiatre. Genre, c'est quoi la dernière fois que t'as menti? Oula, je sais pas. En fait, je sais pas quand je mens. Tu t'en rends pas compte? Bah non. Mais là, ça se trouve, tu mens. Ça se trouve, t'es pas une mythomane. Normalement, non. Parce que bon, il y a des trucs basiques de la vie, tu vois. Peut-être t'es pas une mythomane, là, t'es en train de me mentir. Oh oh oh! Recule! Merde. Ouais! Ravindra?
Oui. Ramindra, elle est dans le bus, elle est dans le bus là ? Ouais. Oui, oui, je suis là. Je peux savoir pourquoi tu parles sur moi ? J'ai pas parlé sur vous, voyez. C'est elle, chez monsieur elle. Ramindra, c'est clairement elle, je l'ai entendu au téléphone. C'est elle qui a besoin de venir et tu parles sur moi. Mais non, j'ai pas parlé chef. Sur vous. Elle a pas parlé. Riz, ne te mêle pas ça, Riz. Riz, reste en dehors de ça, Riz. Assume. J'ai pas parlé sur vous, monsieur. Assume, c'est quoi, assume, arrête pas mes méthodes. La meuf, assume. Tu viens critiquer mes méthodes. Non, je les mets en valeur, au contraire. Ah, c'est ça, j'ai oh là là, mytho. Oh là, t'as vu comment elle a dit ça, je les mets contre vous. Non, je les mets en valeur, contraire. Le dernier arrivé, c'est la reine des putes. Allez, accélère, je veux pas être une pute. Ok, mais attends, Ravine. Oui, dis-moi. J'aime pas trop en parler, j'ai honte. Mais pourquoi y'a pas de honte? Moi aussi, j'ai une maladie. Ah ouais, c'est quoi ta maladie? Je suis genre trop charismatique, mais malgré moi. Il aime les femmes, il aime les femmes. Mais voilà, il entend. Non, arrête, non, il entend pas. Mais si, il entend. Je sais pas pourquoi. Il répond à ton truc, putain. Non, je triche pas. Non, dégage, casse-toi, va derrière. Mais t'es une mytho, y'a pas de soucis. Non, mais. Casse-toi, le Ruski là, laisse-nous parler. T'es au fond du bus c'est là. IRL, mais pourquoi ça serait IRL, bordel? Pourquoi ça serait IRL? Pourquoi ça serait IRL, bordel? Nique-lui, Sarah, s'il te plaît. Ah non. Non, mais note, t'as pas entendu ta gueule. Ah, ils se sont écrasés, je crois. Ah oui, c'est mais attends, mais attends. Arrête. Mais tu peux pas être journaliste et être une mythomane en même temps, ça veut dire que tu vas mentir dans tes articles. Non, parce que je suis pas. J'ai mon patron qui surveille tout. Ok, mais imagine, t'es là, t'es en mode reportage, t'es en mode reportage, ok. C'est vraiment des mongols. Et ton patron, il est pas là. Toi, tu vas écrire un article. En fait, c'est toujours vérifié dans tous les cas. Et non, je pourrais pas mentir sur les articles parce qu'il faut des images avec. Ok. Et si tu remarques bien, on met toujours des images avec l'article. Et voilà. Mais non, flic, ça va être compliqué. Ouais, je vois. Mais c'est depuis que t'es né ? Mes parents m'ont fait diagnostiquer quand j'étais petite, ouais. Ok. Attends, mais comment ils sont passés devant ? Mais je vais péter. Je vais putain arrêter de tricher, bordel ! C'est des tricheurs ! Ok. Eh ben, sache que moi, je m'en tape. Mais c'est gentil. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Bah c'est gentil. Merci. Fais votre chaise sur Dieu, je te jure. Allez, champion. Vous m'entendez, radio? Oui. Attendez. Oui, on t'entend. J'ai loupé le train, c'est trop bizarre. Aïe! Oh la Trinité! Merde, regarde derrière! Riz, aide-nous! Riz, aide-nous! Je vais au commissariat, moi! Non, c'est pas vrai! Alors je crois que quelqu'un est en train de l'étouffer avec le coussin, je crois. Mais elle a un rire de manga, je vais péter un câble. C'est bon, ça y est. Ça va? Oui, ça va. D'accord. Allez, bien, madame. Oh c'est bon, c'est bon. Bon, on n'est pas des putes, let's go. T'inquiète, regarde. Impeccable. Mais doucement. Aïe. C'est un bus. T'as un vrai pilote, Raïs. À toutes les unités, on est arrivé.
Vous avez vous a rien arrivé? Je vous ai vu percuter. Ouais, non, ça va. Ouais, non, okay. Tout va bien. Ok, ok. Ils sont où les autres qui? Il y avait deux bus? Bah, tout le monde est là, regardez. Bah, vous faisiez quoi? Okay. On était là? Ah, d'accord. Hein? Bonsoir, Marc. Bon, bah, vous êtes des putes. T'es pas morte au final. Non, mais t'es un putain de mytho. Arrête. Arrête de mentir, on arrive avant vous et nous, on a même pas triché. Mais t'es fou, on peut prendre un café. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on est arrivé avant vous sans tricher? Oui, vous avez pas triché. Oui, je te jure, j'ai pas triché. Je le jure. La vie de ma mère, j'ai pas triché. Le bus, il allait vite. Je le jure, j'ai pas triché. Maman. Oui. T'es arrivé à 300 quand même. Je vais péter un câble. Péter un câble. Oh. J'ai pas triché, frère. Oui, c'est ça. Ils disent tout ça. Du coup, là, nos mères, c'est des putes, ça. Ouais. C'est ça, ouais. Oh, le menteur. Ah, c'est comme ça, Riz, maintenant. Ma mère, c'est une pute. Ah oui, Malcolm, tu sais très bien, arrête, s'il te plaît. Comment, tu sais très bien. T'as 113, comment ça? Mais tu sais très bien que oui. Ma mère, c'est une pute? Bah oui. Excusez-moi, Malcolm, c'est pas nice. Hein. Quoi? Il y a du courrier pour vous. Bon, Jayden, dans mon bureau. On fait quoi? On va patrouiller, Seamus? Ouais, reprenez les patrouilles, vous faites des demandes de dispatch. D'accord. Ah, des demandes de dispatch. C'est parti. Merci à vous, ça a été un plaisir. Partagez. Avec plaisir. Hey, bon, merci à vous. Le reportage vous plaira lorsque je vais sortir. Ça marche, merci. Merci, on se tient au courant, Riven. Oui, au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Ok, bah parfait. Oui, monsieur, dites-moi. Comment? Oui, j'ai une lettre de recommandation. Une lettre de recommandation? Oui, pour rejoindre la police. Tous les agents, l'agent, comment il s'appelle? À l'intérieur du commissaire, on vous attend à l'accueil, le capitaine va arriver. Parfait. Il a mis le t-shirt 1, je vais péter un câble. Allez, ton mot dans ligne propre, s'il te plaît. What the fuck, le t-shirt 1, je comprends pas. Ah, Vastano, t'as bien dormi? Mettez-vous en ligne. Oui, archètement. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, c'est chaud là. Qu'est-ce qui se passe, madame Desserdes? Ça, c'est les hommes, genre, c'est une meuf qui les arrête, c'est bon, ils sont pas contents, genre. Mettez-vous en ligne, s'il vous plaît, le dispatcher va vous dispatcher. Te laisse pas faire, 15. Allez. Je vous ai pas entendu, monsieur l'agent, désolé. Excusez-moi, c'est où le commissariat, s'il vous plaît? Bah, il est en face. On y est là, vraiment. Faut peut-être ouvrir ses yeux, là. C'est de l'autre côté, l'entrée. Je sens et je passe par où? Tout droit à gauche. T'étais passé où, 10? Respecte les femmes, hein. On était en formation. Respect woman, tu étais pas de base. Bah, si, on était obligé, c'est tous les rookies. Let's go, 07, tu prends 10 5 et 50, Tango. Let's go. Peut déjà y aller. 10 et 50. 10 et 50, ok. Allez, parti où, Vastano? Allez, dans le poste. Harry, je viens de recevoir un message du capitaine. T'as dit quoi? Bonsoir, Malcolm. Du coup, à 64, soir, t'as des rookies référents. Ok. Bonne journée. Ah. Il y a votre officier référent qui arrive pendant Tango. Nous? Nous deux? Effectivement, on sera à 64. Super. Merci, chef. Allez, viens, Riz. De rien. Du coup, il y en a un avec la dame 24. Vous serez avec la dame 24 qui arrive. Ok. Quoi? Ok. Oh, attends, mon véhicule. Déjà, non, j'ai pas touché. 41 secteur. Get tes mails. Et vous faites quoi? Ok, bien reçu. Bonne soirée à vous. Bon, allez, bon courage. Et du coup, 85 et 69 avec moi, Tango. D'accord. Ok, reçu. C'est parti où? Bastano, tu fais quoi? On t'attend sur le parking? Juste derrière vous, 113. Allez, cours. De toute façon, t'es avec lui normalement. Dispatch avec qui? Aïe! Mais t'as vu quand tu mets une patate, je saigne! Regarde! Mais moi, tu m'as mis KO là! T'as vu, mais ça saigne! Aïe! Mais plaquage, sécurité une corde! Mais qu'est-ce que tu. Retouche-moi, je te démarre, je te monte en l'air! Retouche! Retouche, vas-y! Vas-y! Vas-y, touche! Non, vas-y, toi! Arrête de frapper ton collègue! Retouche-moi, je te monte en l'air, tu vas aller voir Neil Armstrong! Je vous demande à tous, salope, va! Vos penballs et balles qui vous restent, s'il vous plaît. Ah oui, tiens, chef. S'il vous plaît, tous les rookies. Merci bien, mes petits. Elle est où, Vastano? Mais je suis ici, 113 sortez votre le véhicule, la Buffalo. Vastano, j'ai dit quoi? Vous mettez des lunettes de soleil dorénavant. Faut que je devienne moche. Vas-y, grimpe. Ça va, toi, fiston. Alcool! Fiston. Hop,
C'est bon. Viens faire un câlin. Parfait. Il est où Malcolm? Allez, on y va. Malcolm, il est allé chercher le capitaine pour pouvoir rouler en félon. Mais je pense qu'il a pas compris que c'était mort. Tu veux, tu veux qu'on te dépose quelque part, Riven? Négatif, on a pas un taxi. Non mais si elle a besoin d'aide. Bah négatif, elle a pas besoin d'aide. Les taxis sont en service. D'accord. Dites-moi. Du coup, ouais, je voulais savoir. Fais chier celle-là, hein, sérieux. Je viens d'arriver. Elle est carrément amoureuse de moi. C'est attends, mais il parle, monsieur. Attends, mais. Elle est jalouse, abusive, genre. Arrête de couper la parole. Il parle, coupe, monsieur. Pardon, non, mais. Parce que, vu que je parle avec toi, des fois, c'est genre. Parle, là. Attends, mais écoute. Y'a rien, tu vois, on discute ensemble. Elle est là, elle est jalouse. Elle fait. Pouah, tout le temps. Pa. Non, on peut pas te déposer. Non, on peut pas te faire ça. Viens, te dépose, s'il te plaît. Laisse-moi te déposer. S'il te plaît. Il a pas tort, hein. Ça te dérange pas, chef, on est d'accord. À vrai dire, dans tous les cas, j'aurais pu rentrer dans le poste, mais non. Dites-moi, monsieur, vous voulez quoi? Ah, moi, c'était juste pour savoir s'il y avait des papiers à faire. Rien pour faire quoi? J'en sais rien, parce que je viens d'arriver, je sais pas si je dois me régulariser. Il me semble, ouais. À la maison, moi, je sais pas, à Los Santos, si ça... La mairie. Je pense. Ok, ouais. Pas de soucis. Allez voir la mairie, bah, écoutez, demander parfait, de l'aide. En tout cas, bon courage, monsieur. Oui, bon courage. Pas de soucis. Mais ça va, vous allez voir, c'est plutôt pépère. Et très beau véhicule, hein. Merci. Allez, au revoir. Bah écoutez, je vais aller... Oui, c'est bon, laisse-moi avec la dame, merci, au revoir. Je te le fais pas dire, non mais franchement, à qui le dis-tu? Non mais... Laisse-moi le déposer, tu comptes déposer? Non, on vient me chercher, mon collègue et mon patron vient me chercher, t'inquiète pas. Sûr? J'ai pas besoin, oui, t'inquiète pas, j'ai pas besoin. Il a failli me mettre une gifle. Non, t'inquiète, je sais gérer mes bras quand même, mes mains, t'inquiète. Ok. Non mais ouais, mais elle est jalouse tout le temps. 41 tout secteur. Et Tango 33, on est disponible. Pourquoi les jalouses? Capté, on est au niveau de Del Perro. Amoureuse de moi. Sur la Freeway Avenue, secteur 64. Et toi, t'es pas amoureuse d'elle? Non. Madame 87. Ah ouais? Ah non. Proche de vrai? 64, vous êtes où? T'es 33 du Malcolm 64, je suis devant le commissariat, je vous attends à la voiture. Tu m'as dit quoi? Elle a l'air de te plaire. De me plaire à moi? De Del Perro, on va vers le. Ouais, normal quoi. Tu fais quoi, Riz? Ah, voilà. Bah, je discute avec Riven. Bon, en code 2 ou pas? Bah voilà. Vous discutez de quoi? On discute parce que NZX64 elle était amoureuse de moi et du coup elle est super jalouse. Genre là j'ai proposé à Ravine de la déposer. Elle était en mode non, on n'est pas des taxis. D'ailleurs je parlais avec elle, elle me disait allez, mais dépêche-toi, va te mettre en rang. Tu sais, genre elle m'empêchait de discuter. Ah, sa jalousie maladive qui se. Mais je suis sûr qu'elle est pas jalouse, elle fait juste son travail. 64, tu branles quoi là? On est devant. Oh, s'il vous plaît, par contre. C'est ta supérieure. Capitaine! Capitaine! Vous amusez à quoi, 113? Attendez, vous c'est à 113 que vous parlez. Parle à moi. Il a dit dépêche-toi avant. Et en faisant exprès, il a appuyé sur. Non, mais sérieux, capitaine, quel flow? Vraiment, si je puis me permettre. D'accord. Capitaine, je n'ai pas les clés pour ouvrir en bas. Je veux pas qu'on te dépose, Ravine. Et bah, très bien, et bah, mettez ça dans ma boîte à gants, d'accord? C'est bon, super. Bon, en fait, tu fais attention à toi, je vais patrouiller, moi, d'accord? Genre, c'est moi qui conduis parce que vous êtes tous des grosses merdes dans la conduite. Allez, on prend la félone? Elle veut pas. Capitaine, on peut pas prendre une félone, s'il vous plaît? Malheureusement, la félone, c'est pour l'état-major. On va voir pour améliorer vos véhicules, récupérer des véhicules plus performants dans les grands. Ah ouais, c'est vraiment un désastre de véhicule. Parce que là, vous. C'est les réproportions. Ah ouais, ouais. Tu conduis? Bien sûr, je comprends. Merci, Basta. Qui peut m'égaler en conduite? Ravine! Avec plaisir, capitaine. On se voit après? Bon, écoutez. Okay. Écoutez-moi, s'il vous plaît, faut que je vous parle, c'est hyper urgent. Ok, vas-y. Allez dans un endroit où on ne sera pas dérangé, s'il vous plaît. Ok, déjà, moi je coupe ma radio vu que je suis à l'arrière. Ok, moi aussi, attends. Je coupe ma radio. Ouais, c'est sur le cas qui doit garder la radio. Oui, je garde la radio, vous inquiétez pas. C'était pas une demande. Ok. Pardon? Quoi? Ah, bon. Après, j'aurais quelque chose à te dire aussi. Hein. Vas-y, dis-moi d'abord, Malcolm. Tu casses les couilles. Tu casses les couilles parce que le capitaine, il était d'accord quand je suis rentré dans son bureau pour la félone et t'as tout niqué. Non, alors pourquoi? T'es un menteur. Pourquoi là, il était pas d'accord? Dis-moi pourquoi là, alors du coup, il était pas d'accord Mais parce que quand... Écoute, mais tu m'écoutes ou... T'es bouché de l'oreille. T'avais dit autre chose, t'avais pas dire. Oui. Parce que quand t'es rentré et que t'as dit la félone, non, etc., il m'a dit j'allais dire oui, mais il faut écouter ses supérieurs. Si je vous dis oui, elle va croire que t'es où, t'es mort ou pas alors privilèges. Voilà.
En fait, comme on dit dans le jargon, 64, t'es en train de nous int. Exactement. Ça veut dire quoi? Genre tu fais des comptes des CSC. Des comptes sans quand? Tu sais ce qu'il a dit à des mots? Tu sais que j'ai appris que, ce ta mot gueule. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit à des mots? Non, il a dit quoi? Il a dit, te trompe pas de but, Igo fait pas le CSC. Exactement. Ah mais du coup CSC ça sort de là? Non, c'est pas Ademo qui a inventé le terme CSC. Non. Mais franchement, je vous jure, j'ai mon nouveau volant à la tournée tout seul. Mais non, mais en gros, non, mais pas qu'il ait inventé ça, mais que tout le monde commence à le dire ces temps-ci. Non, c'est depuis au moins le début du foot. Quand quelqu'un marque un compte sur quoi, ça. En gros, il y a marqué vraiment 18, Henri, CSC. C'est pas CSC. Si, si, c'est genre. Bien sûr que si, sur l'écran d'affichage. Je suis une femme, je suis une femme. Non, dis pas ça, Vassano. Non, mais en gros, genre. Non, mais. Hein? Quoi? Non, Dis pas ça. Ok, pas de soucis. Non mais je normal que je comprenne pas tout ça, je ne suis pas trop le foot. Je n'aime pas trop ça. Ah ouais? Bon, écoutez-moi. Quoi? Je vous explique. Garde-toi. Okay, je vais me garer la droite. Attends, on va se garer. Ok. Là il y a un parking, ouais, parfait, impeccable. Et oui, j'allais justement là. Incroyable. Vraiment, Malcolm, t'es vraiment fort. Ok. Ça va être simple. Notre avenir est entre nos mains à tous les trois, d'accord? Donc si vous voulez rester au sein du LSPD et avoir aucune mise à pied et être OFI 1 à la fin de la semaine, va falloir que, en gros, vous commenciez à vous calmer et qu'on facile qu'on ait la meilleure patrouille tous les trois. Parce que je vous explique, le capitaine m'a dit Malcolm. Que ouais. Si tous les deux... Woman. Non mais... Allez vous faire foutre. Attends, je prends un café, attends. Mais écoutez-moi. En gros, le capitaine m'a dit... Que si à la fin de la semaine vous deux vous avez été va ta femme les gars, bref, le capitaine m'a dit que si à la fin de la semaine tous les deux là vous étiez woman woman on arrête. Bref, en gros, si vous êtes incroyable et tout, au patrouille comme vous êtes depuis hier, ou vous êtes largement calmé, et ben moi je passerai au FI 3 direct. Et okay, vous, du coup, regarde, vous resterez au FI 1. Vastano, vraiment, je te promets que c'est pas méchant. Va droit au but, fais ouais, une phrase courte. Je viens de dire. Fin de semaine. En gros, si arrêtez de faire de la merde et écoute, ferme là, ferme ta gueule. En gros, arrêtez de faire de la merde, comme ça je passe au FI 3 et après vous passez au FI 1. Parle-lui mal, il aime bien quand on lui parle mal. Mais je sais qu'il kiffe ça, mais ça peut. Oui, ferme-la, putain. Ferme-la! Vas-y, encore. Bon, en gros, si on est sage, on est officier 1 et toi t'es officier 3? Oui, c'est ça. Mais qui te dit qu'on n'a pas envie de rester cadet et qu'on a vu que tu sois officier 3 toi? Bah, exactement. Mais allez vous faire foutre. En fait, tu vois ton intérêt, c'est tout. Bah, non, mais alors si vous voulez rester rookie, pas de soucis. Moi j'ai envie de rester rookie. Moi j'ai envie de rester rookie toute ma vie. Ok, bah parce que tu veux être le chef des rookies? Non, je veux être le... T'as vraiment une tête d'enfant, ça me fait rire, on dirait chapeauté. Bref, vas-y, dis-moi. Eh, écoute, Bastano. Non, mais à cause de vous, attends deux secondes, parce que déjà, café, aussi... arrête bien. Non, mais à cause de vous, le sergent m'a convoqué et il m'a dit comme quoi, bon. Fallait que je devienne moche parce que tous les rookies tombent amoureux de moi. Et d'où pourquoi je dois mettre une cagoule sur le visage? C'est quoi ce délire? Écoute. C'est pas là, je suis en couple avec toi. Qui t'a dit ça? Comment ça, mais le sergent déjà. Je suis en couple avec personne, je suis en couple avec le lieutenant. Mais le lieutenant, tu les mets à 7 le lieutenant. Allez vous faire foutre. Mais ils m'ont dit. Même moi, Malcolm, je l'aime au moins à 9. Ah. Quoi? Bah alors, tu sais pas quoi dire? Ah, je croyais. Non. J'ai une petite question à poser après, Riz. De quoi? Vas-y, dites-moi, pardon. Comment ça, dites-moi pardon, tu nous écoutes pas tout à l'heure qu'on parle? Non, là, je vous écoute. Là, je vous écoutais pas. On parle pour rien en fait. Hein, tout bon, fou. Bref, vas-y, on va continuer notre patrouille. Parce que là, franchement... Bref, en tout cas, bref. T'as vu ça le problème, les femmes? Les femmes, on leur parle tout le temps, ils nous écoutent jamais. Nous, on veut juste. Nous, tout ce qu'on a envie, c'est de leur raconter notre journée. Tout ce qu'on veut, c'est raconter notre journée. Et les femmes, elles nous écoutent jamais. Non, mais c'est un truc de fou. On fait la patrouille discussion. Tout le temps, elles veulent jouer à LOL. C'est bon. Non, je déteste LOL. Des fois, nous, on a envie de discuter. Voilà, on a envie d'ouvrir notre cœur. Exactement. Ok, bah dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Allez, commencez. Oui, je troll. Nils, sérieux. Je disais pas, vous Malcolm. Lui aussi, il a plus envie. J'ai pas envie là. Mais vous arrêtez d'être susceptible un peu. Ah, vous êtes des beaux dames, non? Ça, tu vois, ça s'appelle un CSC, par exemple. Mais comment ça? Mais moi, je suis susceptible. C'est culotté, par contre.
Les femmes, mais moi je suis pas susceptible. Qui vous a dit que j'étais une femme? En fait, en gros, moi j'ai bien réfléchi. Et tu vas te fiancer ou t'es fiancée là? Non, je suis rien, je suis juste en couple. Putain, parce que en gros, ça me fait de la peine de draguer une fille qui va se fiancer. Ok. Et du coup, je me rétracte, Malcolm, vas-y. Non, j'y vais pas. Pourquoi? Non, j'y vais pas, je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Parce que c'est les couilles. Non, c'est pas méchant, Vastano, mais des fois, j'ai l'impression que t'as pas inventé l'eau chaude. Quoi. T'as pas la lumière à tous les étages. Vastano, rep. Vastano. Je n'ai plus rien à dire, c'est bon, je boude. Mais on peut rester amis tout le temps. En fait, ça, votre problème aux meufs, c'est que dès qu'on vous met un stop, après, vous arrêtez de nous calculer. Genre, on peut juste rester potes. Ah, apparemment pas trop. Vastano, tu l'as mal pris. Écoute. Quoi? Non, c'est bon. Vous croyez vraiment que je vais mal le prendre? Je vous veux pas, en fait. Je m'en fous de votre vie. Là, okay. Tu vois, par exemple, là, tu vas me montrer maintenant... une preuve d'affection. Mais quelle affection? En fait, je vais vous dire la vérité. Honnêtement, la première patrouille que j'ai faite avec vous, de base, je ne voulais aucun rookie. Je le jure qu'on était deux rookies préférés. Et ah! Je le jure, on était deux rookies préférés. Écoute-moi, alors explique-moi pourquoi personne ne voulait vous prendre après la soirée que vous m'avez faite passer. Ne me force pas à jurer qu'on était rookies préférés, s'il te plaît. Par contre, je te jure, s'il te plaît. Attendez, laisse-la finir sa phrase et je jure après. Genre, en gros, par contre, je vous jure que vraiment, le premier soir, c'était horrible, je ne pouvais plus vous voir. Genre, ok, vraiment, je le jure. J'ai juré, c'est bon. Écoute-moi. Mais écoutez-moi. Oui, on était rookie préféré. Non. Si, on était rookie préféré de baiser, arrête. Vas-y, t'as qui comme préféré, comme rookie à part d'où? Renesmee. Et pas vous. Renesmee. Ok, tu patrouilles avec qui là? Bah avec vous parce que vous êtes mes rookies attitrés et je suis obligée. Oui, obligée. D'accord, je suis pas votre officière référente préférée? Si, oui. Vous êtes des menteurs. Si, bah si. Mais comme des salons. Mais si, t'es mon officière référente préférée. J'en ai qu'une. Ah ouais, c'est... Ah le bâtard, c'était sûr. T'es fort. Il est fort. Applaudissez. Vas-y, va drift, fais un petit drift. Okay. Non, alors par contre, je te jure Malcolm, non, vraiment pas Malcolm. Je tire sur le frein à main là maintenant de suite. Je bloque le frère. Déconne. Tu vois, t'as pas la lumière dans tous les étages, ce que je disais, regarde. Oui, mais arrête d'avancer. Arrête. Personne. Voilà, merci Malcolm. Vous écoutez la radio? Parce qu'il y a eu un code 99 là qui a été fait. Quoi? Bah je croyais que t'avais plus la radio. Bah je le vois sur le GPS. Toi, t'as pas la radio, Vastano? Si, mais j'écoute, j'entendais pas. C'était pas... Vas-y, va voir. Vas-y, on va voir. Mais non, mais en plus, le pire, c'est que je vous ai aidé à ne pas prendre de mise à pied et j'ai l'impression que là, vous entendez la sirène ou pas? Non, c'est normal, c'est vrai. Franchement, merci Vastano, je te jure je suis reconnaissant. Ouais, ravi de drague, j'espère que tu vas bien. Je suis rentré avec Vastano, là elle fait que draguer, ça me casse les couilles. Mais à part ça, ça va tranquille. Tu fais quoi toi? T'es occupé là? Ouais, pardon, tu me disais quoi Vastano? Pourquoi tu transpires? Dis-moi juste pourquoi tu transpires. Parce que ça débite. C'est pas une réponse, ça débite. Bah parce que vous débitez trop, vous brassez trop d'air. C'est vrai qu'il y a un rythme, il y a un rythme de conversation qui est vraiment haut. Mais tant mieux. Pourquoi vous le baissez là? Pourquoi vous le baissez? Répondez. Moi je suis concentré sur ma conduite. Vastano? Vastano, tu vois, pourquoi tu réponds pas? Réponds. Quoi? Oui, de quoi? Mais non, on n'a pas baissé, mais c'est... Mais ça, on n'a pas baissé. J'ai dit, on n'a pas baissé. Ils sont là. Arrête-toi. Je voulais faire le tour. Attends, d'abord, on prend la fond. Il se passe quoi, les collègues? Dans tous les cas, t'avais pas le choix. Ouais, nickel. Il se passerait, on a attrapé des malandrins, là. Ah ouais? Pas besoin d'être là? Non, si tu vois des gens en train de courir en shorts, de attraper. Ok, du coup, 85 et... Salut Rise, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, si elle te drague et si ça te gêne, tu peux lui demander d'arrêter en disant s'il te plaît. Et on doit chercher un ce que je fais, je suis en train de préparer l'ouverture d'un futur bar, pas dire lequel, mais j'ai un petit peu spoilé sur Twitter en envoyant des photos, etc. Bref, peut-être à tout à l'heure. Hey, don't know.
Ouais, je fais que lui dire d'arrêter de me draguer, mais elle veut pas lâcher l'affaire. On va se mettre sur le côté, monsieur, on va faire un petit contrôle. C'est un peu chiant, mais oh, trop stylé, c'est Harry. J'aime bien. Ok, mettez-vous sur le parking juste à gauche, là, s'il vous plaît. Pourquoi je... Y'a pas de pourquoi, y'a pas de pourquoi. Oh. T'as vu quand tu sors de la voiture, direct ils partent en délit de fuite. Exactement. Bah non, là ils se garent. Non. Je vais me garer. Oui, va se garer, moi. On est en déplacement avec l'hôtel. Allez-y, garez-vous. Ça. Ah lui, il a eu son permis dans un Kinder sur. Descendez du véhicule. Il est en short, hein. Allez, bonsoir, monsieur. Tout de bon. On va. Tout d'abord, je vais vous demander votre permis de conduire, s'il vous plaît. Ah, t'as oublié chez moi. Pour rappel aux agents, lâchez sous la gorge. T'as bon. Otavio Joao. Me le sauver, okay. D'accord. Joao. On est en fin de négociation. Vous nous expliquez pourquoi, à notre vue, vous essayez de faire marche arrière et partir. Non, pas fuir, mais juste partir. J'habite à côté. Vous faites quoi ici? J'habite là. Ok, vous faisiez quoi à l'arrêt pendant 5 minutes là, juste derrière? Moi je t'explique, on m'a dit qu'il y avait une prise d'otage. Ok, regarde, prends-moi pas pour un con, parce que je sais très bien ce que t'as fait, je veux juste te le faire dire. Pourquoi tu étais juste en bas, à attendre pendant 5 minutes? Juste prends-moi pas pour un con, parce que écoute, soit tu me prends pour un con, tu finis au commissariat, ta soirée elle est gâchée, soit tu réponds, et là on voit, on fait en fonction, on laisse partir. Vas-y. J'étais là, j'étais juste à toi, je regardais, c'est ouais, tout. Ouais. Sans plus. Et vous savez que la curiosité est un très vilain défaut, monsieur. Hein. Ça dépend. Moi perso, je suis à l'autre périphérique. Waouh. Ça dépend dans quel contexte. Prends-toi ton temps pour voir. Bah là, votre curiosité, parce qu'il y a une personne qui est en danger. Les buffs bait top. Thank you. Bots. Ok. Ouais. Pourquoi vous aimez pas les robots? C'est comme ça, c'est la vie. Antécédent avec. Allô, Mewamo? Tout doux bon. Attendez. Ça va. Bah, j'ai vu, il y a contrôle là, j'étais avec des flics. Des quoi? Voilà. Des flics. Tango 64 de 114. Bah rien. On nous a demandé d'interpeller. Bah je sais pas, short, là, je regarde en fait. Spanish Avenue sur le 499, c'était pourquoi? Non, on se regarde vraiment. Je sais pas quoi faire. Toujours pas les infos. Bah, si je dois partir ou si je dois rester. Ok, parce qu'on a l'individu en short là. Attends, parce que moi je parle avec une meuf là. 74 à fracture. Ok, moi je t'arrête de parler. Là je. Un individu en short, c'est ça? On veut ça, les gars? Non, c'est normal, short, c'est normal. Je vous fais un. Vas-y, c'est normal. Ok, on arrive sur les demandes de backup. Demande de backup, c'est ni MF, ni Jink, ni Caitlyn. Ouais, bah là j'en ai. Soit Sivir. 6 devant moi. Sivir? Attends, je te rappelle. Bah, je sais pas, il boit rien du. Bonjour, 42. Oh, ça peut être Xayah aussi. Téléphone, s'il vous plaît, quand même, ça peut être Xayah, hein. Bah, non, il parle avec une meuf, regarde. Il est en train d'envoyer des nudes. Je lui permets pas, par contre. C'est ce qu'il fait, regarde les messages. Cherche ton Xayah. Regarde les messages. Mais on regarde pas les messages d'un. Je t'en Xayah. C'est quoi ça? Je sais pas, il laisse regarder, moi je regarde. Riz? Ouais, je suis là. T'as accepté ce que l'individu regarde sur ton téléphone, les nudes que t'envoyais Mais j'envoie pas des nudes. Non mais je sais, mais il a dit ça. Ok, monsieur, on attend juste des collègues qui vont arriver et qui veulent vous voir. Qui veut me voir? Des collègues, hein? Nous aussi on a pas plus d'infos, ils sont là. Ah. Je vous préviens, il est agressif, hein. Bonsoir, lieutenant. Oh bah, j'ai calmé, j'ai mis une tacane. Comment ça, agressif? Calme-toi. Oh, il a les yeux rouges, Calme-toi. Tout doux bon. Calme-toi avec ton chart, calme-toi. Il a essayé de fuir deux fois, Riz l'a rattrapé. Attendez, tranquille, tout va bien. Attendez, tout le monde se tait, un topo. Ok, il a essayé de fuir deux fois, Riz a réussi à le rattraper en courant plus vite que lui. Et il l'a balayé et on l'a ramené ici. D'accord, et il avait fait quoi là-bas? Ça s'est pas passé comme ça en fait. Ferme ta gueule, on est en train de parler. Des collègues, ils nous ont demandé d'interpeller des gars en short. C'était sur le dernier code 99. Ok, donc il est en short, donc vous avez bien. Il a couru, et voilà. Aïe! Il a couru, mais il est en tongue, du coup il a galéré. C'est compliqué de courir en tongue. Hein. Ouais. Compliqué de courir en tongue. Tiens. Riz, les commentaires, les gars. Donc on en fait quoi de celui-là? On l'embarque en prison? Bah, je sais pas. Prison quoi? Négatif. Ah?
Négatif, on va te laisser repartir, mais tu vas comprendre tout de suite quelque chose que tu vas. Ah, un AVC en A. Cabochales, c'est comme ça. Peut-être Cabeza, Cabeza. Filios, c'est Cabeza. C'est espagnol, ça. Cabeza. Comment tu vas te calmer, d'accord. Ok, ok, ça bon, ça bon. Tu vas repartir en délicatesse et tu vas rester calme. Et quand un flic t'interpelle, tu ne pars pas en courant, ça ne sert à rien. Nous sommes des armes de guerre à nous tout seuls, on pourra venir te rattraper. Et, mais personne m'a coursé par contre. Je joue pas au con. Si, d'accord, j'y vais. Ça marche. Je joue pas au con, Oui. Allez, vire vite, allez, dégage. Allez, on te revoit plus. C'est ça, ouais, trou de balle. Il nous a fait un doigt. S'il te plaît, Vastanano. Oui, si. Il nous a fait un doigt, Vastanano, elle a dit on pouvait. Réprimande, s'il te plaît. Ah, pardon. Vous avez dit quoi, sergent? Je regarde comment tu le réprimandes. Bah super. Arrêtez vous, Malcolm. Non mais Malcolm. Il doit nous gronder. Attends, il doit nous gronder. Riz, mais faites des 10 pompes s'il vous plaît, ou vous dites que le sergent. Non. Mais c'est vraiment nul, le coup de taser. Enfin, comme ça, quand un coup de taser. Mais négatif, ouais. Tu voulais pas lui mettre un coup de taser. Non, mais il a mis un coup de taser. Si, j'ai essayé. Attends, mais t'as tasé. Mais il a tasé quoi? J'ai essayé de taser quand tu nous as fait un honneur. Il a essayé de taser le monsieur qui est parti. Mais non, parce que je l'ai vu, parce que la personne qui est partie a essayé de nous lancer un caillou sur nous. Vastanano, je vous ai cerné. Je sais ce que vous voulez vraiment. Je le sais, on en reparlera dans mon bureau. Elle veut quoi? Ouais, votre mari n'est pas là, donc forcément, voilà, vous vous tapez du rôti. Non, mais pas du tout, mais arrête avec ça, sergent, par contre. Je crois avoir compris. C'est plus mal. Quand même. Mais c'est qui qui est dans ma voiture? C'est pas. C'est qui l'autre personne? C'est moi, madame. Riz, montez en voiture, s'il vous plaît, au lieu de parler à cette femme. Oui, dites-moi. Vous êtes quelle matricule? J'essaie de prendre mes marques, là. Ouais. 64. Mais c'est 67. Enchanté, moi, c'est 67. Oh, Shane, t'arrêtes de parler de lui. Riz, monte dans le véhicule, s'il te plaît. Allez, c'est l'heure de se maintenir. Oh, 667 et 69, on monte là. Oh, c'est l'heure du couscous. Vas-y, Riz. Qu'est-ce qu'il fait? Je textote, bordel. Alexander, c'est ma traversée. Ok, Riz, ne commence pas avec les textos par pitié, Riz. Riz, c'est horrible. Je t'en supplie, mon frère, ne commence pas. Pourquoi? Non, Riz, je t'en supplie, mon frère. Mais je textote. Attends, mais faut que je sorte votre carte, je vais pas me dire moi IRL. Ouais, trop. Et j'ai un feeling les frères, j'ai un feeling. C'est qui? Mais avec qui? Mais avec Ravine là, la meuf qui était devant le comico. Ravindra? Ouais, la journaliste. Ah, la journaliste, ok. Bah si tu veux, je t'organise un date avec elle. Mais non, je crois que j'ai besoin de toi ou quoi? Je crois qu'elle a besoin de toi. Mais je vais péter un câble celle-là. C'est Riz. Mais comment ça celle-là? Par contre, calmez-vous Riz, sur vos propos. Il textote encore, mais je vais péter. Non, je suis là. T'as la haine, Vastanano? De quoi? Attends. Mais non, là, par contre, on va remettre un truc au clair, encore une fois, j'ai l'impression de me répéter tous les jours. Je ne veux rien avec aucun rouleur, avec personne. Est-ce que c'est clair ou pas? Lui, roule vite, lui, là-bas. Je ne voudrais jamais rien avec Chris, je ne voudrais jamais rien avec toi, Malcolm. J'en ai rien à foutre, on me dit pas, attends. Comment ça? C'est une moto. Je comprends rien que quand elle verra qu'elle sera suivie, elle va prendre des petites ruelles et sera mort pour toi. Oui, d'accord. Toi, t'es la meuf qui part pessimiste. Tu devrais sauter de cette voiture en roulant pour te blesser gravement, vraiment. Ah oui? Ah bon? Bonjour. Doucement sur la conduite, s'il vous plaît. Non, y'a pas doucement, mais viens sur le côté. Sur le côté? Sur le côté. Non, mais. Sur le côté, chef. Vas-y, je vais sur le côté. Laisse-le faire. Ça fait deux jours qu'on descend. Attendez, ok, parce que si je vous laisse faire, je vais rien dire. Mais par contre, vous tasez une seule personne, c'est direct PDP. On enlève le casque pour ce soir. Hein. Voilà, parfait. Voilà. Alors lui, s'il lui vend pas de la coque, lui. Ah, j'ai pas encore le permis de conduire, monsieur. Ah, et alors la bécane? Permis. Non. Donc vous avez pas le code de la route, donc les feux, on s'en bat les couilles, la vitesse, on s'en bat les couilles, hein? Tout ça, on s'en bat les couilles. Ah ouais, exactement, je connais pas encore. Ah, hein. exactement en plus. Ah bah j'ai pas étudié. Prends le mur. Pièce d'identité. Ah, je vais prendre ça. Malcolm, par contre, vous avez pas le palpé juste pour un... Est-ce que tu me vois en train de le palper, Vastanano, là? Non, je te préviens d'abord, okay, le langage okay. Évidemment, IRL, si vous êtes même Yasuo Z, Yone, vous êtes des merdes. Tu peux te tourner vers nous. Tu viens d'où? Je préfère le dire. Tu viens d'ici. Où d'ici? Bah arrête avec tes phrases, que tu viens d'où? Ah, Johnson. Johnson, c'est où ça? Pourquoi il a pas un accent latino là? Où tu fais tes. T'as pas un accent latino toi? Il y a un gang toi avec tes. Bien avec sûr tes que c'est un gangster ça. Non, je suis pas un gangster toi. Y'a personne. Attends, je t'attrape la nuque là. T'es un gangster toi, petite salope? Gangster ou pas? T'es un gangster? T'as eu ta dégaine là? Tu sais ce qu'on en fait des gangsters? Ce qu'on en fait des gangsters? Regarde, il a des larmes sous les yeux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il a tué des gens?
T'as tué des gens, toi, petite salope. Viens, je te mets une gifle. Là, tu te mets une gifle dans la tête, là. Petite salope, toi, tu veux tuer des gens? Gifle-le encore plus fort, il a pas senti, Le langage, par contre, messieurs, vous allez vous calmer là. Voilà, gifle-le encore plus fort, il vient de pas sentir encore là. Ah, je crois qu'ils sont vraiment pas risques, je crois que t'as perdu de la force. Bon, attends, je crois que je vais. Écartez-vous, je vais vraiment. Je vais serrer le poing là cette fois là. Oh, oh, tu sens pas quand je te gifle? Tu sens pas quand je te gifle? C'est bon, j'ai senti. Attends, je lui remets une. Ah, non, mais c'est bon, il vient de remettre une claque, c'est bon là. Ah, je remets dans le véhicule, vous deux, s'il vous plaît. Tu réagis pas quand je te mets des claques, tu réagis pas, hein? Oh, t'es un tank, toi, ça? T'es Garen, t'es une plaque du mort? Hein? Monsieur, vous appelez comment? Oscar. T'es Mundo, toi, ou quoi? C'est comment? Ouais, hein? T'as claqué ton air? Hein? Quoi? Hein? Réponds quand on te parle. Réponds. Je comprends rien ce que vous me dites, là. Réponds. Ah. Ok, moi, je pense qu'il faut le taser. Tu crois t'es un paladin? Hein? Ok, là je l'ai pas, tu vois. Tu vois, là tu pars loin quoi. C'est sur vous. Ok. Les tanks, c'est eux qui tankent les donjons. Ok, d'accord. Bon, allez où la coque? C'est rien, les gars. Tu fais partie de quel gang là? Vas-y, allez. Je fais partie d'aucun gang. Quoi, tu revendiques pas? T'es quoi, t'es une salope? Je vous dis que je fais partie d'aucun gang. Je te jure, si j'étais un mec, un criminel, là j'aurais sorti un pétard, j'en aurais mis dans la tête. Juste pour que tu saches à peu près où on en est là. T'as de la chance, je suis un keuf, hein. Là je peux rien faire. Et crois-moi que le jour où je vais plus être un keuf, quand je vais te revoir toi. Allez, barre-toi. Ouais, va mieux, barre-toi. Allez, barre-toi. Barre-toi. Dégage, cours. Et tu remontes pas sur ta bécane qui est volée là. Il est du coup. Oh le bâtard, il a cette step. Putain. Arrêtez. Adam 87, 1041. C'est quoi, c'est son arme? Merde, il nous filme. Partez. Recule. Il nous filme. Oh, sur le côté, tous les deux là-bas. Filme. Sur le côté. Viens ici. Viens là. Monte. Chope le shirt, Adam 87, on prend l'appel numéro. Viens là. Quoi? On peut monter à deux sur des vélos? Je ne savais même pas. Attends-moi. C'est un truc de baiser? Y'a des calepiers derrière? C'est incroyable. Putain. Ça va faire. Arrête-toi. Descends du vélo. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Descendez du vélo, s'il vous plaît, sinon on vous fait un avis de recherche sur votre gueule. C'est bon, ça arrête. Arrêtez-vous maintenant. On s'arrête. Faites-le supprimer la vidéo maintenant. Ouais. Mettez vos mains en l'air là. Dépêchez-vous là. C'est beau. Dépêche-toi là. Viens. Toi tu veux faire. Toi viens là. Fait, ta gueule. Il où ton téléphone? Il où ton téléphone là? Je le prends. Il où ton téléphone? Toi tu veux me filmer toi? Non mais je sais pas filmer. Tombeau 40, direction dernier appel. T'as voir ton téléphone. Je vais juste supprimer. Et je la supprime aussi, l'ai supprimé récemment. Ah ok, c'est bon. T'as bien compris? Ouais, j'ai compris. Tiens, ton vieux Xiaomi là, tiens. Vas-y les mecs. Il y a pas les supprimer récemment. Ah c'est bon, ça, on y va messieurs. Ouais c'est bon, on y va. Remontez sur vos vélos et dégagez. Ouais, c'est ça là, dégagez. Arrêtez là. Oh, t'es pas touché, arrête de mentir, je t'ai pas touché bordel. Pourquoi il fait rien? Je l'ai pas touché. T'as pas eu menteur. Pas vu. De toute façon on est chez nous aussi. Après tous mes collègues, tu vas voir. Ça va Vastano? Vastano? Honnêtement là, à cause de vous, je vais repasser rookie, c'est sûr et certain. Mais pourquoi on a rien? Mais on a effacé les preuves! Vous avez effacé les preuves, mais arrêtez de taser tout le monde! Oh, arrêtez au milieu de la route là! Pardon chef. Mais non, mais vous nous avez. Oh, mais quel flow, sérieux, quel flow! Oh là là, le flow du capitaine! Bon. Vastano, en fait, je trouve que t'es un petit peu trop une mouille. Pas d'histoire de mouille en fait. T'es une mouille. Mais y'a pas une mouille. Comment ça, une mouille? Ça veut dire quoi? Dis-moi la définition de mouille. Ça... T'es une mouille. Bah, donne-moi la définition. T'as peur, tu veux pas. Mais peur de quoi? T'as peur, t'as pas envie.
Mais pas envie de quoi? Pas envie de frapper des personnes innocentes? Ouais. Bah, bien sûr. Là, t'es toujours dans la retenue. Ils sont pas, ils sont pas innocents. Ils allaient, on allait se taper, on allait avoir un thread Twitter sur le dos là. Oh, justement. Oui, non mais le truc Twitter, pas de souci. Mais c'est que à partir du moment où vous avez pris leur téléphone et que vous avez supprimé les vidéos, pas besoin de détaser. Tasse-le pas, palpe-le pas. Faut pas palper. Faut pas palper. Faut pas palper. Vous voulez vous prendre votre mise à pied? Vous prendre votre mise à pied. Allez, au PDP. Non, c'est bon, on rigole. Je te dis, on rigole, ouais, Vastano, t'as plus d'humour ou quoi? T'as vu? C'est ça, ça c'est une mouille. Ouais, c'est plus Laura Vastano, c'est Laura Allegri là, l'autre. Te rappelles la meuf aigrie là? Ouais. Laura White? Ouais, t'es comme Laura White là. Là, t'es devenu Laura White là. Non, mais c'est normal parce que avec vous. Évidemment, j'essaye de rigoler à minimum avec vous et après vous prenez tout le bras pour vous bouffer d'intérieur. Je te promets que tu passes ta meilleure patrouille avec nous, vraiment. Vraiment. Mais ma meilleure patrouille, mais vous vous amusez à taser tout le monde. Est-ce que tu préfères être avec Laura la aigrie qui va plus parler, pas parler toute la patrouille? Jamais patrouille avec elle. Ah, ouais, t'as pas envie. Bah, t'as pas envie, hein, franchement, t'as vraiment pas envie. Mais je sais pas comment elle est vraiment. Attends, vas-y, je fais Laura la aigrie, vas-y. Laura, ça va? Laura? Laura? Oui. Ça va? Oui. Tu peux nous faire une petite blague? Laura, tu peux nous faire une petite blague, s'il te plaît? Laura, espèce de sale pute, va. Bon, ramenez-moi au commissariat. Quoi? Mais pourquoi? Je vais dormir. Mais tu vas pas dormir tout de suite, il est tôt. Si, je vais dormir, c'est bon. Voilà, ça. Elle a vraiment fait ça. Putain, culé, frère, c'était du véhicule. Genre en mode, je vais dormir. Ok. Voilà, ça c'est Laura. T'as envie de patrouiller avec ça? J'ai vraiment failli faire. Failli vraiment dormir pour que ça soit plus drôle, mais après j'avais la flemme. Mais dites-vous, en fait, c'est simple. Genre, c'est toujours pareil, vous pouvez pas rigoler avec tous les agents. Genre, il y a des agents. Le nouveau café qu'ils nous ont montré hier. Tu vois, par exemple, ça, Malcolm, normalement, à un moment donné, faudrait aller se faire foutre en fait. De quoi? Quand une personne est en train de parler, ferme-la. Mais parce que mais tu on peut jure. Non mais je te jure là, mais moi non, je écoute. Trop, en fait le problème, je vais attends Vastano. Je te jure qu'en fait en gros, tu vois ta phrase, elle était composée de on va dire 20 mots. Au troisième mot, j'avais... Attends, écoute, non mais c'est une façon de parler. C'est pour que tu comprennes. Écoute-moi s'il te plaît. Il y a des personnes avec qui rigoler, s'il te plaît. Écoute-moi. En gros, imagine sur une phrase de 20 mots au bout. Avancer, c'est pas une roue, c'est une route pour avancer, c'est pas pour s'arrêter mais voilà, là t'es super aigri. Elle est grave bête. Elle est aigri. Tu vois, genre en gros, au bout du troisième mot, je savais déjà la fin de ta phrase. C'est pour ça qu'en gros, lui et Malcolm, pareil, c'est pour ça que lui il m'a donné l'info et on t'a laissé parler. À partir du moment où t'as dit, on peut pas rigoler avec tout le monde, genre je savais, tu vois, c'est bon, j'avais compris le message. D'accord. Vas-y, va faire un tour, on contrôle. Arrêtez, non. Vous contrôlez personne. Si. Non. Faut qu'on soit solidaire entre, s'il te plaît. Pas devant les civils. Derrière nous, je nous gronde, mais pas devant. Non, mais écoutez-moi, par contre, aucun taser alors. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, petit contrôle d'identité, vous pouvez vous mettre contre le mur. Contrôle au faciès là. Ouais. Allez, petit contrôle d'identité, celui qui part derrière là. C'est pas possible, il est de retour. Je suis pas d'accord, tu veux. Allez, contre le mur là, s'il vous plaît, petit contrôle. On peut pas faire ailleurs le contrôle. On le fait ici. Pas boule. Tu vas où? Il court. C'est bon. Petit contrôle d'identité, pépère. Négatif. Ouais, dis-moi la pépère. C'est comme si tu faisais une descente. On a entendu. Descente sans contrôle. On a reçu un appel. Tais-toi, Vastano. On a reçu un appel. Apparemment, il y aurait un terroriste qui serait ici. Donc mettez-vous contre le mur. On va vérifier les identités, s'il vous plaît. On va pas vous palper. Juste les vocales d'identité. Mettez-vous contre le mur. Lui aussi derrière sur la voiture. Malcolm, va chercher. On va pas vous fouiller. Tournez-vous. C'est petit contrôle d'identité, j'ai dit. J'ai dit identité ou j'ai dit contrôle de palpation? Bon, c'est bon. Ça revient au même. Allez, carte d'identité, s'il vous plaît, là. On commence par toi. Jimo Dawson. Dawson, ouais. Dawson, d'accord, super. Et toi, ta carte d'identité, tu l'as? Yo, j'ai pas de carte d'identité, moi. T'as pas de carte d'identité, man? Ben toi, tourne-toi, je vais te palper. Yo, putain. Ok, lève les mains. Je commence par là. C'est pourquoi la hachette là? Je l'ai pas acheté. Non, c'est parce que je fais du bois. Mais pardon, mais faites quoi là, Riz? Mais non, il a pas de carte d'identité, il a pas sa carte, On fait pas de préparation même. On fait pas de préparation, vous les envoyez à la mairie faire carte d'identité. Mais il a pas sur lui. Okay, il sort sans carte d'identité, c'est obligatoire, je vous rappelle la loi. Vous êtes obligé de sortir avec une carte d'identité sur vous, d'accord? Et bah, monsieur, je vais faire votre carte d'identité maintenant, allez-y chercher une voiture et aller à la mairie. Russell Butler.
Merci monsieur. Négatif. Merci. Carte d'identité. Ceux qui ont déjà donné leur carte d'identité, vous pouvez partir du mur et aller partir, ouais, vous pouvez partir. Ouais, c'est ça, ouais. Négatif, arrêtez de parler. Ouais, c'est ça, ouais. Vous allez voir, on va revenir. On va revenir et il n'y aura pas Bastano pour vous sauver. C'est ça. Mais comment ça vous allez revenir? On va revenir, je t'ai dit. On va revenir. Monsieur le cardinal. On va revenir, il y aura pas Bastano pour vous sauver, elle sera pas là. Identité, s'il vous plaît. D'accord. J'ai pas de carte. C'est pas vous hier qui vouliez nous acheter. Non. Merde. Pardon. Attendez, madame quand même. Le monsieur qui nous contrôle les identités n'a pas de carte d'identité. Excuse-moi. Non mais les gars. Oh, allez, c'est bon, on y va. C'est bon, mais ouais, c'est ça. On va revenir. Je vais revenir avec Amanda, vous allez voir, rigolez bien. Ouais, faites votre carte d'identité la prochaine fois. Allez, la blonde. Mais tu l'as pas déjà donné là? On y va. Elle est agressive, ils sont agressifs. Il faut qu'on parte, Bastano. Grimpe, ils sont agressifs. Non, bah oui, bien sûr, c'est normal, vite. Tu les as tous énervés. Grimpe, ils sont agressifs. Elle m'a couru dessus, elle voulait m'agresser. Putain, tu l'as pas vu, mais faut qu'on surveille entre nous, les gars. Ah, je suis désolé. Là. Juste du coin de l'œil, mais. Heureusement que j'avais mon taser, sinon là, j'aurais pris un coup de couteau. Bastano, tu me surveilles pas? Mais attends, je peux pas vous surveiller tous en fait. Pourquoi tu le contrôles lui? Pourquoi? Il a grillé une ligne blanche. Je sais pas ce qu'il vient de faire. Il a grillé une ligne blanche alors. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Arrêtez de palper. On peut vous aider, tu vois, baisser d'un ton. Descendre la voiture. Comment ça descend la voiture? On descend de la voiture s'il vous plaît. La voiture s'il vous plaît messieurs. On a reçu un appel apparemment, il y a un Galivanter beige qui transporterait de la drogue. Là, mettez-vous contre le mur s'il vous plaît. Ouais, je suis escroc de bord. Ouais. Mettez-vous contre le mur et changez vos t-shirts, madame, s'il vous plaît. Mettez-vous contre le mur, merci. Vous avez tous une sale tronche. Monsieur t-shirt blanc. Monsieur t-shirt blanc. Ouais, question. Je suis là. Changez-vous. Refaites-vous une petite beauté là, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment moche. Madame, c'est bon. Et juste vous aussi, enlevez votre t-shirt. Impeccable, voilà, super. Super. Magnifique. Reste comme ça si tu veux aussi. Magnifique, super. Tu peux au milieu s'il te plaît. Coupez votre téléphone s'il vous plaît, coupez votre téléphone. Monsieur au milieu. Est-ce que tu peux retirer ta veste et la remettre s'il te plaît? Pas de problème. Allez madame, pièce d'identité s'il vous plaît. Qui transporte de la drogue. On l'est pas. Vous l'avez pas? Non. Merde. Ok, si vous l'avez, regardez, ceux qui ont pas leur pièce d'identité, on va devoir les fouiller. Donc, d'accord, très bien. Pas de soucis, je vous donne ma carte d'identité. S'il vous plaît, merci monsieur, merci de coopérer. Je vous la donne. Oui, bien sûr. TZO Reyes. TCO, nom, madame. TCO. D'accord, super, merci. Via. Julian Cruz. Via comment? Super. Via avec un V. Tenez. Ok, comment? Via comment? San Noriega. Kane Noriega. Kane Noriega. Exactement. T'as quand t'as quelque chose là? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Je me remets contre le. Tu dirais Aaron Yeager, tu l'as dit sur le même ton? C'est quoi, Aaron Yeager? Bon, apparemment pas trop. Des mangas toi ou c'est comment? C'est même pas de quoi vous parlez. Comment ça, je sais pas quoi vous parlez. C'est quoi des mangas? Ok, bref. 2022, tu sais pas c'est quoi un manga? Je veux bien que tu sois street, mais quand même. Je veux bien la street, tout ça, mais un manga quand même. On est pas dans la street, Un manga, non. Dans quoi? Moi, quand j'étais petit, je lisais des bandes dessinées. Tu lisais quoi? Toi, tu fumais de ces clopes quand t'étais petit, la voix que t'as, elle est incroyable en fait. Sérieux, putain. J'ai trop la haine. Putain, moi aussi, j'aimerais trop parler comme ça. Ouais, ça va ou quoi, Malcolm? Tu vas bien? Je vous assure que c'est pas un don. Oh, Malcolm, tu vas bien ou quoi? Ouais, bah ouais, je t'assure que c'est pas un don. Ouais, je t'assure que c'est pas un don. Ouais, je crois. Elle a une serpillère sur le crâne. Allez, dégagez les salopes là. Que ça, non, laisse tomber. Merci, messieurs les agents. Circulez. Bonne soirée. Ouais, c'est ça, bouge. Ouais, c'est ça, ouais, bonne soirée. Merci, petite pute. Bonne pute. Tu vois, là, je vais te mettre un outrage. Moi, je peux t'insulter, toi, tu peux pas. Donc, y'a pas d'outrage. Dis, excuse-toi ou je t'embarque, je te mets un outrage. C'est pas nous, on m'a insulté. Si, c'est vous. Je m'entends. Oui, excusez-nous, monsieur. Super. Voilà. Merci, voilà. Au revoir. Bonne soirée. Vas-y, monte, Zira. Bonne soirée. Qui te mouille. Si jamais tu m'insultes en partant, je mets les. Voilà, je vais à la. Je remets les gyrophares. Je remets les gyrophares, je les embarque. Je les embarque les quatre. Il m'a dit ces petites putes. Mais non, mais c'est des. Non, il parlait à la meuf qui est. Je pense que. Non, il parlait à nous, il parlait clairement. Mais non, il parlait pas à nous. Tu vois, là, encore une fois.
encore une fois, Vastano. Il faut qu'on soit solidaire en fait, Vastano. Tu peux pas comprendre, mais oui. Pourquoi, Vastano, tu nous fous la honte? Tu nous décrédibilises devant les criminels. Non, par contre, j'ai attendu qu'on soit tous dans la voiture. Non, 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 pas là, je parle de tout à l'heure. Quand tout à l'heure, il s'est passé quoi tout à l'heure? Chez les Bloods. Ouais, chez les Bloods. Oui, parce que vous m'avez dit que c'était juste un contrôle d'identité, au final, vous vous êtes retrouvé à palper et à taser des individus. Écoute, quand un individu n'a pas sa pièce d'identité, mais vous l'envoyez au gouvernement. Vous l'envoyez au gouvernement. Ah oui, d'accord. Mais non, mais il l'avait pas sur lui, il a une carte d'identité. Mais comme on dit en arabe, mais il avait laissé. En gros, il avait laissé chez lui sa carte d'identité. Il avait pas en mode, c'est pas en mode, il a pas de carte d'identité tout court. Voilà. Ou c'est un mec qui veut pas donner son identité, se trouve, c'est un mec qui est recherché par Interpol. Ah oui! Et nous, on va juste dire, va à la mairie. Va à la mairie. Et il va venir à la mairie, il va dire, oui, je m'appelle Carlos. Ouais, c'est trop fastoche. Mais dans tous les cas, et bah au pire, ça c'est le boulot d'ACRIM. Si vous voulez faire ce travail-là, vous partez à la MCD. Donc, d'accord, donc si on n'est pas de l'ACRIM, on peut pas interpeller des mecs qui vont chercher par Interpol. Mais je vous ai pas dit ça non plus. Bah si, c'est ce que je vous ai dit. C'est à partir de ce moment-là, vous voulez enquêter sur qui a une fausse identité et qui n'en a pas, vous partez à la MCD. Ok. Vastano, regarde, je vais te dire un truc. Nous sommes des policiers. Ok, nous en tant que policiers, on doit contrôler les identités des personnes qui sont en infraction ou non, ou juste faire des contrôles pour des regroupements. Juste d'accord. Des contrôles. Mais là, sauf que c'est un regroupement, écoute-moi. Vastano, écoute-moi. Comment ça? Oh. Si la personne n'a pas sa pièce d'identité, ça veut dire qu'il refuse un peu le contrôle vu qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Moi, je suis d'accord, Malcolm. Moi, je suis d'accord. Du coup, vu qu'il n'a pas sa pièce d'identité, soit on le fouille, soit on le ramène au commissariat, mais on va passer 4 heures avec lui. Ça se passe comment? Tu préfères quoi? Tu préfères qu'on le fouille et qu'on regarde s'il nous ment ou pas, ou on l'emmène au commissariat et on va se faire chier là-bas? Mais tu sais qu'on l'a pas inventé. Par contre, vraiment, quand le mec, il a pas, si jamais il y a un défaut de papier d'identité, on a le droit de palper. Exactement. Tu crois qu'on l'a inventé, ça, Vastano? Non, mais attends, 2 secondes. Mais arrêtez, en fait, juste arrêtez de taser. Pour un tout et un rien, s'il vous plaît. D'accord. Genre, vraiment. C'est quoi, Vastano? Vastano, je te sens un peu fatigué là, je vais faire l'effort pour toi, d'accord? Non, je te parle sérieux, vraiment, là, je me calme. Déjà qu'il y a une personne qui nous a filmé, heureusement, on a réussi à le choper, mais vous imaginez jusqu'où ça aurait pu aller? On va. C'est quoi ici? Un quartier. Quartier des Brésiliens. Par contre, les Brésiliens étaient pas, ils aiment pas trop les flics, je crois. Hein. Ouais, ben on va leur montrer qu'on fait ce qu'on veut, qu'on est chez nous. Parce qu'ils sont pleins de oui, c'est chez nous ici, vous avez pas le droit de venir ici. Ben on va leur montrer. Si, mais ici tout seul, irmão. Allez, va contre le mur là, tu contrôles l'identité. Si, bah allez, ici. Ouais, voilà, super. T'as ta carte d'identité? Si, il est. Ok, présente-lui et dis-moi en même temps c'est quoi ton nom. Vous pouvez nous regarder, monsieur, vous inquiétez pas. Hein. Si, mais pas trop. C'est quoi aussi ton nom? Gallardo, Rojas. Rojas, Gallardo, t'habites ici, Rojas? Si. Quoi? Il se fout de ma gueule là? Comment il me parle là? Non, si, il habite ici. Si, pourquoi tu parles comme ça? Non, vous êtes à l'aise, hein? Si. Ouais, je suis à l'aise de fou, pourquoi je serais pas à l'aise? Pourquoi je serais pas à l'aise, chef? C'est chez moi. Et alors? C'est chez nous. Et attends, attendez. Taisez-vous. On va reposer le débat. Et il est contre la poubelle. Écoute-moi. Il y a marqué quoi dans mon dos? Taisez-vous. Taisez-vous tous, là vous me laissez parler. Il y a marqué quoi dans mon dos? Vas-y, je vous écoute. Il y a marqué quoi dans mon dos? Je suis devant toi, je suis derrière toi. Il y a marqué quoi dans mon dos? Je te montre mon dos là. Il y a écrit police, c'est écrit devant. Je suis police de où? Vas-y, dis-moi. Ouais, ouais. De où? Je suis policier de quoi? Los Santos. Là c'est marqué devant. Ok, là, ici là, c'est où là? Ouais, c'est chez moi là, c'est dans mon barrio. Ouais, mais en gros, t'es quoi? C'est genre Monaco? C'est genre Monaco en gros, c'est quoi? C'est une police différente? Ça veut dire que là, si je veux venir, si je veux venir à l'intérieur de ton barrio et contrôler, je viens, je contrôle. Donc, je te mets contre la poubelle et tu me donnes ta carte d'identité. Ah ouais? Ouais. C'est ce qu'il a fait lui. T'as dit quoi? C'est ce qu'il a fait le mec à ma droite. Ouais. Oui. Et voilà, c'est tout, et là, on allait partir tranquillement. T'as dit quoi? Du coup, tu viens pas pour lui parler? Non, je viens pour faire un contrôle d'identité. Ah, voilà. Donc, donne-moi ta carte d'identité, s'il te plaît. Quoi? Tiens. Ah, je l'ai, ma carte. Salomao. Là, vous aussi, là, les filles et le mec, là, mettez-vous en face de moi, là, contre la poubelle, s'il vous plaît. Ok, on a rien fait. On a rien fait, c'est un petit contrôle comme ça. Vous pouvez vous écarter, hein, ceux qui ont montré leur carte d'identité. Hein. Voilà, petit contrôle. Pièce d'identité? Flavio Correa. Super. Madame. Carte d'identité. Quoi? J'ai pas. Vous aussi, madame. T'as pas? Mets-toi contre la poubelle, on va te palper. Qui? Comment ça, on va te palper? Si jamais t'as pas de carte d'identité, on va procéder à une petite palpation. C'est bon. Ah, tu l'as? Donc t'as menti? Je fais le malin.
Tu vois, juste. Remets, j'ai pas le temps de voir, Pour te donner le sourire, Remets. Redonne-moi la carte d'identité. Tu me l'as arraché des mains là. Je vais pas avoir ma carte d'identité. Dayanara Alves, tu notes? Pourquoi vous notez? Ils ont un problème avec le relevé, je vais mettre mon autographe aussi. Non, parce que on fait qu'entendre parler de vous tout le temps, les Brésiliens par-ci, les Brésiliens par-là. Écoutez-moi bien. Si... Ah, c'est pour ça que tu viens ici, tu veux vivre avec nous? Hein? Non, il veut, ouais. Je crois, il va habiter. Non. Moi, parce que t'as eu, tu viens, tu. Il y a mes collègues, ils ont la boule au ventre de venir dans votre quartier. Écoutez bien, c'est votre quartier, c'est Los Santos. Qui est votre quartier, il est sous la juridiction de la police de Los Santos. Donc on va venir ici à chaque fois faire des quartiers jusqu'à que vous soyez calme. Faire des contrôles. Jusqu'à que vous soyez calme. Et le jour où vous serez calme, peut-être qu'on ralentira les contrôles. C'est compris? Mais on a rien fait, on est calme, Hermao. Hermao. Ça va ou quoi toi? Attends, redonne ta carte d'identité toi s'il te plaît. Je te montre. Ouais. Ah ouais, Nelia. Ça va ou quoi Nelia? Ouais. Super. Bah attends, allô. il vous reconnaît. Ok, bah c'est bon, du coup, on peut y aller, monsieur. Bah vas-y, Nelia, on s'appelle. En voiture, oui. Ciao, Nelia. Ciao, les Brésiliens. Si. Vas-y. La prochaine fois, faites attention avec les matraques. Allez, file de là, l'agent de police, la file. Bon, tu sais quoi, regarde, c'est quoi, je vais rester ici, je vais manger un donut. C'est bon, ça, j'aime pas ça. Mais qui ouais, on arrive pas, c'est bon, ça me pète les couilles. Les petites mouilles, les petites mouilles, ça. On monte dans la voiture pour nous dire de filer. Les petites mouilles. Qu'est-ce que tu racontes, ça? Voilà, je vais manger. Je vais me poser ici, je vais manger un donut. Par pitié, dis à ton collègue qui revient ici et qui nous dit dégagez de là, devant nous comme ça. Mao, c'est ta paix. 14, 14 tout secteur. Tu vois clairement tes cheveux en plein visage. Ok, dis-nous pourquoi tu fais la mouille à attendre qu'on monte dans le véhicule pour nous dire barrez-vous de là. Dis-nous. Quelle mouille? T'es en train de passer du parade, je crois que tu m'as bien. T'es une mouille. Dis-lui, Malcolm, dis-lui. T'es sûr? Non, il est sûr. Il est certain. Il est certain. On va se calmer, messieurs. Il est très sûr même. Non, justement, j'ai pas chaud. Tout bon ou tranquille? Vas-y, fais un geste. Vas-y. Non, tout bon ou l'air tranquille? Je sais pas, ils ont chaud, leur taser sort. Si, non, tranquille, y'a pas de problème. Tranquille. Y'a personne qui a chaud, monsieur. C'est bref, il est sûr, il est sûr. Il est sûr. Alors, attends, taisez-vous, s'il vous plaît. Stop là. On vous a juste reproché une seule chose. C'est que pourquoi vous attendez qu'on monte dans notre véhicule pour d'un seul coup avoir une petite couille? C'est parce que c'est nous. Est-ce que quand je suis arrivé, j'ai. Attends, je m'en souviens. J'ai pas entendu, tu m'as dit quoi? Comment il fait pour voir votre collègue? Avec ses cheveux? Oui. Ouais, il voit pas grand chose, il voit pas grand chose. On dirait des algues. Ouais. Et pourquoi ils sont agressifs tes copains? Toi t'es gentil toi? Ça dépend. J'ai pas compris pourquoi vous étiez là. Parce que ouais. T'as vu tes copains ils sont trop dans une mentale ouais c'est notre quartier vous rentrez pas on fait ce qu'on veut. Nous t'as vu moi plus tu me fais ça plus j'ai envie de rentrer dans ton quartier et de chier dans ta maison. Tu comprends? Mais tes deux collègues ils les reconnaissent, ils nous ont frappé la dernière après, fois. Après vous êtes pas obligé de rentrer et rester devant. Si je rentre même. Je me pose, c'est une rue comme une autre. Tu vois, des fois, je me pose en plein milieu d'une rue et je mange un donut. Eh ben là, c'est une rue comme une autre. Je viens, je mange mon donut ici. Une petite clope par là. Vas-y, on y va. Non, j'ai envie de rester un peu ici. Je vais me poser là. Ah ouais, tu veux juste une clope? Mais incroyable, on a fait quoi? Incroyable. Vous pouvez partir, vous deux. T'inquiète, attends. Allez, on y va par contre, vraiment. Non, regarde, je vais boire une bière. Je bois une petite bière. Allez-y, madame, il reste là. T'inquiète, on va lui mettre une bière. On a des bières ici. Allez, c'est bon, on y va. Riz, tu viens ici. Oui, lâche-moi, je viens, lâche-moi, c'est bon. T'as pas l'air de... Mais attends, lâche-moi, bordel. Allez, Malcolm, on va voler ici, là, je comprends pas, là. Attends, tu veux rester là tout seul, toi? C'est quoi l'histoire? Salut. Quoi, il a sorti la matraque comme la dernière quoi, fois. Tu veux faire ta mouille? Attendre que mes collègues y partent pour me frapper à 4? Encore lui? Non, c'est comme une mouille, celui-là. Tu vas nous frapper encore, c'est ça? Ouais, je vais encore vous frapper, ouais. Personne va frapper personne, on monte en voiture et on y va. Ouais, tu vois, tu vas frapper personne, elle t'a dit. Ah ouais, tu vas faire une personne. On va revenir. On va revenir. Toi, tu m'as pas donné ta carte d'identité. Demande ta carte d'identité. Demande ta carte d'identité. Tiens. Barbozo couteau. Ça commence à se ramener chez nous. Barbozo. Ça partir, monsieur l'agent. Tu vas te faire ta base. Va falloir partir là. Attends, mais vous croyez que vous nous faites peur? On y va. Mais vous pensez vraiment nous faire peur? En fait, c'est ça votre problème. Écoutez. Partir, c'est tout. Vous voulez être dans un rapport de force avec le mauvais agent. Je le jure, vous êtes là, vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Oui. Oh, ta mère a t'a dit on y va. Voilà, écoute ta maman. Bonsoir. Bon, là Malcolm. Heureusement que je respecte les femmes, vraiment. Malcolm, là je commence.
Heureusement que je respecte les femmes. Venez, on y va, c'est bon. Allez, écoutez, maman. La dernière fois, vous m'avez matraqué, c'est fini. Aïe! À toutes les unités, on se fait agresser, gâcher les Brésiliens! Aïe! Ça se voit, coupez le 39-43. J'ai rien fait, madame. Ah! Je me fais tabasser à l'aide, venez vite! On a rien fait, madame. Ah ouais, vous voulez un motif? Un motif? Vous voulez un motif? Il se passe quoi là? C'est vraiment qu'on vous donne un motif? Vraiment faux. Oh! Aïe! Voilà, voilà, parfait. Aïe, aïe! A toutes les unités, ils vont nous tuer, venez vite! En route, on est en route, on arrive. Je te déteste. J'ai tassé la meuf. Voilà, tu restes avec nous, toi, petite pute. Ah ouais. Mais ça va. Mais relevez-vous. Les gars, on fait pas ça. Arrêtez de faire genre, on va avoir des problèmes. Mais c'est quoi ça? Irmao, ça va d'ailleurs? Bah alors, les cocos? Mais sa mère, on va être dans la merde, on a rien fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi il y a trois policiers à terre? Oh merde! Il faut quand même les aider! Arrête! Non, Vastano, s'il te plaît, Vastano! Vastano! Vous prenez une mise à pied. On en parle après, Vastano. On en parle après, ok? Je vous enculez. C'est pour la lesbie. C'est pour à cause de vous, j'ai passé rookie, j'ai envie de vous enculer. Mais non, juste si tu joues le jeu, si jamais, tant que on tu balances pas, on, a rien on s'est juste fait agresser, d'accord? On est venu, on s'est fait agresser. Il y a aucune raison que tu repasses rookie. Au contraire, on va être des héros. Restez par terre, c'est ça, restez par terre. On a rien fait. Qu'est-ce que vous faites ici aussi? Ils ont dit c'est pour la dernière fois. Apparemment il y a trop de contrôle, ils ont voulu donner ça comme exemple. Ils disent que les flics ils viennent trop ici. Oui, ils ont dit les flics ils viennent trop ici, on est passé, ils nous ont fait rentrer, ils nous ont tabassé. Vous avez dit ça? Les flics viennent trop ici, mais c'est parfait. Ah bah parfait, j'ai une invitation pour vous, on va venir tous les jours, toutes les heures ici. Écoutez-moi bien, d'accord, la dernière fois qu'il a tabassé mes gars la dernière fois. C'est pas vrai, c'est pas lui le chef, c'est les mecs en haut. Très bien, bah vous passez mon message à votre... Lui, c'est le premier à nous avoir tabassé, lui. Lui, faut la chose, c'est lui. C'est lui, je suis formel, c'est lui qui nous a tabassé. Monsieur le capitaine, écoutez-moi si vous voulez. Venez voir. Merci. Il est dangereux, hein, lui. C'est lui qui a dit à ses hommes de nous frapper. Très bien. Monsieur le capitaine. Oui, je vous écoute. Si vous regardez leurs collègues là, des deux autres, elles ont des marques de matraque. Nous n'avons pas de matraque. Regardez-les, capitaine. Des marques de matraque? Et puis quoi encore? Les deux. C'était au sol là. Bah oui, mais regardez. Un coup de matraque. Ils nous ont frappé avec des coups, avec des battes de baseball. Avec des battes de baseball? Mais bien sûr! Mais ils les ont cachés! Non, regardez, chez moi j'ai une hachette. C'est moi j'ai une hachette, pas le coup. Capitaine, il faut vraiment. Je veux bien que je sois rookie, capitaine, mais on peut pas laisser passer ça. Capitaine, ils ont fait exprès vos collègues. Et regardez leur collègue, elle a pris un coup de matraque. Il a pas tant la capitaine. Ouais, et on a pas de matraque nous. C'est vrai, ils ont fait exprès. Allez-y. Non, mais dans tous les cas, c'est vous qui avez dit comme quoi il y avait trop de flics qui passaient ici, c'est ça, face au mur. Hein. Mais c'est quoi cette bestia? Face au mur, espèce de petit con là. Des coups de matraque. Zerma, les matraques ça. Ça c'est chez nous. Là, ça a une marque de matraque genre. Là où tu marches. Très bien, je vais vous expliquer une chose. Ici c'est la ville de Los Santos, ça appartient au maire, pas à vous, d'accord? Alors si à l'avenir vous menacez. C'est ce que je leur disais, capitaine, c'est ce que je leur disais. Je vais aller chez vous, Vous allez chez moi, tout bon, tout bon. S'il vous plaît. Vous venez chez vous, et vous avez l'air gentil. Il faut que je vienne toutes les heures faire une visite dans votre quartier et vérifier ce que ça se passe bien. Vous mettez pas dans la merde. Ça arrivera, d'accord? Non, vous allez pas venir. Vous avez compris ou pas? Ouais. Très bien. Allez, mettez-vous face au mur. Madame, mais c'est pareil, écartez-vous, ne vous mettez pas dans la merde. Capitaine qui nous frappe à nous, c'est une chose, mais qui frappe Vastano? Ouais, la femme du lieutenant? C'est toi qui l'as frappé. C'est toi, tu l'as mis au coup de matraque.
Oh oui, capitaine, ramène leur maman, ramène leur maman, capitaine, tu vas voir, elle va dire la vérité. Très bien, allez où Vassano déjà? Allez où Vassano? Vous embarquez monsieur là, ici, là. Vous l'embarquez pour précision d'arme blanche. Juste lui. Ça va Vassano, tu tiens le coup? J'ai mal, ouais. On est en train de les arrêter, t'inquiète, tout va bien. Ok. Ça va, tu vas bien? Ouais, faudrait que je vous parle après, parce que c'était un peu... Oui, plus tard, t'inquiète. Plus tard, chaque chose en son temps. 6-7, je suis au portail. 6-7. Remarquez-le rapidement, d'accord. Et toi, nous rends pas trop plus loin. Dépêche vraiment toi, par contre, parce que sinon ils vont... Tu remarques personne. Écartez-vous, avec votre bouteille, là. Écartez-vous, vraiment, dépêche-toi. Vas-y, ciao, Nelia. Comment, Nelia? Nelia. Oh, je vais pas hésiter, là. Ah, ils sont méchants, tes copains. On s'en branle. Ah bah, le caractère reste des fous. En même temps, ton collègue il était un peu trop arrogant, mon gars. Ah ouais, t'aimes pas les hommes arrogants? Non. Oh putain, je voulais ça. Ça marche, merci. Ouais, quoique, je suis obligé de rester là au cas où tu te fais agresser. Non, mais c'est bon, de toute façon. Je vais pas l'agresser. Hein. C'est bon, elle va pas m'agresser, non. Il a déjà pris un coup sur la tête. Hein, c'est vrai. Les gars, on se refait agresser, coup de bouteille, coup de bouteille. Viens là, tout bon. Pardon. Ils ont rien fait devant. C'est eux deux là. Les trois. Les trois. Le Brésil, on a rien fait. Et je vous laisse mon hôtel. Mais qui tout bon, on a rien fait. Restez loin. Ils m'ont balancé. Ah, mon fouet. Il a bien embarqué les trois. Allez, les trois, vous l'embarquez pour agression sur agent. Affirmatif. Qui? Putain, je suis bourré là. Allez, vous avancez là, les trois là. Rapide. Avance. Récupère le dernier, on y va. Reculez. C'est bon. Ouais, il nous a frappé avec des bouteilles, bordel. Avance. Avance, salaud. Je venais ici, je tape à chaque fois là. Le porte. Attends, je le ramène dans l'autre voiture. Je vais m'exprimer quand même. Arrête. Viens dans la voiture. Siffler, t'es prêt? Je vous laisse là, oubliez pas lui hein. Aïe, il m'a arrêté de me mettre des coups de boule. J'ai pris un coup de bouteille là. Tu vas vraiment comprendre, je te promets. Explique-moi très très vite. Après. Non, pas par là, je peux pas sortir par là. Ah oui, tiens, ok. Vas-y. Là, je vous dis, vous avez 5 minutes pour tout m'expliquer. Bien joué, les gars. Tape là, tape main 5, ça va, Stallone. Non, jamais d'avis, je vous tape dans la main, c'est clair. Check, crise. Dites-moi, vous avez 5 minutes là pour tout m'expliquer, sinon je vous jure, le capitaine, je l'appelle direct, c'est mis à pied pour vous pendant 2 jours. Est-ce que c'est clair? Écoute, la vérité, c'est que tu vois, ils jouent avec nos couilles. Genre en mode oui, là au moins ils savent qu'il faut qu'ils arrêtent de faire les malins avec les keufs. Là, grâce à ça, on en a embarqué 4. Et toi aussi, tu voulais vraiment qu'on en embarque 4. Donc s'il te plaît. Est-ce que t'as vu les étoiles dans les yeux du capitaine comme il était fier? Ouais. Vastano. Je te le promets que c'est... On a raté 4 mecs grâce à toi, Vastano. T'as vu, le capitaine, il va t'appeler, il va dire putain, ça va Vastano, t'es pas trop blessé, déjà il va avoir un petit peu d'empathie pour toi. Et en plus il va te trouver héroïque, et en plus grâce à toi, on a arrêté 4 mecs. Mais 4 mecs, ça se trouve, ils avaient rien sur eux. Mais Vastano, si, ils avaient des hachettes et tout, ils avaient des hachettes et des drogues. Ils ont eu l'habitude toute leur vie que les flics ça soit des mouilles, tu vois. Et qui se laissent faire, donc ça veut dire, ils jouent avec nos couilles comme il a dit. Ils en profitent. Exactement. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de répondant devant, mais là maintenant il y en a du répondant. Rien à foutre, il y en a du répondant. Et ils ont vu Vastano dans le lot, donc ils vont plus te casser les couilles ni à toi ni à la SPD, tu comprends? Est-ce que t'as compris? Tu comprends ou pas Vastano? Mais à tout moment il y avait des caméras, à tout moment il y avait tout. Il y a en fait. Pas de caméra Vastano, il y a pas de caméra, il y a pas de caméra. Oui, des caméras et il y avait des micros aussi. Il y avait un drone. Il y avait un casque vert pour que les gens aient une caméra 360. Eh oui, il y avait rien de tout ça Vastano. Ok, faut mettre de l'essence, je vais y mettre de l'essence. Et puis quoi encore, il y avait un drone? Ah, tu l'as déjà fait. Oui, il y avait. Il va y avoir une caméra verte. Ah, par contre, laisse Vastano mettre l'essence parce que sinon c'est toi qui paye avec ton salaire. Ok, vas-y Vastano, mets l'essence. Ah, faut que tu dis. Ah, ça fait du bien. Sérieux là, t'as pas le sentiment du devoir accompli, Vastano? Tu te sens pas bien? Non, je me sens pas du tout bien vu que tu m'as tapé avec ta matraque en fait. Ouais, mais il fallait parce que tu voulais pas te coucher par terre, franchement. Mais jamais d'avis, j'aime coucher par terre. T'es dur à coucher, hein. T'as compris, Vastano? Vastano? Salaud. Genre, comme si on voulait coucher ensemble, par exemple. Non, comme si toi tu voulais coucher avec moi, pas moi.
Ah mais... Okay, il faut qu'on aille à la supérette, il faut que j'achète à manger, j'ai faim. C'est une métaphore. T'as plus faim, Balcol. Qui a dit que j'avais faim? Par contre, moi, faut que j'aille vraiment à l'hôpital. Non. Qui a dit que tu voulais passer à l'hôpital? Oui, bien sûr, c'était... Fallait s'y attendre. T'as vu comment c'est pratique de patrouiller avec moi? T'as pas envie que je me fasse virer? J'en ai rien à foutre de ça, honnêtement. Mais attends, mais depuis tout à l'heure, j'ai pas de musique dans les oreilles. Oh là là, le truc de fou. T'es vraiment un gueux d'un Malcolm, hein. T'es vraiment un gueux dans ta tête. T'es trop crazy. La capitaine qui va... Oh putain. S'il te plaît. Mais y'a le capitaine. Oui, vous êtes où? J'arrive. Ok. Là, je vous jure, ça va être quitte ou double, hein. Mais non, c'est pas quitte ou double, je te promets. Il faut juste que tu restes. Y'a que nous comme témoins. C'est-à-dire, eux. Regarde, attends, écoute, Vastano, c'est simple. C'est simple. Tu vois, les quatre, ils vont dire la vérité, eux. Et nous, tous les trois, il faut qu'on mente. Sauf que nous sommes des agents harcèlements. Non, non, alors déjà, je vous explique un truc. J'étais déjà en train de parler au capitaine avant. Avant que vous fassiez tabasser, d'accord? J'étais en train de vous expliquer deux, trois trucs. Par contre, je vous explique un truc, là. Parce que j'ai pas pu finir toute ma phrase. Mais je vous explique un seul truc. Et ça va être clair et net. Jusqu'à... Mets-toi à gauche, balcon. Jusqu'à jeudi soir. Ouais. Je veux que vous soyez, genre, parfait, en fait. Pourquoi y'a quoi jeudi soir? Bah parce qu'après jeudi soir, je me casse, moi. Ouais, moi aussi. Jusqu'à début octobre, je reviens, moi. Ah. Quoi? Ben moi, je pars pendant deux semaines. Jusqu'à mi-septembre. Mais... T'es là demain ou pas? Oui, demain je suis là et je... Riz. Ah, Riz, ok. Peut-être. Comment ça, peut-être? Ben peut-être. Mais je vais péter mon crâne, y'a pas de... Et bah, Riz, je vous dis un truc, écoutez-moi. Je veux que vous soyez, genre, à la perfection. Après, quand je suis pas là, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez en faire baver à n'importe qui. C'est bon. Vous allez m'obliger à faire un truc. Là, maintenant, ça y est, le taser. Hein. Parce que je vous jure que là, par contre, j'ai des autorisations, j'ai carte blanche sur vous. Je peux vous enlever votre taser là maintenant dessus. Pendant 15 minutes. Oh, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Là, tu as fait 35 gueule. Mots. Ferme ta gueule. Non, mais c'est pas méchant. Ferme, on avait compris. Je te jure, au 8ème mot, on avait compris, ça y est. Oui, non, mais j'ai l'impression. Mais non, parce que j'ai l'impression que vous ne prenez rien. Regarde, je te la fais courte. Là, en gros, moi jeudi je pars, donc restez ça veut dire. Jusqu'à jeudi, vous restez sage. Et après, vous pourrez foutre le bordel. Et hop, c'est bon. Ah bah oui. Et à droite. Là, tu vas voir. Ah ouais. Sa voiture, ça? Je crois pas. Peut-être en fait. Non, regarde, elle ment pas. T'as vu, elle ment pas. Depuis qu'elle parle avec moi, elle m'a pas encore menti là. Enfin, je crois pas en tout cas. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir, salut, bonne soirée. Bonne soirée, mec. Ah putain, mais c'est chiant les portes coulissantes. T'as vu, elle ment pas, t'as vu? C'est pas de mytho. C'est laquelle? Vas-y, tu vas essayer de deviner, c'est laquelle, ma grossesse. Pardon? Ah. Ça va, les filles? Oh, mais c'est une blague! Va, coucou! Salut, vous allez bien? Bonsoir. C'est un tricheur de merde. Ça va? Alors, ça joue au billard? Ouais. On essaye. Eh, Ravindra, t'as pas menti, hein? Riz? Ouais. Riz, viens, vite fait, demi. J'arrive. Riz, j'ai une question. Ouais, dis-moi. Est-ce que quand j'ai terminé, tu mets la noire ou la blanche? D'abord. Quand t'as fini, c'est d'abord j'ai la noire. Mes boules. D'abord la noire. Ok, merci. Ah, donc t'es comme attends, ça. Mais t'es grave, mon frère là. Comment? T'as, tu ramènes dans une soirée d'œuf là? T'as vu? Genre, là, y'a que de la meuf. Mais attends, mais putain, pourquoi j'ai. Ouais, y'a que de la meuf. Oh là. Vas-y, on y va. Vas-y. Bah, vas-y, toi, moi j'ai déjà ma cible. Non, tranquille, j'observe. Oui, bah, c'est pas facile, d'accord? Faites que Ganesh. Mais là, je suis trop stylé. Bonsoir, monsieur l'agent, vous allez bien? Ça va, super. Tranquille, les filles, tranquille, ça va. Ah, mais c'était vous qui êtes à la formation là, les deux? Ouais, là. Ouais, c'est moi. Ah, putain. C'est qui d'être policier? Ravindra, elle a été sauvée, moi j'ai pas été sauvée, je retiens. Merde, j'ai des bugs de son. Mais j'ai grave la flemme de lancer mon jeu. Ouais. Asie, à ton tour. J'ai vu, vous êtes où? Ah, t'es sûr? J'arrive, je suis loin. Ah, je crois qu'il avait dit monsieur Riz. Mais ça tue, wesh. Tiens, regarde le mur là devant en face. Ouais, c'est incroyable. Là en face, regarde, c'est qui? Devine. Bah ouais, c'est Yasuo. C'est très bien. Ah, mais ça, je reconnais, c'est 50 Cent. Incroyable. Putain, ils l'ont trop bien fait. Attends, fuck. C'est des awap, ça. C'est le mec de Fortnite.
C'est le mec de Fortnite qui en a eu la vie. Ça c'est... Vous voulez visiter le bar après, je vais les emmener le voir. Comment? On est une grosse discothèque à Bramba. Ah mais c'est stylé hein. Ah franchement, c'est incroyable. C'est à si vous, vous aimez si vous... Ouais ouais c'est à moi, si vous aimez League of Legends... Putain c'est Harry. Ouais. C'est Harry Potter, effectivement. Elle est grande hein. Ah ouais. Putain j'avoue, elle est grande hein. Elle est aussi grande dans League of Legends. Et là en bas c'est la grosse discothèque. C'est fermé là je suppose. Non non, vous pouvez y aller. Ok super. Y'a pas encore les serrures, on doit les installer là. Madame Capitaine, on prend le dernier appel. Mais putain, mais c'est trop stylé. Monsieur le Capitaine. Franchement, c'est génial. Ah, moi, je suis tombé amoureux. C'est quand on fait des soirées là 6-6-7, Fantôme. Je vais essayer d'ici 2-3 jours là. Là, y'a juste les messieurs qui sont venus faire les travaux tout à l'heure là. Donc, il reste encore quelques personnes à embaucher. Et puis, je pense d'ici 2-3 jours, on fait une grosse soirée d'inauguration. Ça, tu sens, merde. Ah bon, bah dirais-tu que tu trolles? Non, je troll pas, pour de vrai, c'est incroyable. Et après, normalement, il y a même les... toutes les petites bandes d'arcade là, tout ça, ça va. Ah, Malcolm. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Même les bandes d'arcade, ça va marcher. Mais tu fais quoi tout à l'heure? Il y a de la loterie. Ça tue. Mais je visite, c'est incroyable. Elles sont folles, amoureuses de moi, c'est incroyable. Les trois? Ouais, genre vraiment, tout à l'heure, ça parle de queue et tout, etc. Et de boules. Est-ce que ça parle de boules aussi? De boules et de queues. Genre c'est incroyable vraiment. Putain. Ouais c'est ça, elles ont dit que c'est moi qui avais la plus grosse. Bon, t'as gagné, hein, allez. La partie est longue. Qui a gagné? Personne. La partie est interminable. Donne-moi ta queue. Ah messieurs les agents, vous savez chanter ou pas en fait? Tiens, prends. Ah ouais, bonne question ça. Est-ce que il faut mettre la noire et la blanche après et est-ce que tu sais chanter toi monsieur avec les dreadlocks là? Non, je peux pas chanter. Ouais, moi je chante. Après pourquoi la chanter du coup? Mais c'est pas des talents. Et la blanche après? Il est bon. Putain, il est fort le monsieur là. C'est mon coloc. Ah ouais, il est fort hein. Bah moi mettre les boules dans le trou, je fais pas trop ça moi donc Ah ouais bah pourtant t'as un billard là. Bah ouais. Bah. C'est bon. Faut t'entraîner. Waouh, incroyable. Eh ouais les gonzesses. Eh ouais les gonzesses. Eh ouais. Ah ouais. Non mais par contre. Il flexe un peu. Par contre non. Pardon, je me suis emporté. Ouais, il flexe un petit peu. Non mais par contre non. Ça me rappelle une ouais, vidéo. Ouais du coup Malcolm, tu chantes pas? Moi? Si ouais, Malcolm il chante. Hein. Malcolm il chante. Il chante très bien. En fait nous on est des danseuses de talent. On va faire une émission du coup. On a besoin de chanteurs. Non mais lui il fait pas. Je vais m'entraîner et je vais chanter un truc. Normalement il fait pas de truc télé-réalité parce qu'il y a toutes les maisons de ce qu'ils veulent. Ah ouais? Mais attends, mais c'est incroyable. Vas-y, il faut bien débuter quelque part, non? Ah mais justement. C'est pas pareil. The Voice, attention. En gros, bon, regarde, tu peux élargir leur secret. Allez sur YouTube, Marquez Ziak, c'est lui. Pardon? Ouais. Pourquoi tu me cries comme ça, ouais? C'est pas grave, ouais, on est entre nous. Entre nous, elles vont. Mais il se masque. Il y a de partout là. Il se masque en fait sur. Non, on va garder le secret. Ah ouais, putain, mais je viens de voir. Alors, il met un bandana. Vas-y, mets sur la télé là. Gars, fais ça, c'est des vrais couteaux, fais-le. Ça, c'est des vrais couteaux. Oh là là. Mais c'est la même chose. Ah oui, c'est lui. T'es bête ou quoi? C'est moi, wesh. On est dans l'émission. Et moi, pour être tout à fait honnête avec vous, moi je suis Cocra. C'est vrai? T'es quoi? Fais-nous un petit. Vas-y. Raphaël et John away! Raphaël et John away! T'as vu? C'est lui. Ah, mais y'a pas le vocodeur, y'a pas le vocodeur. Non, y'a pas le vocodeur. C'est pour ça. Mettez le vocodeur. Non, on sent le talent, on sent le talent. Et aussi. Si vous voulez venir dans notre émission, y'a aucun problème. On a un petit ref, c'est Rey Mysterio. Ah ouais. T'es qui? Rey Mysterio. Dites rien par contre les filles, par contre là vous rigolez. Non, bien sûr, non. C'est pour donner dans la salle. Après vous allez pleurer quand après vous êtes là, on va vous enfermer, on va dire libérer tout mais. Tranquille, ouais. Incroyable. Tranquille, ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ah oui. Ah c'est lui, bah c'est toi ça. Eh bah ça se voit pas en tout cas, les cheveux sont bien masqués. Ah oui, il y a une capuche. Eh bah sacré cagoule. Anonymous. Bonne marque et tout. Un petit passage de Ziak là. Hein? Un petit passage de toi. Mais franchement, ouais, c'est étonnant. C'est quoi, on vous inscrit ou pas?
vous pouvez faire un feat avec quelqu'un qui a une voix plus douce ou pas? Faut s'inscrire, faut s'inscrire sous le... Ok, ignorez-moi. Non, mais c'est une bonne question, c'est une bonne question. Je propose direct, là, quoi. Vas-y. Comment vous voulez du... Les dames, vous voulez du chaud, d'un bruit? Attends, Abby, tu veux pas se sortir ensemble ou c'est comme... Waouh, quoi? Mais répondez-moi, bordel de merde, j'avais une question. Mais répondez-moi, bordel de merde, j'avais une question. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tête de chip déjà. Bref. Est-ce que monsieur avec ce, avec les locks et tout, est-ce que vous, petit challenge, vous pouvez fit avec quelqu'un qui a une voix plus douce ou pas? Avec qui? Genre un fit avec Kenza Farah et tout là? Genre avec Abby? Ah ouais, vas-y. Quelqu'un une voix douce ici si en ville même? Non. Moi je peux faire un fit. Moi je fais du dancehall donc c'est pas doux. Hein. Mais lui il a pas compris qu'on est en train de guédra là depuis tout à l'heure. Tu t'es là, tu viens, tu nous casses les couilles. Mais comment ça comment ça ça? Comment ça ça quoi? Comment ça ça? C'est mon employé, on dirait pas mes employés. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Poupette, poupette sinon. Ah non, par pitié, bah par pitié, t'es fou quoi. Mais attends, j'ai pas compris. Featuring de quoi? Genre chanter un truc? En fait, un featuring avec quelqu'un qui a une voix plus douce. Qui a une voix plus douce. Oh, tu chantes un peu, ah. Tu chantes un peu. C'est Abby, Abby. Miranda? Ah, moi? Ah, Miranda ou Ravindra? Attends, comment je... Ravindra. Comment t'appelles? Ah, Ravindra, ok. Alors oui, je sais chanter, mais... Ah, voilà. Bah vas-y, tout le monde démo. Tu vas participer aussi. Non. Balance. Mais balance, vas-y, fais une note, fais une note. C'est quoi cette voix? Allez. Oui. J'allais posséder ta meuf, Vas-y. J'avais oublié son blase. Je chante que des trucs, bref. Bah, tu chantes quoi? Genre des Disney? Non. Non? Je chante des chansons d'amour. Ah. Mais vas-y. Oh, alors là, je m'installe. On veut grave écouter. Si, non, c'est pas secret, vas-y. C'est un public, là. Elle chante trop bien, faut la pousser. On est des nicheuses de talent. Ravindra. Oh my god. Ah ouais, elle s'est transformée, là. Oh my god. Vas-y, balance. On t'écoute. Attendez, j'arrête de rigoler. Attendez. Trop relou. Ah, personne là. Si, je l'ai. Attendez. Okay, merci. La pression là. Mais oui. Vas-y, on t'écoute. Ah, mais t'inquiète, la pression, on la boit. Ah oui. Allez, graille la concurrence, c'est parti. Ah mais oui, je la graille. Ah, bah voilà, bah voilà, bah vas-y, chante alors. Bah vas-y, mais non, je vais pas... Tango 87 se transforme en Adam. Je vais pas m'exposer après. T'inquiète. Non, t'inquiète, ça sort pas d'ici. Ça sort pas de là. Capitaine Adam 87, est-ce que vous pouvez venir simplement de ma gueule, s'il vous plaît. Monsieur Gabriel 4. Because sweet heart had a believer. I threw my hands in the air, you say show me something. He said, if you take, come a little closer. One, then one, we go. Oh, no, tell me now, you know. Voilà, c'est bon? Ça y est? Bravo, wow. Bravo. Pourquoi les gens, ils partent? Pourquoi les gens, ils partent? C'est vrai que c'est bizarre, par contre. Bravo, j'applaudis. Ça y est. Waouh! Non, franchement, incroyable! C'était grave bien. Vraiment. Incroyable! Ah, vous rigolez. Non, c'était non, bien! Je te jure, c'était super bien! Malcolm, il te fume après, mais c'est ça, c'est parce que moi je suis habitué à attendre Malcolm qui chante. Après, on n'est pas trop dans le même domaine, je pense. Hein. Si. Il sait faire aussi, hein! Malcolm, s'il te plaît, fais-lui une démo. De quoi? Vas-y. Fais-lui. Une démo de quoi? De chant. Montre comment tu chantes quand t'es sérieux. Chante quoi? Dis-moi. Chante One Kiss. One Kiss? Ouais. Attends. Vas-y, attends. T'inquiète, prends ton temps, t'inquiète. Je fais le timide. Fais le truc pour toi. Vas-y, c'est bon. T'es sûr que tu veux pas participer Elle est repartie. Oh, waouh, elle s'arrête plus là, ça y est. C'est bon, non mais faut pas me lancer comme ça, c'est pas bien. Non mais... Je crois que t'es timide, je comprends plus. Ouais, c'est ouf. On a appuyé sur le bouton. Pourquoi elle a chanté? Ça y est. Pourquoi elle s'est remise à chanter? Wesh. C'est bon. Elle va nous faire tout l'album. Ça y est. J'arrête là.
Ah non, non, franchement, c'est une très belle voix. Merci, c'est gentil. Et ça t'intéresse vraiment pas En fait, je peux pas m'exposer. Eh, j'ai perdu connaissance, tellement c'est incroyable. Ah. Tu vois. Ah, mais non, mais ça, ah ouais, c'est... Elle, super elle est tombée bien. Dans les pommes. Bah ouais. Ah ouais. J'ai perdu je connaissance. Comment, là non, je te... Non, je te non, non. Comment, là non, je te jure, je te Mm-hmm. Non, 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 je t'assure, non, mais par contre, tu es sûr que tu veux pas participer à The Voice? Elle veut pas s'exposer. Je peux être jury si tu veux. Ah bah non, je peux pas, je filme. Ah je bah filme, ouais. Je filme, ah mince, je suis derrière ah la ouais, caméra fichier, pour fichier. Votre. Là, vous avez vu là ah ouais. Walcolm derrière. Ah bon, ah, on en a plusieurs hein, pour l'instant. Il est en train de se taper ouais, ouais, t'inquiète, c'est la première. Ah, je sais qu'il va me régaler. Il met du temps quand même, ton collègue. Ouais, il chauffe la voix. J'ai plus envie, j'ai plus envie. Pourquoi? Comment ça, t'as pas envie? Ça, j'ai plus envie. Non, Malcolm, s'il te plaît. Je suis dead, j'ai plus envie. J'ai toujours en train de dire, là, Malcolm, il va me régaler et tout. Ah mais non, vas-y, Malcolm, vas-y, chante. Mais on est déjà hype en fait. J'ai pas de musique en tête là en fait. Mais One Kiss, chante One Kiss par pitié. C'est quoi ça, One Kiss? One Kiss is all the thing. Tan in and out with me. Possibility. Vas-y, fais-le bien. Allez. S'il te plaît. Madame, mais je connais pas les paroles en entier en fait. One Kiss is all the thing. C'est ce que tu dois chanter. And I love it, baby. And I fall in feet. Pardon. The way you move, the way you sing. One kiss is all it takes. Fall in love with me. Possibility. I know the fault of it. One kiss is all it takes. Hey, hey. Alors, moi je dis, elle a chanté. Abby, tu dois chanter maintenant. Pardon ? Ah ouais, allez, tout le monde chante une chanson. Pardon, allez, allô. Vous êtes pas ah, non, très non, fan, pas. J'ai l'impression. Ah, wow. Salut. Il a du mal à chanter One Kiss. Hein. C'est vrai que c'est pas. C'est que deux phrases, hein. Vous chantiez quoi, One Piece? Non, One Kiss. Mais non, mais... Ah merde, on a tué quelqu'un. Ravine, gars, relève-toi. Possibility. Je connais pas les paroles. Mais prends-les devant toi. Bon, vas-y, bah tant pis. Hein. Ouais, il est timide, il est timide. Non, ça, je suis pas timide, mais je connais pas les paroles. Bah, vas-y, chante, frère. Un truc que tu connais. Chante jusqu'au dernier grave, bon, j'en sais rien. Ah, on a l'habitude de chanter en duo, mon frère. Non, ah, c'est fou, par contre. Viens, on chante jusqu'au dernier grave. Non, viens, on chante maintenant. On chante une musique de PNL. Toi et moi, celle que tu veux, maintenant. Vas-y, choisis. Voilà. Cœur. Alors ? Mmh. Oh waouh! Waouh! Attends, je règle. Mmh. Ah ouais! Vas-y, commence. Ah ouais! Wouh! Oh, j'ai mal à la tête. Chut, Abby. Pardon. Il faut un featuring. Oh, vas-y, commence là. Comment je fais le deuxième couplet par pitié? Je préfère le deuxième. Je sais plus comment ça commence. Si. Oh, attends, mais attends, c'est incroyable. Chut. C'est quoi la première phrase? Vas-y. Ah oui, ok. On les tord jusqu'au cash-money. Et on fait une phrase chacun, Non, fais premier coup, c'est parti. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, viens, on fait une phrase chacun. Il est timide, fais ah, la voix. Viens, on fait une phrase chacun. J'aime tes vibes. Okay, t'es bien si tu veux, vas-y. Ouais, c'est pas mal. Vas-y. Mais attends, t'as commencé depuis longtemps, wesh. On les tord jusqu'au cash-money. Allez, c'est bon, nique ta mère. Non, c'est bon. Mais je chante depuis tout à l'heure, oui, je vous m'entendez pas. Non, t'entendais pas. Non, tu chantes ouais, pas. Vas-y, casser les couilles. C'est bon, viens, on va patrouiller, on va arrêter les criminels, fais un solo, frérot. Tu chantes en ultra son là. Vas-y, les filles, on va dans les crimes. Ma famille. Tu crois? Tu te rappelles de moi? Ouais. Car je suis plus dans le noir. Vas-y. Moi, je veux plus les voir. Car puis je suis plus dans le noir. Igo, je vois. On les baisse pas par hasard. Je vais être le prince de la ville. Ouais. Je suis plus taré que d'habile. Ah. Ah oui. Je te boufferai ouais. Pas la chatte. Oula, quoi? Pardon, excusez-moi. Bah, non, vraiment, c'est la musique. C'est la musique, c'est la musique. Vas-y, on fait des mots direct. Vous l'avez choqué, elle a fait un malaise. Attends. Ah oui, je combats mon mal. On aime ta. On les baisse même seul au monde. The bee, je suis pas normal.
Les démons me font l'aumône. Oh. Je veux pas savoir quel est le moyen. Tant qu'il y a les couilles, tous les moyens sont bons pour nourrir la mif. Toi, lève ta patte comme un chien. C'est le genre d'animal dont on traitait quand j'irai le soir. Fatigué, tous ces soucis, je ressens comme une apesanteur. J'ai l'habitude de souffrir, jamais pour moi, mais pour les autres. Je porte ambition herculéenne. Je retrace ma vie en Dieu. Plus grand poète que j'ai vu dans l'abîme. C'était si dur, mais j'ai toujours commencé par Bismillah et fini par oh. Tu parles trop, je suis pas d'humeur. Je me sens gêné. Demain je prends le bis d'un braco en moins d'une heure. Tous ces puristes d'MC me font rire dans la rue. Je les aurais graille comme dans Pac-Man. Et je suis sûr qu'à deux choix près, risez-moi. On aurait pu prendre pas. Santos. Oh. Oh, oh. Au final, qu'est-ce qu'on devient? Ah, il y a du canon et tout. Quand on voit d'où on revient. Ouais. On meurt, on se lève, on se barre, on se crève. Le cœur brûle. Le cœur saigne. C'est super. Ma vie manque. On plie le temps. Okay. Ma vie devant. Excusez-moi. Y'a plus de grand. Ouais, les gars. Ouais, c'est bien, c'est bien. Je passe. Ma vie me manque. Ouais. Ma mif me manque. Et le vide me hante. Super, les frères. Nickel. Incroyable. Laisse-moi les tordre. Laisse-moi les pendre. Ouais, ça devient laisse-moi les pendre. Je saigne des oreilles là. Tranquille, oh. Tranquille. Les gars, oh. Eh ben, oui. Vous êtes pris, c'est GG. C'est vrai. Pardonne-moi. Bravo vous. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et moi c'est moi, ça. Attends, l'audition elle est pas finie. Incroyable, c'était incroyable. Bravo, bravo. Et voilà, c'est fini. Bah franchement, bravo à vous. Ça vous dit du coup de participer? Ça non. Ah, ok, d'accord. Bon bah ok, tant pis. Attends, participe à quoi? Participe à quoi? Bah on a une émission, c'est The Voice. Après par contre, participe. Non, bah alcool, s'il te plaît, regarde. Mais vous pouvez venir à deux. Attends, mais c'est The Voice ou c'est Incroyable Talent? Non, c'est The Voice. C'est The Voice. Parce que sinon, Balcom, il se fait des voix de macho. Je suis sérieux. Pourquoi tu veux m'enculer comme ça? En gros, il peut préparer un petit sketch. Il peut préparer un petit sketch et le faire. Bah après, il peut, hein. Ça. On aura peut-être une section un peu plus sur le talent que la voix, on peut voir. Hein. Tout okay, est adaptable. Ça. On cherche juste des talents, nous. Moi, je suis dénicheuse de talents. Écoute, c'est quand on se voit. Pour l'instant, on n'a pas encore de date parce qu'on cherche. Ok, je participe. C'est quoi, je participe? Ok, bah voilà. Envoie ton numéro. Voilà. Quoi déjà? Bah, c'est pour le candidat. Enfin, ah oui, oui, tiens. Ouais. 8840. Ok. Oh, vous voulez venir partir avec nous, les filles? Vas-y, venez. On a le droit. Bah oui, bien sûr, venez. Vous êtes sûr? Bah oui. Attends, mais depuis le début, tu pensais que j'étais une mouille et que je voulais pas chanter? Ouais. Mais c'est juste que je connaissais pas ta musique de merde, One Kiss. Tu connais pas One Kiss? Mais si, je la connais, mais je connais pas les paroles. One kiss is all the thing. Je connais juste ça, ouais. Fall in love with me. Possibility, I know the phantom. Tu vois, là, ça, c'est de l'abus, tu vois. Tiens, si j'avais une félone, je te jure. Prends, on a fait tout à part être flic ce soir. Enfin, là, maintenant, là. Allez, grimpez! Venez, les filles, venez. Mais c'était une sacrée manœuvre là que vous avez fait. On a essayé de rentrer. Ah, d'accord. Ah, ouais, et ça rentre ou pas? Non, ça rentre pas. Ah, dommage. Ah, merde, c'est pas comme papa dans ma main. Bon, je te prends tes filles, je suis désolé. Ah, ouais, qu'est-ce mais. Eh, venez, on va patrouiller. Mais vous êtes. Et moi, j'en prends une. Ouais, bien. Eh, j'ai le capitaine dans la poche, viens, grimpe, t'inquiète. Eh, c'est notre oncle. Eh, vas-y, grimpe. Tu peux venir? Non, il a dit non. Non, moi, il y a l'ouverture du Yellow Jack à mes potes là-bas. Oui, il doit aller au Yellow Jack. Ah, après, vous pourrez me déposer au Yellow Jack. Ma soeur, elle arrive. Et par contre, faut pas me la casser, c'est ma meilleure employée. Attends, je vais prendre la caméra, attends. Oh, vas-y. Ouais, on va faire un clip ou quoi? Prends la caméra. Ah, vas-y, comme ça, au pire, si jamais on se truque et on dit qu'on fait un reportage. Ah, grave. Vas-y, grimpe, bordel, grimpe. Attends, j'arrive.
Attends, monte devant. Attends, c'est qui non, qui est resté là devant. Bah, Viens devant. Moi, c'est Abby. Vas-y, Abby, elle est où? Impeccable. Elle arrive, elle est dedans. Elle est là. Voilà, là. J'ai l'impression d'être en 2016. Tu vas aller au Yellow Jack? Vas-y. Allez. Attends, attends, Miyama, c'est. Ah. Mais. Ça va ou quoi? Vous êtes sûr vraiment qu'on a le droit? Oui, on a le droit. Attendez, vraiment sûr. Vous êtes grave arrive, dans la police. Chut, chut, attends. Oh putain. Derrière. Attendez. Est-ce que je peux prendre, je peux filmer et tout? Ouais, au pire on dit qu'on fait un reportage. Pour la caméra. Je peux pas. C'est bon, j'éteins. Est-ce que je peux ou pas? De quoi? Non, filme pas. On va où du coup là? On va à la plage. Bah là, non, pas trop, non. Ah, ok, vas-y, on patrouille, la plage. Ah, ok, vas-y. Bon, on va aller à la plage. Ok. On fait quoi? Bah, on passe comment à la plage? Parce que je sais qu'il y a pas trop de... Oh, le con! Fin d'action vérité. Ah, les propositions d'anciens. Bah oui. Non, fin d'action vérité. On travaille là. Ouais, là, on est au travail là. Nous, on s'occupe du reporting et vous, vous n'avez pas trop. Voilà. Moi, j'ai des questions à poser. Ouais, pour, voilà. Pour plus tard. Vas-y. Déjà, ça se passe comment? Non, mais là, on travaille pas. Non, mais attends, c'est un prétexte. On fait semblant. Mais attends, mais pourquoi vous êtes ici alors? Comment ça? Qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais là, en non, gros. Non. C'est quoi cet endroit? C'est beau. Ah. Putain, mais il est chiant. Arrête d'emmerder les gens. Ça, en gros, c'est une façon de marquer mon territoire. Tu vois, c'est comme les chiens. Les chiens, ils pissent, moi, je fais des drifts. D'accord. C'est un concept. Vous fumez un peu? Mettez de la police, non? Et ouais, justement. On fume quoi? Des cigarettes. Je sais pas, un peu de beurre. Ouais, parfois, ça m'arrive. Hein. On se met bien un peu, là. Mais t'es pas en service, je comprends pas. Mais après. Mais c'est quoi ces agents de police? Mais oh, pourquoi tout le temps vous nous jugez de par notre uniforme? Il y a des hommes derrière l'uniforme. Non, mais bien sûr. Non, mais après, tu vous n'êtes pas censé condamner par la loi. Je sais qu'il y a des. Non, mais. Regardez, restez dans la voiture, on va vous montrer comment on fait. On fait quoi? Il a fait un braquage de super-héros et on le Allez, mettez-vous contre la voiture là, dépêchez-vous. Ouais, encore, ouais. Mettez-vous contre la voile, contre la buffalo là, contre la buffalo. Putain, mais je suis toujours. Non, c'est quoi contre la voiture de keuf, contre la danse là. Voilà. Yo, je suis toujours pas les faire. Mets-toi, mettez-vous là. Regardez-moi, mets-toi contre la voiture là, je rigole pas là, je suis pas d'humeur, je t'ai dit. Vraiment, je t'ai dit. Je suis pas d'humeur non plus. Yo, tourne. Pourquoi t'as pas ta pièce d'identité? Pas d'humeur non plus. Non, bah la dernière fois, il m'a retourné, il m'a dit d'aller la faire. Ah si, je l'ai. Vous l'avez pas fait encore? C'est bon, tu l'as? C'est bon. De quoi? La carte d'identité, elle est pas faite encore? Ah bon, moi j'ai ma carte depuis tout à l'heure. Vas-y, monte-moi. Remonte-moi. Tiens. Vas-y, dégage. C'est bon, vas-y, tu peux partir. Vas-y, bouge. Adèle Meyer, super. Toi, tu l'as pas, toi? Non, les gars, je l'ai pas. Tourne-toi, je vais te palper, tourne-toi. Pourquoi tu l'as pas fait? J'appelle l'autre là. Pourquoi ton collègue il l'a fait, toi, tu l'as pas fait? J'ai pas eu le temps. Les 4$ là, ils sortent d'où là? Ils sortent d'où les 4$? C'est au mécano, c'est mon pourboire. Il est déclaré cet argent? C'est un flic qui me l'a donné donc j'imagine, oui. Ah, parce que tu crois qu'il y a pas des ripoux dans la police? J'en sais rien, moi je fais juste des réparations au Bénise. Ouais, et toi t'acceptes de l'argent pas déclaré? Bah, ça me permet de me payer un menu au Clocking Bell donc oui. Non, mais vous faut arrêter. Ça vient de la police, moi j'ai pas. Reculez madame, ne m'obligez pas à utiliser la force. Ok, on fait quoi, Malcolm? Je peux baisser les bras. Je pense qu'on peut laisser partir, lui, non? Ouais. Eh, va faire ta pièce d'identité, écoute. Dépêche-toi, je reviens. Ouais, vas-y, Malcolm, j'y vais. Écoute-nous bien, là. Oh, on repasse dans 10 minutes, t'as pas de pièce d'identité. Écoute-toi bien, il va se passer un truc de fou. Je peux pas te le dire, ça va être une surprise, c'est bon? Truc de fou? C'est bon? Mais là, j'ai envie de le faire, le truc de fou. C'est bon? Tu comptes le fasse maintenant? T'es sûr de toi? Tu le fasse maintenant? Non, c'est bon. Attends, 10 minutes, tranquille, c'est bon. 10 minutes, hein? Ouais, bon. Putain. Vas-y. Ça vous apporte quoi de faire ça? Ferme ta gueule, c'est nous les chefs, c'est nous la loi. Félindra, tu peux pas. Quelle loi? Pas de loi. Putain. Vas-y, viens. Mais moi, c'est pas Félindra. Ah oui, c'est Ravindra. Ravindra. Tête de tigre. Attendez, faut juste que je fasse une petite sieste. Depuis petit, on me fascine. Faut des lovés pour les filles ou elles vont pas te marier. J'examine, j'assassine tous les fois qu'ils me parlent. Juste parce que je pourrais percer.
des petits, j'ai des crocs. Ils veulent ma peau mais n'ont pas eu les couilles de me chasser.